Bonjour à tous pour ce petit live d'entraînement. Dites-moi si vous m'entendez correctement dans les chats, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de grésillement ou quoi que ce soit. J'ai remarqué qu'on est bientôt 11 000 sur la chaîne là, donc je pense qu'on va passer les 11 000 pendant ce live. C'est vraiment chouette, merci beaucoup à vous. Alors j'ai ajouté, pour ceux qui sont déshabitués de mes lives, j'ai ajouté d'autres informations. Qu'on me demande souvent en live, par exemple j'ai ajouté ma race préférée dans le jeu, ma robe préférée aussi j'ai ajouté. Et j'ai également ajouté une autre question qui concernait en fait tous les gens qui me disaient est-ce que tu m'as bloqué en jeu, je te vois pas. J'ai répondu à cette question dans la description, du coup maintenant si jamais, je vous le dis, hein, si jamais vous voyez des gens demander ce genre de questions, n'hésitez pas à les rediriger dans la description du coup, vu que j'y réponds. Comme ça m'évitera de me répéter, répéter et répéter tout le long du live pour ce genre de questions. Voilà. Ah, et j'ai aussi, petite nouveauté, j'ai aussi mis tous les éléments de ma tenue également dans la description pour ceux qui veulent savoir. Bah là, on me voit pas du tout, du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à chercher ma tenue, mais voilà, si vous voulez savoir où j'ai acheté ma tenue complète jusqu'à mon cache-œil, donc mon accessoire au niveau de ma cavalière, bah vous saurez en regardant la description. Comme ça évitera les questions récurrentes. Voilà. Et du coup, ouais, là il y a beaucoup de gens, mais je pense pas que je vois tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que ça. Vu qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils me voient pas, malheureusement. Malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des messages qui ne s'affichent pas, qui sont automatiquement bloqués, alors qu'il n'y a rien de méchant dans les messages. Du coup, je vais attendre quelques minutes là, le temps que les gens arrivent. Parce que ça vient tout juste de vraiment débuter. Et puis on ira faire les courses en commençant bien sûr par Steve et toute la zone alentour, c'est-à-dire le moulin, les lapins, Marley. On ira faire tout ça. Je vais juste me retirer, hop, le transport là, parce que ça fait vraiment des icônes pour rien. Voilà. Je vais regarder vite fait combien on est parce que j'ai même pas checké. C'est normal si l'écran se fiche, c'est que je fais un retour Windows. Alors on est 300 personnes, c'est ce que j'avais estimé vu que j'ai annoncé de partout que je faisais un live. Du coup bah merci d'être aussi nombreux, j'espère que vous resterez tout autant nombreux et que vous m'accompagnerez durant les courses pendant ce live. Comment on fait pour connaître son serveur? Bah tu vas sur le site web, tu te connectes au site web de Sarstable et puis en fait tu vas dans les paramètres et ton serveur s'affiche en fait. Ça te dit sur quel serveur tu es actuellement et t'as la possibilité de le changer également. Est-ce que tu pourrais faire des lives ce soir? Bah, les lives que j'ai fait précédemment, il y en a eu un par exemple où je chassais les œufs de Pâques ainsi que les araignées. Et il a terminé à 1h30 du matin, je crois. Donc c'était vraiment le soir-soir, quoi. Et il avait duré 5 heures le live. Donc oui, ça m'arrive de faire des lives le soir. D'ailleurs, beaucoup plus souvent, j'en fais le soir plutôt que l'après-midi ou le matin, quoi. J'ai jamais fait de live le matin d'ailleurs. Bah, je vais aller à Mourlande quand je passerai faire les courses là-bas, mais je vous dis, on va pas s'arrêter. Tant qu'on n'aura pas fini les courses, on va pas s'arrêter à un endroit, on va pas se poser. On va rush les courses pour finir ça assez rapidement, et puis sinon, on se posera dans une zone non-star rider à la fin du live, du coup, à la fin des courses plutôt. Allez hop, un petit fail pour le début du live. Je bloque dans la barrière. Du coup, on va débuter les courses. Hein. On va le faire sans plus tarder parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent depuis un certain temps maintenant. Du coup, on commence par celle de Steve et puis après on ira vers Marley et tout ça, quoi. Enfin, vous avez juste à suivre la foule et vous repérerez correctement ceux qui sont sur le jeu. Comment s'appelle la chanson du début? C'est Scott Buckley qui fait cette chanson et le titre c'est Sanctum. Mais elle était affichée en fait sur l'écran donc. Pire des cas, tu regarderas la rediff et tu regarderas le tout début du live. Le nom était affiché. Alors malheureusement hier je me suis pas du tout connectée, même pas pour nourrir mon cheval. Du coup bah il a un sourire pas totalement vert. Du coup je suis un peu lente, c'est un peu triste. donc voilà, je vais être à la ramasse tout le long du live, mais bon c'est pas très grave. Ah bah bisous à toi, Julie. Alors s'il vous plaît, quand vous me posez des questions, vérifiez si la réponse n'est pas déjà disponible dans la description parce que j'ai vraiment fait l'effort de rajouter plein d'informations pour bah, vous répondre au mieux.
aux questions que vous pourriez me poser. Voilà. N'hésitez pas à check la description, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Ça vous prend 2 secondes à lire, hein. C'est pas des énormes pavés non plus. Je peux pas attendre chacun d'entre vous, il y a bien un moment où je dois commencer les courses, sinon on va jamais s'en sortir. Au pire des cas, vous nous rejoignez au fur et à mesure des courses. Si par exemple là, vous pouvez pas joindre tout de suite au tout début, bah vous nous rejoindrez plus tard en vérifiant sur le live où est-ce qu'on en est dans les courses, il n'y a pas de souci. On n'a pas fini là maintenant, ça vient à peine de commencer, on n'est qu'à la première course. Ouais, ça fait un énorme changement, Manon. Moi aussi, je j'en reviens pas. J'ai du mal à croire que c'est mon propre compte. Parce que vraiment, c'est surtout la coupe, en fait, qui me perturbe, moi. Même si je l'adore, cette coupe. C'est juste que depuis que je suis revenue sur le jeu, j'ai toujours eu ma coupe longue, cheveux détachés, là, blanche. Et j'ai jamais changé. Du coup, ouais, ça fait très bizarre. Là, pour celles qui sont sur le jeu, on va à la ferme de Marley faire ses petites courses. Tu peux vérifier si tu es bien sur le serveur 1 parce que personne ne te voit et je vois pas les personnes. Bah le souci c'est que ouais, ça dépend en fait, ça dépend malheureusement de ton PC, je pense que SSO gère l'affichage. Et en fait si tu veux, je pense que moins ton PC est performant, moins il affichera de personnes pour te permettre d'avoir un jeu qui ne lag pas, qui ne bug pas. Et du coup malheureusement ouais, il se pourrait que tu vois pas grand monde, ouais. Donc je suis désolée mais ça j'y peux rien et je suis bel et bien sur le serveur 1. J'ai pas bougé de serveur depuis des lustres. Donc je suis bien sûr que je suis sur le serveur 1. Ça y a aucun doute. Alors je suis désolée, il y a certains de vos messages qui passent pas, mais je les vois moi. Mais il n'y a pas tout le monde qui les voit. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'irai en vocal Discord. Et je pense pas que j'irai aujourd'hui parce que je dois tourner une vidéo cet après-midi. Donc après le live, j'irai tourner un truc. Et voilà, du coup non, je pense pas passer en vocal aujourd'hui sur Discord. Vive les serveurs européens. Ah ouais, ça c'est... Après, d'un côté, ça a ses bons côtés qu'on soit tous séparés dans différents serveurs, parce que sinon les serveurs, ils seraient surchargés. Imaginez si on était tous regroupés sur les mêmes serveurs, et puis on s'entendrait pas tous, je veux dire, dans le sens où on n'a pas tous la même langue. Bah vous, en l'occurrence, vous parlez français, mais je veux dire, imaginez si on était tous mélangés entre... entre anglais, espagnol, américain, ce serait le bordel. Du coup, ouais, c'est un mal pour un bien. Mais sinon, si vraiment vous avez envie d'aller sur les serveurs français, vous pouvez le faire en faisant la demande par mail à SSO, donc en passant par le site web. Vous pouvez leur faire la demande et généralement, ils acceptent. Donc voilà. Alors je sais pas pourquoi certains messages vraiment ne s'affichent pas. Alors, Cavalière pour toujours, je doute que je t'ai en ami. Parce que ton pseudo YouTube il me dit vraiment rien. Et du coup je sais pas pourquoi tu fais croire que je t'ai dans ma liste d'amis, c'est un peu bizarre. En mode tu es hors ligne, d'accord. Ah merde. Moi je suis canadienne, ouais bah oui. Du coup t'as accès qu'à Maple Star pour parler français. Oh non, j'ai pas envie de mettre la cam là. Je me suis mis de la crème hydratante en plus avant de venir faire le live parce que ma peau en ce moment elle est très très sèche à cause du froid. J'ai vraiment hâte qu'on revienne dans un climat un peu plus chaud pour que ma peau elle arrête d'être tendue comme ça parce que vraiment c'est pas agréable. Il faut vraiment payer pour avoir toute la map? Bah oui. Il faut payer, c'est pas un jeu gratuit, c'est ça. Je vais pas m'amuser à bloquer et débloquer des gens pour qu'ils puissent me voir, malheureusement. Ouais. Ça vraiment, j'y peux rien. Et si je passais mon temps à vous bloquer, débloquer pour que vous ayez la chance de me voir, ou la possibilité, on n'aurait jamais fini, on ferait que ça du live. Et c'est pareil, par un moment, je me souviens, dans mes premiers lives, là, on va... Attendez, je guide les gens en vocal. On va à la course du moulin. Oui, donc pour mes premiers lives, je me souviens, il y avait plein de gens qui me demandaient, parce qu'ils me voyaient pas, de les ajouter dans un groupe et de les virer du groupe pour qu'ils puissent me voir, mais pff, ça prenait un temps fou et il y a même des gens qui faisaient exprès de me demander de les ajouter dans le groupe juste pour être dans le groupe avec moi alors qu'ils me voyaient très bien, quoi. Je pense que oui, à 16h, je serai toujours en live parce que généralement, les courses, ça dure 2 heures environ.
En live en tout cas. Et du coup, oui, je pense qu'on sera en live jusque bah, 17h. J'allais dire 18h, mais pas forcément 17h du coup. Merci beaucoup, Lola. Bah, je pense, Amdi, t'aurais dû préciser en fait quel serveur exactement tu voulais intégrer. Et pas juste dire j'aimerais être sur les serveurs français, mais vraiment préciser que tu voulais être sur serveur 1 pour être sûr d'y être en fait. Mais non, c'est pas trop tard, on est au tout début du live là. Vraiment, vous pouvez nous rejoindre en route si vous voulez faire les courses avec nous. On est vraiment au tout début donc y a pas de souci. Il y a tout le monde qui a le lusitanien, pareil que moi. Il est vraiment populaire ce lusitanien. Ouais, bah près de chez moi aussi il fait environ 25 degrés. Ouais, il devait faire 23 tout à l'heure. Ouais, il fait bon en ce moment. Mais juste, c'est la période hivernale, ma peau elle a vraiment pas assumé quoi. Elle s'est desséchée complètement. Puis à côté, je faisais pas spécialement gaffe à m'hydrater ou quoi, donc voilà. Bisous à toi, Iris. Ah, moi je fais jamais mes courses la nuit pour la simple et bonne raison qu'en fait, avant minuit, tes courses elles se resettent le lendemain. Et si tu les fais après minuit, donc vraiment dans la pleine nuit, et eh bah tes courses ne se resettent pas le lendemain. Du coup, bah c'est un peu du gâchis si tu les fais la nuit. C'est comme si tu le faisais le lendemain, du coup, bah autant aller se coucher plutôt que de t'ennuyer à faire les courses. Plutôt que de te fatiguer à les faire alors que tu pourrais aller dormir quoi. Parce qu'en gros, toutes les quêtes et les courses que vous faites avant minuit, elles vont se renouveler le lendemain et vous pourrez les refaire à nouveau. Pour les quêtes quotidiennes, bien sûr. Là, on va faire la course des lapins. Alors que si vous les faites après minuit, bah le lendemain, vous n'aurez pas à nouveau les quêtes dispo. Du coup, ouais, c'est une chose qu'il faut prendre en compte et il faut faire gaffe à ça. Merci beaucoup, Karine, c'est super gentil. Si j'agrandis mon écurie et que je change d'écurie, elle sera toujours agrandie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, ton amélioration d'écurie, elle s'applique à toutes les écuries de Jorvik, si tu veux. Donc, si tu changes, tu auras toujours la même écurie à l'intérieur. Oh, ça risque d'aller assez vite, Eliam. Il n'y a pas de souci. Oui, tous les chevaux, de toute façon, assez anciens, avec un modèle assez ancien, comme par exemple. Tu me proposes les Tinkers, seront refaits à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout les Tinkers d'ailleurs, parce que c'est une race assez populaire. C'est quand même des beaux chevaux de trait avec des magnifiques taches. Ah, j'ai complètement foiré mon truc de raccourci des lapins. Bon, c'est pas grave. Première fois que je galère à la course des lapins, qui est ma course de prédilection. C'est pas grave, on va galérer. En fait, fut un temps, j'aimais beaucoup mon Libizan dans mon écurie, sauf que maintenant, c'est plus trop le cas. J'ai plus vraiment de préféré. Mais il y a un cheval qui me fait de l'œil depuis un certain temps, mais que je m'achèterai certainement après ce lusitanien-là, une fois que j'aurai fini de l'entraîner. Je vous dirai pas c'est lequel, parce que de toute façon, il y a plein de gens qui le savent déjà. Mais il y a un cheval qui me fait de l'œil depuis un certain temps, et je dirais qu'une fois que je l'aurai, ce sera lui mon préféré. Voilà. Mais je vous laisse un peu la surprise pour ceux qui se doutent pas de quel cheval c'est. Mais j'ai beaucoup dit dans mes vidéos généralement que je comptais l'acheter de toute façon, donc c'est plus trop un secret, mais au pire je garde quand même le secret pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas suivi. C'est trop marrant de voir tout le monde courir après les lapins de partout là. Tout le monde qui galère, dont moi pour une fois. Que j'enlève le son des flèches, bah non, parce que ça fait partie des sons d'ambiance du jeu, et du coup ça supprimerait le son des sabots des chevaux, alors que c'est très agréable, je trouve. Du coup, non, je vais pas enlever le son des flèches qu'il y a pendant les courses. Par contre, oui, j'arrive pas à valider ma course à cause du monde qui a dessus. Voilà, c'est bon, je m'écarte pour que le monde s'écarte, pour que les autres puissent valider, et j'attends que tout le monde ait fini de courir de partout pour qu'ils finissent leur course. Ah, ah bah oui, au pire, bloquez-moi et débloquez-moi, tout bêtement. Si vous voulez, j'écris dans les chats. Coucou. Voilà, n'hésitez pas à me bloquer surtout. Peut-être que ça changera quelque chose. Ouais, clairement, Océane.
Oui, je suis d'accord avec toi, Dusky. Je le ferai au moment où je passerai faire les courses à Mourland. Je passerai par Mourland, c'est logique. Et à la fin du live, une fois que j'aurai fini les courses, je me poserai dans un endroit d'un Star Rider, donc soit Fort Pinto, soit Mourland. La qualité du live est basse. Je vais vérifier ça sur mon ordi. Bah, c'est juste toi en fait qui n'a pas mis la qualité haute. Faut que tu règles ça sur la petite roue dentée en bas à droite. Voilà. Mais normalement la qualité est tout à fait normale. T'as du 720p à disposition, c'est tout à fait correct. D'ailleurs, est-ce que on a passé le cap? Ah bah non, on est à 2 abonnés de passer les 11 000. Voilà. Donc s'il y a deux personnes pas encore abonnées dans le chat, n'hésitez surtout pas pour qu'on passe ça en live. Le live est en retard par rapport au jeu. Alors oui, mais il y a une très légère latence, je dirais, de 10 secondes, à peu près. Bon, je trouve ça pas très très grand comme latence. Ça va, ça passe. Du coup, on va aller. Bah écoutez, je vais faire un effort pour une fois. Et je vais vous emmener à la course de l'observatoire de Mario. Qu'on la fasse. C'est bon, on a passé les 11 000? Bah merci beaucoup à vous. Je m'attendais pas à les passer en live. À vrai dire, je fais jamais trop gaffe à mon nombre d'abonnés, donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir de le passer en live. Ah! Non! Oula, j'ai failli me faire écraser. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Alors j'essaie d'afficher des messages qui ne s'affichent pas automatiquement. En même temps de naviguer avec mon cheval, c'est un peu complexe. Merci! Vous êtes adorables. Bah bravo à vous, hein. C'est vous qui vous êtes abonné. Alors attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné son avis sur les Shin Kotiks, ça a l'air intéressant. Je trouve que les Shin Kotiks sont un peu... Attendez, je monte dans le truc là. Je trouve que les Shin Kotiks sont un peu négligés, c'est un beau modèle, mais il n'a pas d'allure spécifique. C'est les mêmes poneys que le Jorvikot, donc je sais pas si j'en achète. Bah personnellement, hein, je te dirais déjà d'attendre les robes si tu veux t'en acheter un. Et si vraiment le modèle te plaît pas, bah t'en achètes pas, te force pas à en acheter juste histoire d'avoir la race, on s'en fiche, tu vois. Moi je sais que par exemple, j'aime vraiment pas les allures parce que c'est vraiment du calqué sur le poney Jorvikot, malheureusement. Et je préfère limite m'acheter deux poneys Jorvikot, tu vois, qui ont exactement les mêmes allures finalement, plutôt que de m'acheter un Shin Kotik. Si je me rachète un Shin Kotik, tu vois. Le choix est vite fait parce que bah au final t'as plus de choix et c'est cool quoi. Puis les petits poneys Jorvikot sont plus mignons que les Shin Kotik à mon sens. Il y a beaucoup de quêtes avec lui aujourd'hui. Alors si t'essayes de m'ajouter en ami Cavalière pour toujours et que ça t'affiche que je suis en ligne, c'est tout simplement parce que j'ai bloqué les demandes d'amis, donc mais je suis en ligne. Hein. Je suis bel et bien en ligne. Ouais, en effet, Dusky, merci de répondre aux questions. J'ai fait, en fait, si tu veux, enfin, je sais pas qui a posé la question de base, mais j'ai créé mon compte en 2013, en fait, en cherchant un jeu en ligne de chevaux. Je pense comme la plupart d'entre nous, à la base, quoi. À part ceux qui sont tombés sur des vidéos YouTube, par exemple, ou des pubs, qui donc ont connu le jeu comme ça. Mais moi, perso, c'était en faisant une recherche par moi-même que je suis tombée sur Star Stable. Donc c'était en 2013, précisément en avril. Et, j'ai direct accroché parce que moi les chevaux, faut savoir que j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours baigné un peu dans le monde des chevaux, rien que les jouets que j'avais. C'était que des jouets représentant des chevaux. J'ai fait la collection des Schleich aussi pendant des années. Et ouais, j'ai toujours baigné là-dedans. Et forcément de voir un MMORPG basé et centré sur les chevaux, bah ça m'a beaucoup plu directement. Du coup j'ai directement pris mon abonnement Star Avi. Parce que j'ai direct... demandé à ma mère pour mon anniversaire de m'acheter ça, et du coup bah c'était mon cadeau d'anniversaire en 2013. Et voilà. Ma mère a directement accepté, même si elle avait des réticences, parce qu'en 2013 elle avait encore un peu de mal avec les paiements sur internet. Maintenant ça va largement mieux, elle a complètement confiance, mais c'est vrai que bah, 2013 c'était encore un peu nouveau de tout payer par internet. Les parents sont pas trop habitués à ça. Même chance que tes parents encore aujourd'hui ont un peu de réticence à payer les choses sur internet. Du coup je suppose que pour les plus jeunes d'entre vous, c'est peut-être vraiment difficile d'obtenir un abonnement, même si vous avez l'argent de poche en réel, en physique. C'est peut-être vraiment difficile d'obtenir un abonnement sur SSO. Ouais, du coup c'est un peu triste quand vous n'avez pas l'opportunité d'avoir des parents compréhensibles qui veulent peut-être faire un échange, vous savez, vous leur donnez l'argent en liquide et puis vous, ils vous achètent le jeu
sur internet quoi. Enfin moi c'est ce que j'aurais fait si c'était pas juste pour mon anniversaire qu'elle me l'avait acheté quoi. En tout cas moi je vous conseille de faire ça. C'est un échange d'argent réel de toute façon à de l'argent virtuel entre guillemets, mais ça reste du vrai argent quoi. Oui, de ski, c'est vrai. Déjà de base, payer pour un jeu, ouais, mais pas forcément un jeu en ligne. T'as cherché les œufs en chocolat? Ouais, je les ai cherchés. Attends, non, tu peux. Parce que en vrai, j'ai pas eu de d'œufs en chocolat. Hein. Mais sur SSO, j'ai cherché les œufs de Pâques, quoi. Si c'est ce que tu demandes. Et du coup, oui, pour en revenir à mon arrivée sur SSO, du coup, bah, j'étais arrivée en 2013. Et en fait, j'ai fait une assez longue pause bah, de 4 ans. En fait, c'était pas vraiment une pause continue, parce qu'il y a des moments où je me reconnectais sur le jeu juste pour checker un peu les nouveautés. Et j'achetais un cheval et je repartais. Mais genre, j'ai fait ça 3 fois, je crois. Bah oui, parce que j'ai acheté mon pur sang arabe. À un moment donné où je suis passée en coup de vent, j'ai acheté aussi mon andalou et j'ai acheté mon suédois du Nord ancien modèle aussi à un moment où je passais en coup de vent. Du coup, là on va à la piste de la Baronne pour ceux qui font les courses. Et du coup, oui, j'ai fait une pause, on peut dire, de 4 ans. Et je suis revenue en 2017 sur le jeu pendant les grandes vacances parce que en fait, il y a une fille qui parlait du fait qu'elle jouait à SSO sur Twitter. Une fille que j'ai connue vite fait. Et je lui ai dit, oh putain, le jeu il date, mais moi j'ai un compte Star Rider Addict, j'utilise même pas. Et elle m'a dit, vas-y, donne-le-moi, je fais t'es folle ou quoi? Il m'a coûté 60 balles l'abonnement. Et au final, genre peut-être quelques jours après, je me suis souvenu de cette conversation et j'ai redébarqué sur le jeu. Et c'est un peu grâce à cette personne, entre guillemets, qui m'a réclamé mon compte, que j'ai repris le jeu et qu'au final je me suis mise à faire des vidéos parce que ça me manquait de faire des vidéos vu qu'à la base j'en faisais sur les Schleich parce que j'avais une très grosse collection et ouais je faisais des vidéos séries et tout avec mes Schleich, c'était marrant et puis j'étais petite donc ouais. D'ailleurs je me souviens j'avais eu un commentaire qui m'a marqué quand je faisais encore des vidéos sur les Schleich sous une de mes vidéos où je faisais parler mes Schleich parce que je pense qu'on l'a tous fait avec nos jouets hein. Même si les Schleich c'est au-delà d'être des jouets, entre guillemets, c'est quand même des figurines de collection, donc faut en prendre soin et tout. Mais moi, je suis très soigneuse de mes affaires, du coup, je crois que mes Schleich sont en bon état. Après, ça fait un moment que je les ai pas vus, ils sont dans des cartons. Et du coup, oui, je me souviens d'un commentaire qui m'avait beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui me disait, sûrement quelqu'un d'assez âgé, qui m'avait écrit « Oui, c'est n'importe quoi de faire parler des figurines, bientôt on va faire parler des fourchettes. » Enfin... En gros, il me disait bientôt on va faire des vidéos en faisant parler des fourchettes et faire une histoire, mais en mode c'était n'importe quoi ce que je faisais et que ça n'avait pas lieu d'être. Alors que bah, j'étais juste une gamine qui s'amusait avec ses chevaux et qui faisait des histoires sur internet, quoi, il n'y avait rien de mal. Donc bon. C'était juste quelqu'un d'un. C'était un vieux con, comme on dit. Je me prends des murs, super. Est-ce que tu penses que les chevaux de l'événement équestre vont revenir plus tard dans le jeu? Car j'aimerais. Prendre le lisible entreté. Oui, bah oui, bien sûr. Ils vont revenir l'année prochaine, je pense, au même événement. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Ça va faire comme les chevaux magiques, à mon avis. À chaque fois, il va y avoir une rotation. C'est-à-dire que les chevaux exclusifs d'événements équestres, ils vont revenir, à mon avis, 2 ans de suite. Et la troisième année ce sera des différents et la quatrième année ce sera les mêmes. Enfin ainsi de suite. En gros tous les 2 ans à mon avis ça se renouvellera. Dis les fourchettes. D'accord. Du coup là on va faire bah, les courses pardon à Silverglade juste à côté. Attendez, je vais mettre mon clavier en QWERTY parce que c'est vraiment désagréable de jouer avec les flèches. Voilà, merci. Tu peux réécrire dans le chat. Oui, y a pas de souci. J'attends que tout le monde soit là pour réécrire ceux qui veulent me débloquer, bloquer. De toute façon, je vois pas s'il y a tout le monde ou pas. Vu que moi-même, je ne vous vois pas tous, hein, je pense. Ah merde. J'ai mis mon clavier en QWERTY, mais je continue d'utiliser les flèches. Alors, Davy, tu vas refaire un live avec ta webcam. Alors, bah, c'est pas prévu pour le moment. Mais oui, un jour, j'en referai, y a aucun problème. Parce que ça va, je suis assez à l'aise avec ma cam. Vu que je fais déjà des lives sur Twitch de temps en temps, et puis je mets tout le temps la cam systématiquement. Enfin là j'ai arrêté live sur Twitch, hein. Ça fait depuis janvier que j'en ai pas refait. J'en ferai sûrement pendant les grandes vacances je pense.
Et du coup, oui, je pense que je referai des lives webcam sur SSO, mais dans ces cas-là, je laisserai pas le live en rediffusion parce que je suis pas encore prête à laisser les live cam en libre accès, même après le live, quoi. Ça me gêne encore un peu. Tu fais de l'équitation en vrai? Alors non, j'en fais plus depuis un certain temps maintenant. Comment on met son clavier en QWERTY? Alors il y a une combinaison de touches, mais elle fonctionne que si t'as dans tes paramètres Windows en deuxième langue l'anglais en fait. En deuxième langue pour le clavier. En fait, il faut aller dans les paramètres Windows, mettre en deuxième langue pour le clavier l'anglais. Et puis en fait, après tu fais. C'est quoi? C'est CTRL-ALT, je crois, la combinaison de touches. Et puis après, ça te change automatiquement ton clavier, ça te le met en QWERTY et tu peux utiliser le ZQSD pour te déplacer. Voilà. La petite information. Alors j'essaye de vous lire en même temps de faire mes courses. Comment on sait sur quel serveur on est? Bah tu vas sur le site web. Je pense que déjà beaucoup de gens l'ont dit dans le chat en plus. Tu vas sur le site web de SSO, tu te connectes comme si tu te connectais au jeu directement et tu regardes dans tes paramètres et tu sauras quel serveur t'es. Voilà. Au pire des cas, tu te connectes directement sur le jeu, tu demandes en global sur quel serveur on est s'il vous plaît, les gens te répondront et voilà. Est-ce que je vais faire une FAQ? Alors non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt à ce que j'en fasse une, je pense. Parce que, honnêtement, je vois pas quelles questions pourraient me poser de nouvelles par rapport à ma première FAQ, qui d'ailleurs n'a pas fait énormément de vues, alors que je pensais que ça vous intéressait de base, mais ça date, hein. Mais genre, on pose énormément de questions, et au final, bon, il y a les trois quarts des gens qui regardent pas vraiment la vidéo, quoi. Donc c'est un peu, ça fait un peu chier, parce que c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps, vu que j'ai fait que répondre à des questions non-stop. Et forcément, quand tu parles non-stop pendant, je sais pas, ça avait peut-être duré 1 heure. Derrière, il y a beaucoup de montage parce qu'il y a énormément de ratés quand tu parles non-stop. Il y a forcément des phrases que tu rates. Du coup, derrière, ça fait beaucoup, beaucoup de montage, beaucoup de travail et c'est assez chiant. C'est comme par exemple la vidéo, mes vidéos lecture nocturne. C'est des vidéos aussi qui me prennent beaucoup de temps à monter. Au final, ça plaît pas énormément de gens, à part les gens qui aiment bien un peu l'ASMR, vu que je parle très, très doucement dans ces vidéos-là. Du coup, c'est un peu du travail pour rien. C'est un peu agaçant, quoi. Mais de toute façon, oui, je vois pas quelle question on pourrait me poser, ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse sur Insta aussi, peut-être. Genre, posez-moi une question comme les gens ont l'habitude de faire. Après, voilà. Je sais pas si vous avez des questions, profitez-en quand je suis en live, hein. Merci beaucoup, I'm Blue. Tu peux faire une rencontre à Beau? Bah, tu me demandes ça alors qu'on est en live. T'as qu'à venir, c'est une rencontre abo comme une autre, hein. J'ai jamais fait de rencontre abonnée à proprement parler, puisque je trouve aucun intérêt là-dedans. À part me compliquer la vie, parce que clairement, les rencontres abonnées in-game où je dois vous parler à l'écrit, j'ai une chance sur 3 de me faire ban à chaque fois, parce que SSO censure pour tout et n'importe quoi. Je préfère largement pouvoir parler sur YouTube en live. Et à la fois faire une activité qui vous permet de progresser dans le jeu. Je trouve ça 10 fois plus utile et 10 fois plus simple pour moi de vous parler en live. Donc vraiment jamais je ferai une rencontre abonnée, entre guillemets, où je parlerai par écrit dans le chat de SSO. Ça c'est hors de question parce que c'est vraiment trop galère. Rien que des fois quand je me pose quelque part et qu'il y a des personnes qui viennent me parler, je réponds avec plaisir. Sauf que bien souvent je finis par me faire ban parce que la censure est excessive, vraiment. Moi ça me saoule. C'est pour ça qu'à chaque fois j'invite les gens à décaler sur mon Discord pour qu'on puisse parler tranquille parce que vraiment c'est insupportable. Moi je supporte pas. D'ailleurs c'est vraiment un des points négatifs que je reproche à ce jeu, c'est le système de chat qui est vraiment. Mais vraiment. Comment dire? Il nous laisse vraiment très peu de liberté. Après je comprends que voilà, c'est un jeu. Où il y a majoritairement des mineurs et qu'il faut les protéger et tout, mais il y a des combinaisons de mots qui sont bloquées, ça n'a aucun sens quoi. Quand je dis combinaison de mots, c'est-à-dire genre 2 mots à la suite ils vont être bloqués, alors que si tu les écris à part dans 2 messages différents, bah ils seront pas bloqués. Ça n'a aucun sens en fait, parce qu'au final tu peux quand même dire ces 2 mots, c'est pas comme si c'était bloqué de base. Merci beaucoup pour tous ceux qui disent qu'ils adorent mes vidéos, ça fait vraiment très plaisir. Je vois beaucoup de messages dans ce genre, donc vraiment merci beaucoup à vous. Et bisous à ceux qui partent, j'ai vu également des gens qui partaient. Merci d'être passé. Mais n'hésitez pas à poser directement vos questions plutôt que de me dire que vous en avez une à me poser. Comme ça, je peux directement y répondre, c'est plus simple. Salut Mi, ou Mai, je sais pas trop comment on prononce ce pseudo sur SSO.
Non, pas jusque tard le soir, ça va pas là. En fait, si tu veux, ce matin, je me suis réveillée à 6h du matin. Sauf que je me suis endormie à 1h du matin hier soir. Autant te dire que j'ai pas dormi énormément, parce qu'en fait, la journée d'hier, je me sentais pas bien. Du coup, bah, j'ai dormi quasi toute la journée. Enfin, toute la journée, j'ai dormi quasiment. Du coup, ouais, je me suis couchée à 1h et pourtant, j'ai pas énormément dormi, bah, vu que j'avais dormi déjà la journée. On va faire la course du jardin pour ceux qui sont sur SSO. Du coup, oui, j'ai dormi toute la journée. Du coup, forcément, j'ai pas énormément dormi cette nuit et je me suis réveillée à 6h du matin. Du coup, je pense que c'est impossible que je fasse un live jusque très tard le soir. Puis, de toute façon, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le live, mais c'est pas grave, je répète, je dois faire une vidéo assez rapide, mais je dois faire une vidéo cet après-midi que je dois faire depuis un petit temps déjà. Et puis voilà. Sur Roblox, il y a aussi des censures, mais elles ne censurent pas tout. Il y en a beaucoup, je trouve ça. Il y en a pas beaucoup, je trouve ça super. Alors, je connais pas du tout Roblox ni le fonctionnement de leur chat, perso. Du coup, bah, tu m'apprends un truc. Hier, je me suis couchée à 5h40, 40, pardon. Oui, tu as abusé en effet, Icecrown. On pourra faire des jeux. Comment ça, des jeux? Précise ta question, Just Anna. Mais merci beaucoup pour ton commentaire. Oula, je déteste cette course, c'est pour ça que je la zappe souvent. Le serveur 1 il s'appelle Blueberry Mountain. Bah en fait, les Starcoins le samedi, tu les obtiens seulement si tu payes l'abonnement. Avec Starcoin, donc ça peut être mensuel, trimestriel ou à vie, mais c'est à chaque fois le plus cher des abonnements en fait, dans les trois cas. Il me semble par exemple, il me semble que l'abonnement trimestriel avec Starcoin il coûte 14 euros, alors que l'abonnement trimestriel sans Starcoin il coûte la moitié du prix, je crois. C'est pareil, l'abonnement mensuel sans Starcoin il coûte 3 euros, je crois. Alors que celui avec Starcoin il coûte genre, je sais pas, 6 euros, 7 euros. Et bah pareil pour l'abonnement à vie, celui sans Starcoin il coûte 30 euros et celui avec Starcoin il coûte 65 euros. Et parfois il y a des offres où l'abonnement avec Starcoin à vie il baisse à 45 euros. Du coup, vraiment faut se jeter dessus si vous voyez cette offre parce que c'est la plus rentable de tout le jeu à mes yeux. Voilà. Je t'adore, comment tu fais ton début de live avec ta musique? Bah merci beaucoup. Moi aussi j'adore cette musique, je la trouve très très jolie. Alors là par contre ça va pas le faire. J'ai raté la fin. Bah Star Avis, c'est tu payes une fois et tu peux jouer au jeu jusqu'à ce que le jeu ferme entre guillemets. Y a pas de trimestriel sans Starcoin? Ah bah d'accord, je savais pas. Je pensais que c'était le cas pour tous les abonnements. En tout cas, j'ai un ami qui justement a pris malheureusement fut un temps l'abonnement à vie sans Starcoin et maintenant il le regrette amèrement puisque si jamais il veut passer à l'abonnement à vie avec Starcoin, bah, il doit repayer le prix fort, c'est-à-dire même s'il a déjà payé 30 euros pour son abonnement à vie sans Starcoin, et bah derrière il doit repayer son abonnement à vie 65 euros s'il veut avec les Starcoins. Donc c'est vraiment pas avantageux. Moi je pensais que en prenant par exemple l'abonnement à vie à 30 euros sans Starcoin, à un moment donné on pouvait genre upgrade, genre monter en niveau, enfin je sais pas comment le traduire en français, mais améliorer, voilà, améliorer l'abonnement donc sans Starcoin et le passer avec Starcoin pour 35 euros en fait. Pour qu'au final ça coûte 65 euros, même si t'as déjà payé les 30 euros, vous voyez. Sauf que non, en fait, il faut payer re 30, il faut repayer, pardon, le prix fort en fait, voilà. Il faut payer 65 euros si vous voulez passer d'un abonnement Star à vie sans Starcoin à un abonnement à vie avec Starcoin. Donc au final, c'est vraiment pas rentable parce que le délire c'est que si, parce que en fait, si vous avez un abonnement à vie avec les 30 euros, donc et que vous n'avez pas de Starcoin, bah vous pouvez pas profiter pleinement du jeu. Genre, ok, vous pouvez level up autant de level qu'il est possible, mais derrière vous pourrez pas vous acheter de chevaux, vous pourrez pas vous acheter d'équipement, vous pourrez rien vous acheter en fait. Du coup, y a presque aucun intérêt à part faire les quêtes. Donc ouais, c'est pas ouf quoi. Du coup, derrière, en fait, si vous voulez, si vous achetez l'abonnement à vie à 30 euros sans Starcoin,
Derrière, vous devrez vous payer des 10 000 starcoins pendant les doubles à 50 euros. Donc au final, ça vous coûtera beaucoup plus cher de prendre un abonnement à vie sans starcoins que si vous preniez avec starcoins. Donc tout ça pour dire que le meilleur, c'est de prendre un abonnement à vie à 65 euros. Et encore mieux quand il est en offre à 45 euros, c'est encore mieux. Et sinon, bah, prenez-le à 65 euros. Quoi qu'il arrive, il faut prendre l'abonnement à vie avec Starcoin. Ça, c'est le mieux. Voilà. Et si vous avez envie de tester le jeu, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit mensuel pour tester, et voilà. Et après, vous pouvez résilier si vous avez plus envie de jouer au jeu. Du coup, attendez, je vais lire vos messages. Pourquoi tu as arrêté l'utilisation? Alors déjà parce que j'avais plus l'opportunité d'y aller parce que bah, pour des raisons familiales, on pouvait plus m'y emmener par un moment parce que j'y allais tous les week-ends et bref, je pouvais plus y aller, on pouvait plus m'y emmener. Et aussi, il y a ouais, en vrai, le prix, c'est pas tant ça qui dérangeait puisque c'était prévu. C'était un, en fait, c'était un, comment dire, une charge qui était admise par mes deux parents. Dans le sens où ils me payaient l'équitation, mais à côté de ça, j'avais pas genre des vêtements tous les mois ou des conneries comme ça. Vous voyez, je pouvais moins me faire plaisir à côté de l'équitation, mais j'avais l'équitation quand même. Du coup, c'était pas tant ça, c'était pas tant le prix qui a fait que j'ai arrêté, mais surtout, oui, un manque d'organisation et peut-être aussi le fait que je suis passée. Attendez, j'ai arrêté quand? Je crois que j'ai arrêté quand je suis passée en troisième. Puis après, il y avait le lycée, donc ouais, vraiment, j'ai pas repris. Hein. Il y avait trop d'inconvénients parce que j'avais cours le samedi en plus par un moment, donc c'était pas ouf vu que j'avais pour habitude d'y aller le samedi. Mais oui, c'est surtout par un manque d'organisation. Et puis de toute façon, en fait, l'équitation, ça a toujours été un loisir pour moi. Ça n'a jamais été quelque chose que je voulais vraiment approfondir en mode faire des concours et tout. Du coup, bon, ça me manque pas tellement, ça va. Même si vraiment, je prenais beaucoup de plaisir à monter à cheval. Je suis trop contente, je vais bientôt avoir un mini Shetland. Ah bah c'est cool, I'm Blue, je suis contente pour toi aussi du coup. Quelle race veux-tu que SSO fasse? Moi je dirais plutôt le Marwari, parce que bah c'est un très joli cheval qui a beaucoup de possibilités au niveau des robes. Du coup ce serait vraiment chouette de voir ce que ça peut donner sur Star Stable. Il est très mignon plus de ça avec ses petites oreilles. Ouais du coup pourquoi pas un petit Marwari ou sinon une refonte de l'Andalou aussi, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. Parce que c'est un de mes chevaux préférés en vrai. Sauf que bah il est complètement raté sur Star Stable, forcément vu que c'est un ancien modèle, c'est pas ouf. Comment tu as trouvé Star Stable? Bah je l'ai expliqué un peu plus tôt. En fait je l'ai découvert en tapant jeu de cheval en ligne. Et j'ai découvert Star Stable, voilà. À la base des bases. Merci beaucoup Luna. Alors je suis désolée parce que vraiment là il y a plein de virages, du coup j'ai du mal à lire le chat en même temps. Je suis trop heureuse, je vais pouvoir enfin rejouer à Star Stable. Bah je suis contente pour toi, si t'es trop heureuse. Tant mieux. Je dois m'en aller, bise. Bah bisous à toi, The Rainbow Pony. Ah ouais, c'est pas cool quand vous vous mettez sur les gens sur lesquels il faut cliquer parce que vraiment c'est impossible de cliquer. Là j'ai aucune bulle qui apparaît. Ah c'est bon, j'ai réussi. Faut cliquer au niveau des pieds en fait. Bisous à ceux qui partent. Bah non, on va pas faire le championnat de Cirgrove là. On fait les courses. Les championnats ça n'apporte rien et en plus j'ai aucune chance de gagner. Avec Agathe et puis. Et puis surtout mon cheval qui n'est pas complètement heureux et pas niveau 15, il n'y a aucun intérêt à ce que j'aille faire les championnats. Et je vais pas vous embarquer là-dedans parce que ça serait la cata. Mais non, ça bug pas, voyons. Il n'y a aucun souci. Si ça buggerait vraiment, je pense que tout le monde me dirait que ça bug. Je pense que ça doit être votre connexion si vous avez des soucis pour suivre le live. Arrêtez de spam Mourlande, Mourlande, Mourlande. J'y passerai à la fin du live et quand j'irai faire les courses. Ça sert à rien de spam. Je vais pas m'amuser à faire un tour à Mourlande et arrêter les courses en plein milieu. Je le ferai à la fin. Ce sera plus simple pour tout le monde et surtout pour les personnes qui veulent faire les courses de base, quoi. Du coup, là, on se rend à Golden, logique, hein. On continue sur notre petite lancée. Ah non non les championnats, pff, déjà en plus il y a plein de gens qui vont laguer je pense. Ah bah non ça fait des groupes pour les championnats.
j'ai rien dit. Mais non, c'est une perte de temps de faire le championnat. Autant tracer et faire les courses, parce que vraiment 25 shillings, j'en ai un peu rien à faire. Parce que c'est ce qu'on gagne quand on n'arrive pas premier. Encore faut-il terminer. Mais n'importe quoi, l'image elle bouge. Actualise ta page, hein. Je viens de vérifier, l'image bouge très bien. Il n'y a pas de souci. Donc ouais, si l'image est figée pour vous, vous actualisez la page parce qu'il n'y a aucun souci de mon côté, de ce que j'ai vu. Oui, sinon baissez un petit peu la qualité. Bon, du 144p ou du 240, c'est vraiment moche. Donc bon courage pour ceux qui vont descendre cette qualité, à cette qualité. Mais oui, sinon c'est là, c'est une solution. C'est une solution. Oh, mais j'en ai marre de moi. Je joue avec les touches alors que mon clavier en QWERTY, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment trop l'habitude en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient ce lusitanien. Ça prouve que je vais pas trop sur SSO hein, ces derniers temps. Mais il y a beaucoup de gens qui ont sur lusitanien. Décidément. Après, c'est assez normal, il y a eu les Star Coins doubles récemment. Du coup, bah, les gens se sont jetés dessus pour s'acheter hein, des chevaux limités. Et puis forcément, bah, le préféré, c'est le petit lusitanien. Elles ont brûlé, je crois. T'as pas Golden? Eh ben c'est pas grave, tu nous rejoindras à la prochaine destination. Je pense après on fera Mourland, Forpinta, Écurie Jorvik et tout. Oh là là, mais n'importe quoi, la barrière que je me suis prise. Faudrait en fait que je lise une question avant de me lancer dans une course, comme ça j'y réponds pendant la course et j'ai pas besoin de regarder le chat parce que c'est impossible sinon. Je pense qu'après Golden, on ira à Mourland. Mourland, Forpinta, Écurie Jorvik ou Sudovan, c'est selon le ferry qui arrive en fait. Mais on ira là-bas, je pense. On fait comment ton début de live? J'ai pas compris ta question. Royal Dream. Alors attendez, parce que là il y a un gros virage, je peux pas vous lire. Ah, j'ai raté. Aïe, vraiment désolé pour toi, Kinton. Rétablis-toi bien. Ah non, moi j'ai pas passé de galop justement parce que bah j'estimais ne pas en avoir besoin puisque je voulais pas faire de compétitif en équitation donc. Jamais passé de galop. En plus, ça coûtait de l'argent de faire des stages pour passer des galops, donc vraiment aucun intérêt à mes yeux. Voilà. Puis ça demandait de réviser et tout le côté théorique. C'était vraiment juste pour le loisir que j'en ai fait. Non, Star Stable va pas fermer. C'est une entreprise en pleine expansion, notamment en ce moment. Oui, non, ils vont, ça va pas fermer. Ça. Je pense pas que. En fait, je pense pas qu'il y ait une réelle fin. Limite, ça sera racheté si jamais ils font faillite ou je sais pas trop quoi. Parce que c'est un des seuls. Enfin, c'est même, je crois, le seul MMORPG basé sur les chevaux. Du coup, bah, c'est un peu la référence, quoi. Surtout qu'ils sont présents dans énormément de pays. Du coup, c'est impossible que ça coule, quoi. Je pense. Surtout qu'ils font que s'améliorer. Donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, vous voyez. Il y a des infinités de races aussi dans le monde. Donc, il y aura toujours des nouveaux chevaux, des nouvelles robes, que toujours des nouveautés en fait. D'autant plus qu'on a une toute petite partie de la carte de SSO qui est disponible pour le moment. Du coup, forcément, le jeu, il n'en a pas fini maintenant quoi. Oui, ils vont refaire les personnages, c'est sûr et certain, mais pas maintenant, je pense en fin d'année. Puisque ça leur prend un temps fou apparemment. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont refaire nos personnages. Comment on fait pour. Quand on est Star Rider à vie et qu'on veut dire Star Rider à vie avec les Star Coins. Alors comme je l'expliquais par un moment, d'ailleurs j'ai fait un long monologue là-dessus pour rien, tout ça pour vous dire que bah il fallait directement prendre le Star à vie avec Star Coin, puisque malheureusement si vous prenez le Star à vie sans Star Coin à 30 €, certes vous avez l'impression de faire une affaire, mais derrière en fait il faut vous repayer l'abonnement au prix cher avec les Star Coins si vous voulez avoir les Star Coins dans votre abonnement à vie. Genre si vous avez déjà payé 30 €. Et que vous voulez le Star à vie avec les Star Coins, vous devrez repayer 65 € derrière. Donc au final, vraiment direct économiser pour le Star à vie avec Star Coins, c'est le plus rentable. Sinon, vous pouvez attendre bien sûr l'offre à 45 € pour le Star à vie avec Star Coins. C'est ce que je vous conseille, bien sûr.
Ils en font bien, ils en font souvent maintenant. J'ai l'impression qu'ils en font un tous les mois, donc je pense qu'ils en referont un le mois de mai. Donc voilà, attendez, attendez le mois de mai, ils en feront un cours en mois de mai, je pense. Bah là, je suis en train de faire une course, mais si tu veux, je mettrai un petit message dans le dire juste après, Gwenaël. Oui, je vais bien, merci. Et merci pour ton message, pour mon cheval. Attendez, parce que là, il y a beaucoup de barrières. Tu sais pas s'ils font souvent des promotions pour l'abonnement? Bah si, du coup, oui. Ils en font souvent, je dirais. Ces derniers temps, ils en font un par mois, donc... Ouais, ils en font souvent. C'est cool, parce qu'avant, vraiment, c'était très rare, la promotion sur l'abonnement à vie, mais maintenant, c'est quasiment une fois par mois. Tout le monde galère au même endroit, c'est beaucoup trop drôle. Ah, j'ai cru que j'avais raté, c'est bon. Je suis désolée, hein, je vous lirai après parce que cette course c'est vraiment un enfer pour moi, je la déteste. Tu iras à Steve après? Ah bah là non, parce que j'ai débuté justement à Steve, mais je vais faire une reconduite et puis on ira à Mourland de toute façon. Mais pas maintenant, d'abord on va aller à l'écurie Golden Leaf. Merci beaucoup Jérôme. Je crois pas que tu m'as répondu. Attendez, parce que j'ai raté un message du coup que j'étais en train de lire. Mélissa, as-tu des projets? Et à la fin, penses-tu faire un vocal rapide avec les filles du serveur? Alors vocal, je pense pas. Mais projet, ouais, j'en ai plein. J'ai un gros projet de vidéo qu'il faut que je... Faut que je m'y mette. Mais ça va me prendre un temps fou, cette vidéo, parce que vraiment... Fou. Déjà, le script, il fait 5 pages de la vidéo. Et bah, j'ai plein de scènes à tourner, donc ouais, c'est un gros gros projet. Du coup, là, on se rend à l'écurie Golden Leaf. Y a pas de mal, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, vous êtes pas en retard. Vous pouvez rejoindre le... Merde, je vais vers ma liste d'amis. Vous pouvez rejoindre le live à tout moment, il n'y a aucun mal, hein, à venir seulement maintenant. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre là maintenant. Si vous avez envie de faire les courses, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de code de StarCoin pour le moment. Ouais, c'est ça, me demander en fait si vous voyez pas la vidéo sur ma chaîne, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que je publie tout le temps une vidéo là-dessus, dès qu'il y en a un. Oups, je suis pas actualisé dans le chat là. Bah, bisous à ceux qui partent. Hein. Merci d'être passé. La promo Star Avi, normalement c'est vers le début de mois, de ce que j'ai remarqué. Oui, il faut attendre 30 minutes entre chaque changement de serveur. Mais c'est infini, après c'est gratuit, donc si vous voulez venir passer pour le live sur serveur 1, n'hésitez pas. Aimerais-tu que SSO fasse des Falabella comme compagnon? Bah non, parce que tu voudrais le mettre où le Falabella? On peut pas le mettre dans la sacoche. Du coup, ça respecterait pas le mode de fonctionnement des compagnons actuels en fait, donc je pense pas que ce soit faisable. En revanche, des animaux volants, comme un aigle par exemple, ou un perroquet, c'est faisable je pense. C'est largement faisable. Vu que déjà on a les mouettes. Donc je pense qu'on aura plus de compagnons volants à l'avenir, notamment des perroquets, je pense, vu qu'il y en a déjà dans le jeu, vous savez. Attendez, je vais juste ban quelqu'un. Ah bah je tombe dans l'eau, super. Voilà. Merde, j'ai annulé. Bon, c'est pas très grave. Du coup, attendez, c'est quoi que je disais? Je disais oui, il y en a déjà des perroquets sur SSO. À Jorvik City. Non, c'est à la place d'Eden. C'est le petit gars qui s'appelle Rami. Il a des perroquets, donc je pense que c'est le prochain compagnon volant qu'on aura à notre disposition, je pense. Peut-être pour les 7 ans de Star Stable. 7 ans ou 6 ans, je sais. Enfin, 7 ans ou 8 ans plutôt. Je sais plus. Tu lis souvent mes commentaires? Bah, je lis ce que je peux là actuellement. Je fais comme je peux. Pourquoi je n'ouvre pas les lettres? Parce que je vais pas le faire en live, et juste avant le live en plus j'ai répondu à toutes mes lettres, donc là c'est qu'on m'en a envoyé pendant le live.
Et pour oui, pour l'intimité des gens, je ne lirai jamais mes lettres en live. C'est complètement logique. Ah oui, mince, j'ai oublié de d'écrire dans le dire une fille m'avait demandé, j'ai oublié. Bah, je le ferai après cette course. Est-ce que je ferai une vidéo où on voit ma tête? Alors les vidéos, je sais vraiment pas honnêtement parce que honnêtement, il y a des fois je tourne mes vidéos, je fais vraiment pas gaffe à quoi je ressemble. Du coup, je pense pas que ça deviendrait une habitude si jamais un jour je fais une vidéo avec ma tête, c'est possible, hein. Mais je pense que si je le fais une fois, à chaque fois on va me le redemander et je sais pas. Je veux pas que ça devienne une habitude parce que bah il y a des fois où je tourne ma vidéo, je suis en pyjama, je suis pas coiffée, je suis pas présentable pour une vidéo. Et franchement, j'aurais la flemme de mettre bien, si vous voulez, pour tourner juste une vidéo. Alors que déjà là, avec ma voix, ça vous suffit amplement, je pense. Et puis au moins, vous pouvez profiter pleinement du jeu et voir. Bah, profiter pleinement du jeu et et se concentrer que uniquement sur ça et pas sur ma tête, quoi. Même si ça pourrait être drôle parce que j'ai énormément. Je suis très expressive en fait au niveau de mon visage. J'ai énormément d'expressions faciales et puis aussi, je parle beaucoup avec mes mains. Et ça, vous le voyez pas du coup, mais ouais, ça peut être rigolo. Tu as été Star Rider. Attendez, j'ai pas. Niveau combien? Bah, logiquement, niveau 5, du coup, parce qu'à partir du niveau 5, tu peux plus monter en niveau. Faut obligatoirement payer. Du coup, ouais, c'était niveau 5. Même peut-être avant, parce que je l'ai eu très vite, mon Star Rider. Ma maman a été très gentille là-dessus, elle a pas trop hésité. Parce qu'à l'époque, c'est ma maman qui me l'avait payé. J'avais que 13 ans, donc logique, hein, j'avais pas de carte bancaire ni rien. Du coup, j'ai raté quoi? Bah là, t'as raté simplement les premières courses. Donc Steve, Silverglade. Puis là, bon, on est à Golden Hills. Et après, on ira vers Moorland, Forpinta et soit Sudhaven, soit les Kurjarvik. Selon les ferries qui arrivent. Je vais y aller, les gros bisous. Bah, bisous à toi, Sabine. Ah, mais c'est normal, Servan, ça me fait plaisir de passer un petit temps à chaque fois à répondre à vos petits commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc je pense que ça vous fait tout autant plaisir quand je vous réponds, du coup je prends la peine de répondre. Du moins, j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Après, il y a des fois des commentaires que je comprends pas. Et du coup, j'y réponds pas, je laisse traîner. Il y a des personnes des fois qui n'écrivent pas tellement bien. Des fois, c'est pas trop compréhensible. Des fois, je demande de l'aide sur mon Discord pour qu'on me traduise certains commentaires parce que c'est vraiment des pépites. Alors, je veux mettre mon écureuil Dundle, mais je ne sais pas si tu me la conseilles ou pas. Eh bah, moi, je te déconseille fortement de mettre ton écurie dans un endroit éloigné. Comme Dundle, Firgrove ou Valedal, parce que vraiment c'est des endroits un peu éloignés en fait. À la limite, même Golden Hills ça va parce que juste à côté il y a un ferry, donc au pire tu peux facilement bouger. Mais ouais, je déconseille quand même. Je pense que les meilleures écuries ça reste Steve, Silverglade, Moorland et Forpinta. En fait, tout le centre de Silverglade quoi. Voilà, c'est ce que je conseille en termes d'écurie. Après, je pense pour ceux qui aiment bien pas trop dépenser dans les vannes, le mieux c'est Forfinta parce qu'il y a les ferries juste à côté, donc c'est vraiment pratique et puis t'es pas loin de Moorland, de Steve, de Silverglade et tout. Après, pour vraiment ceux que ça dérange pas de dépenser dans le van et qui veulent avoir un beau cadre là où ils ont leur écurie, bah bien sûr, allez à Dundle, hein, y a pas à hésiter là-dessus si ça vous dérange pas de prendre le van à chaque fois pour vous déplacer quelque part. Et moi je sais que par exemple j'ai toujours été à Steve parce que c'est au centre de Jorvik et par exemple quand je fais mes courses je fais énormément de reconduites pour un peu réinitialiser mon trajet de course quoi. Pour être plus près des courses que je veux faire par exemple. Quand je veux aller faire les courses de Valedal, au lieu d'y aller à pied parce que je suis à Jorvik, à l'écurie Jorvik, bah je ferai une reconduite à Steve et j'irai à pied de Steve à Valedal et c'est beaucoup plus proche en fait. Ça me permet de ne pas utiliser le van en faisant mes courses par exemple. Voilà. Attendez, il fallait que j'écrive dans le chat. Coucou. Voilà. Pour celles qui veulent. Ou ceux qui veulent me débloquer et rebloquer. Me bloquer et me débloquer plutôt.
pour avoir une chance de me voir, bah n'hésitez pas, voilà. C'est une petite technique que les gens donnent. Ah bah bisous à toi, Christelle. Merci quand même d'être passée. C'est pas très grave si tu restes pas. Non, c'est pas vraiment possible, Léa, de ne pas pouvoir retourner sur ton serveur. C'est un message que tu dois cocher parce que oui, il est déjà arrivé que par exemple le serveur 1 soit complet par un temps. Mais ils ont supprimé des comptes. Ils ont fait un tri dans les comptes. Ils ont supprimé des comptes. Du coup, bah, ça a permis à des gens de re-rejoindre le serveur 1. Attendez, mais on va où là? Je devais faire une reconduite, moi. Oh, quoique, on peut prendre le ferry. Hein. Attendez, faites pas de reconduite. On va prendre le ferry. On va pas gâcher le fait qu'il y ait un ferry et qu'on ait fait le chemin jusqu'ici. Mais du coup, je disais quoi, moi? Je sais même plus du coup de ce que je disais parce que je. Complètement changer de sujet d'un coup. Bisous, je dois jouer avec ma soeur. Bah, bisous à toi. Comment ça se fait que je te vois pas? Bah, c'est expliqué dans la description si tu veux une réponse. Ma date de naissance, c'est le 17 mai 2000. Donc, c'est bientôt mon anniversaire également. Bah, là, je pense qu'on va aller. Bah, à Fort Pinta, voilà. Ferry nous emmène à Fort Pinta, donc on va aller là-bas. Ne ratez pas le ferry, ceux qui sont sur le jeu, là il arrive. Non mais en fait si la suppression des comptes qu'il y a eu, enfin je pense qu'il y en a eu une parce qu'il y a eu de la place subitement d'un coup comme ça. Je pense qu'il y a eu une suppression de comptes mais c'est genre des comptes inactifs et qui étaient non Star Rider depuis des années je pense. Bah, la description c'est en dessous de la vidéo que t'es en train de regarder Marion. Comment tu fais à la fin de tes vidéos pour afficher tes autres vidéos proposées? Bah ça se fait... Non, je vais pas faire un tuto pour ça. Mais ça se fait tout bêtement dans le Creator Studio de tes vidéos. Tu sélectionnes la vidéo et tu cliques sur écran de fin et t'ajoutes les écrans de fin, c'est-à-dire le truc pour s'abonner, les autres vidéos, etc. Et voilà. Bah c'est écrit également dans la description, ça, Royal Dream. Je dis comment on affiche le chat, enfin c'est avec un site qui propose ça. Je n'ai jamais vu autant de personnes dans le ferry. Bah j'ai fait une vidéo dédiée à ça Raphaël si tu veux aller écouter. Mais là pour le coup je dirais que ma motivation c'est de les faire avec vous là en ce moment même, les courses, ça me motive de vous parler en même temps et tout, ça m'occupe. Mais en gros, je résumerai ma vidéo qui concerne la motivation pour les courses à s'occuper quand on fait les courses et pas juste faire ça. Donc s'occuper de la meilleure façon pour vous possible, quoi. Mais non, mais les comptes sont pas bannis, c'est juste, je pense, les comptes non-star riders sur lesquels il n'y a jamais eu d'argent qui sont supprimés au fur et à mesure pour éviter justement que les serveurs se remplissent inutilement. Mais votre compte il sera pas banni sans raison, bien sûr que non. Si vous vous connectez assez souvent et que votre compte vous avez mis de l'argent dessus, jamais il vous sera supprimé, je pense. Je pense que ces autres devraient mettre 200 StarCoins au lieu de 100 les samedis. Oh non, moi je suis pas d'accord avec ça parce que ça ruinerait un peu leur système de StarCoins doublés et tout, où tout le monde se jette dessus dès qu'il est en manque de StarCoins. Ça ruinerait un peu leur système, quoi. Dans ce cas, ils feront plus jamais de StarCoin doublé s'ils font ça. S'ils augmentent les StarCoin par semaine. Donc moi, je trouve que c'est bien comme c'est, là. J'ai 18 ans, Marion. Le niveau max d'une joueuse qu'on a pu observer pour l'instant sur le jeu, c'est le niveau 23, il me semble. En tout cas, sur les serveurs français. Après, en fait, le délire de niveau sur SSO, c'est en fait ça dépend si vous avez assisté à tous les événements du jeu ou pas, qui rapportent un petit peu d'XP au fur et à mesure. Et tous les événements mis bout à bout, vous rapportant de l'XP, bah, au final ça rapporte vraiment beaucoup d'XP, parce que comme vous pouvez le voir, moi ayant été absente assez longtemps du jeu, donc pendant 4 ans environ, j'ai raté énormément d'événements et je suis bloqué niveau 20, alors qu'il y a plein de gens qui sont déjà niveau 21, niveau 22, etc. Et du coup, ouais, moi je suis bloqué niveau 20. Il y a même des gens qui sont bloqués niveau 19 parce que bah, c'est des personnes qui sont arrivées assez récemment sur le jeu alors qu'elles ont déjà fait toutes les quêtes de disponibles. Mais ça dépend vraiment des quêtes d'événements qui vous rapportent un peu d'XP. Voilà. C'est pour ça que vous observez certaines différences de niveau entre les joueuses. Même si vous avez fini toutes vos quêtes, bah, vous pouvez pas forcément être niveau 23 ou 22 ou 21. Voilà.
Moi, je regrette en plus hein, de m'être autant absentée et d'avoir un si gros retard de niveau. Ça me fait un peu de peine, quoi. Merci beaucoup, Passion Cheval. Moi, j'ai vu une fille au niveau 25. Bah, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Le niveau max qui a été observé, je crois que c'était niveau 24 sur des serveurs anglais. Donc, vraiment, c'est pas possible niveau 25. C'était sûrement quelqu'un qui utilisait un logiciel pour modifier son niveau. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire parce que vous faites instantanément ban si le logiciel est détecté par SSO. Mais ban à vie, hein, votre compte. Hein. Donc vraiment, je ne vous incite pas à tricher. Je vous le déconseille très fortement. Hey, je vais bientôt vous rejoindre. Bah, n'hésite pas, CG Gaming. Oui, le niveau 30, il y a eu un cas d'une personne qui s'est amusée à créer un compte et à modifier les niveaux de ce compte qu'il venait à peine de créer avec un logiciel. Et bon, la personne s'est fait ban, hein, clairement. Parce que c'est pas normal du tout, hein, qu'on se le dise. Bisous à toi, Kit Lady. Attendez 2 secondes, je vérifie juste un truc sur MP Discord. Attendez 2 secondes, j'ajoute juste un modo qui est sur mon Discord normalement et qui va écrire dans le chat, mais je le vois toujours pas. Donc oui, l'écran affiché, c'est tout à fait normal. Hein. On va faire craquer le pont, attention! Sinon, rendez-vous à Mourlande là pour la suite des courses. Hein. Bah alors, il est où son message? Moi j'ai un cavalier King Charles qui s'appelle Jumpy. C'est mignon les chiens là, j'aime beaucoup. Oui, je peux parler d'Endure. Ah bah j'ai pas vu Anna. D'ailleurs, en plus ton message j'ai dû l'approuver. Voilà, c'est fait. Hop. Hop là. C'est parti. On continue, on continue. Le Discord est en description. Oh non, on va pas recommencer avec le délire des prénoms, si je les aime ou pas, on va jamais finir sinon, parce que ça n'en finit plus à chaque fois. On va pas repartir sur ce terrain-là, déjà le dernier live, ça avait duré une trentaine de minutes. Posez-moi d'autres questions plus pertinentes que « Est-ce que tu aimes mon prénom ?» Moi j'ai une dalmatienne. Ah, ces chiens-là sont vraiment magnifiques. On en croise rarement, je trouve, encore de ces chiens. Les plus populaires, je trouve, ça doit être les huskies. On les voit souvent. Enfin, on en voit souvent. Les huskies, puis les petits chiens, genre type chihuahua, bulldog, un truc comme ça. Alors, s'il vous plaît, avant de poser une quelconque question, regardez la description en dessous de la vidéo. Vous aurez plein de réponses. Mais quand je vous dis plein de réponses, c'est que vraiment, trois quarts des questions qu'on me pose généralement, bah il y a la réponse. Donc n'hésitez pas à regarder. Parce que je vous répondrai pas, je veux pas faire l'effort de vous répondre alors qu'il y a la question en description, quoi. Berger australien, c'est trop beau ça aussi. Ça aussi, ils sont. Les chiens aussi là. Ah, 1, 2, 3. Les chiens là aussi, ils sont populaires, je trouve. Les bergers australiens, on en voit beaucoup. Vous avez beaucoup d'animaux, moi j'en ai pas. À mon grand désespoir. Non, en fait, c'est parce que je vais dans un appartement, du coup, bah forcément, un chien ne sera pas forcément heureux en appartement. Moi, je trouve qu'un chien, surtout les gros chiens, bah, ils doivent être en maison, avec un petit jardin au moins.
pour être pleinement épanoui et heureux. Du coup, je trouve ça un peu triste d'avoir un chien en appart, un gros chien en tout cas, parce que les petits chiens ça passe, mais les gros chiens, c'est un peu triste. D'autant plus que si vous n'avez pas de deuxième chien, bah il doit s'ennuyer toute la journée si vous le laissez tout seul dans l'appart, quoi. Ça craint un peu. C'est pareil pour les chats, je pense, hein. C'est mieux d'en avoir deux à chaque fois. Bon, en fait, c'est pareil pour tous les animaux, je pense que c'est toujours mieux qu'ils soient accompagnés d'un petit compère. Par rapport à la cause de leur état. Pourquoi tu as voulu faire une chaîne YouTube? Bah pour reprendre les vidéos vu que bah je l'avais redire en début de live, enfin je l'avais dit. Mais fut un temps je faisais des vidéos sur les Schleich sur une toute autre chaîne et j'avais envie de reprendre les vidéos et vu que j'avais repris ce saut, j'ai vu qu'il y avait des vidéos déjà sur ce jeu, je me suis dit bah vas-y je me lance. Je voulais reprendre le montage et à la base vraiment c'était juste comme ça parce que je m'ennuyais beaucoup pendant les grandes vacances de 2017. Mais vraiment, j'ai pas pris ça au sérieux et j'ai pris vraiment le. J'ai pris vraiment le un rythme régulier dans mes vidéos SSO en septembre, je dirais. En septembre 2017, par là. Puis voilà, après j'ai pu arrêter et me voici. Ah, il y a un œuf doré ici. Faudrait que je pense à aller le chercher. Merci beaucoup, Ratsky. Merci beaucoup, UCF. Bah, je réponds à quelques personnes parce que je peux lire que quelques commentaires en fait. C'est difficile pour moi de suivre à la fois ce que je fais dans le jeu. Là, vous voyez bien, je me suis fait une course hyper simple. Et à la fois de vous répondre dans le chat, c'est très compliqué. D'autant plus qu'il y a un slow mode de 30 secondes, qui c'est assez conséquent. Et pourtant, j'ai du mal à suivre le chat, quoi. Donc, imaginez s'il n'y avait pas de slow mode, ce serait l'apocalypse dans le chat. Je pourrais vraiment rien lire pour le coup. Donc oui, merci d'être patient si jamais je réponds pas à vos messages. Je suis désolée, mais c'est un peu difficile pour moi. Je suis pas un robot qui assimile tout ce que vous me dites en quelques secondes, quoi. Je fais quoi dans la vie? Bah si tu parles au niveau de mes études, bah, je fais des études de psychologie. Je suis en première année actuellement. Voilà. Sinon, je fais pas grand chose, hein. J'aime beaucoup jouer, je passe énormément de temps sur mon PC. Voilà. C'est un peu mes hobbies dans la vie, les jeux vidéo et c'est tout. Et glander devant mon ordi, clairement. Aussi, j'aime beaucoup regarder des séries. Après, je suis plus série que film d'ailleurs. Oui, j'ai vu l'épisode de Game of Thrones, mais on va pas en parler parce que ça peut en spoiler certains. J'ai beaucoup aimé, juste si tu veux mon avis. C'était un épisode plein d'émotions à mon sens. J'ai vraiment hâte de voir la suite du coup. N'hésitez pas à poser vos questions directement au lieu de me dire j'ai une question, est-ce que je peux te poser une question? Parce que ça sert à rien, ça vous prive de me poser la question directement vu que vous subirez le slow mode de 30 secondes. Donc autant me poser la question directement. Un chien de race samoyède. Oui, je vois ce que c'est. Je vois, je vois. Ils sont jolis ces chiens-là. Non, je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me parlent dans le jeu et qui comprennent pas que je suis en live. C'est dommage, hein. Merci beaucoup, Olivia. C'est gentil. Ah non, 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 non. On va pas rater cette course, hein. Ça suffit. Pas une course aussi simple. En fait, il y a tellement de gens que c'est perturbant. Tu sais pas où sont les plots. C'est difficile de se repérer, hein. D'autant plus qu'on voit pas tout le monde, donc j'imagine pas si le jeu permettait d'afficher vraiment tout le monde, ce serait le bazar complet. Et pas seulement pour moi, je pense pour chacun d'entre vous, ce serait chiant. Du coup, ouais, c'est un mal pour un bien que vous puissiez pas tous me voir. Merci Benoît, mais tu devais pas aller jouer avec ta soeur ou je sais pas trop quoi. J'ai 18 ans. Mais c'est écrit dans la description d'ailleurs, ça. Ça prend 2 secondes à regarder. Les gens qui me parlent sur ces choses, je regarde pas, j'ouvre pas le chat, donc ça sert à rien. Si vous voulez absolument me dire quelque chose, n'hésitez pas à passer par le chat de YouTube. Au moins, vous ne subirez pas la censure. Voilà. Maintenant, on va faire les courses, pardon, de Idriss. Au cirque.
Oui, non, mais Anna, il y a plein de messages qui doivent être approuvés alors qu'il n'y a rien d'offensant ou quoi. C'est un délire. Mais aussi, je pense qu'il y a certaines personnes, quand bah, il y a du spam de lettres dans le message ou que le message ressemble à un message précédent, bah automatiquement il est masqué parce que bah, ils prennent en compte. Enfin, ils prennent ça pour du spam, les robots de YouTube. Enfin, bon, c'est bizarre. Moi, je vais juste prendre mon petit œuf qui est ici. J'en profite d'y passer à côté. Oh non, j'ai eu un truc nul. Un œuf de Pâques qui se revend un shilling, c'est vraiment pas ouf. Et puis donc, on va continuer les courses. Ouais, en effet, Anna. En même temps, il est super mignon. Donc, c'est normal. Puis, il est limité, donc forcément, ça donne envie de l'acheter. Tu te dis, ça se trouve, il reviendra jamais. Même si, à mon avis, ils vont revenir l'année prochaine, les chevaux des portes ouvertes. Oh, merci beaucoup, Olivia. C'est super gentil. Ça me fait plaisir que tu me suives depuis aussi longtemps. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup évolué rien que dans le montage, ça se voit. Quand tu regardes mes premières vidéos, c'est un peu lent, un peu. Ça manque de dynamisme. Mais au fil du temps, j'ai appris à bien cut au niveau des montages et tout, et à bien monter tout simplement pour que ce soit assez dynamique et pas trop ennuyant. Et surtout à couper les moments où il faut couper. Apprendre à couper, c'est difficile, hein. Apprendre à savoir quoi garder et quoi jeter, c'est assez compliqué. Enfin, ça prend un certain temps. Et aussi au moment du tournage, apprendre à se reformuler, sinon au moment du montage, ça fait trop bizarre si il y a plein de codes dans une phrase. Ouais, il y a plein de choses à assimiler au fur et à mesure du temps que vous faites des vidéos. C'est comme ça. Merci beaucoup, Charlotte. Ah, c'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. Adobe Premiere Pro. Je monte avec Adobe Premiere Pro. Oui, ça fait un shilling de plus, hein, c'est toujours ça de prix, en effet. Ah bah, j'en suis contente, Calista. Ah bah, j'en suis contente également, Benoît, du coup. C'est moi, la dirigeante du club, à Marie. C'est mon club à moi. Merci beaucoup, Lilou. Je viens de le dire, hein. Mon lycée de montage, mais de toute façon, tout ce genre d'informations, c'est retranscrit en description. Oh, j'ai le clavier en QWERTY. C'est pour ça que j'écris pas dans le chat aussi, sinon ça fait des trucs bizarres. Je réponds aux gens qui sont un peu dans l'incompréhension et qui voient une foule de gens débarquer pour faire les courses ensemble. Pour qu'ils comprennent que voilà, personne m'embête à me suivre partout, c'est fait exprès quoi. C'est justement le but de mes lives, c'est qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on fasse des activités. Donc il n'y a aucun mal à ça. Ah, j'ai une douleur au niveau de la cage thoracique vers le bas, qui est apparue subitement comme ça. Ça rend pas agréable. Ah bah merci, c'est sympa Olivia. Honnêtement, c'était un peu au pif. À part Mélissa bien sûr parce que c'est mon véritable prénom. Mais ouais, je trouve que ça sonne bien. Parce que en fait j'ai créé trois comptes successifs pour au final me retrouver avec Mélissa Westfall. Mais à la base j'avais comme nom Mélissa Maxon et Mélissa McFall. C'est un peu naze. Ah, j'ai des douleurs, je sais pas d'où ça vient. Arrête Anna, c'est horrible. Ça me lance là, c'est vraiment horrible. Merci beaucoup, cavalière, pour toujours. Bah, mon nom de club, il est affiché en dessous de mon pseudo, mais vous le voyez pas, vu que, bah, si vous êtes pas sur le jeu, vous me voyez pas forcément le nom que j'ai. Mais c'est Sweet Roses, mon nom de club. Avec une prononciation française, ça donnerait Sweet Rose.
Voilà. N'importe quoi, non. J'ai déjà montré ma tête Sheika, pardon, au cours d'un live, mais j'ai pas laissé la rediffusion justement parce que j'avais montré ma tête. Mais je referai certainement des lives avec ma tête, avec ma cam, quoi. Non, je recrute pas des gens puisque en fait, j'ajoute aussi de mes envies et des amitiés que je crée, notamment sur mon Discord, des gens dans mon club. Voilà, c'est selon mon affinité avec les gens que j'ajoute des gens dans mon club. Je recrute pas parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à venir dans mon club. À part vous faire harceler par des abonnés hystériques qui me cherchent de partout, hein. Ça, les gens de mon club connaissent bien, malheureusement pour eux. Parce qu'en fait, porter le nom des Sweet Roses, en fait, c'est un fardeau. C'est plus un fardeau qu'une fierté, je pense. Parce que tout le monde vient leur réclamer si je suis connectée ou quoi, et c'est un peu agaçant pour eux. Non, je compte pas faire de série Ananas. Je suis pas très douée en script, en invention d'histoire. J'ai déjà essayé d'écrire une série, mais j'ai pas trouvé de dénouement ni rien, mais... Voilà, et puis aussi, ça demande énormément de temps, ça demande des acteurs, entre guillemets. Ça demande beaucoup d'organisation, et puis même, rien que quand je vois que je peux pas être réellement tranquille sur le jeu, quand je me connecte pour rien faire, je me doute que je pourrais être tranquille si jamais je tournais une scène pour une série, pour une vidéo quelconque, dans un endroit assez fréquenté, tu vois. Ce serait super difficile, je pense. Donc je me vois mal lutter pour tourner un truc, quoi. Comment ça, j'ai pas eu le temps de faire mes tenues? C'est juste que... Déjà, il faut que je fasse un tri dans mon armoire et je pense le faire en vidéo. Bon, je pense que ce sera la vidéo de ce samedi parce qu'il faut que je fasse mon tri. Et je vous montrerai un peu comment je trie mon armoire. Je donnerai des astuces pour mieux vous y retrouver et tout. Et voilà, je pense que je ferai ça. Et aussi, il y aura une vidéo bonus que je voulais faire en fait par rapport à... Bon, je vous dis pas parce que ça vous spoil, mais je voulais faire une vidéo bonus par rapport à un truc. Et attendez, bah, je pense qu'on va y aller à pied là. On va aller à Green Day, venez, venez. On va avancer en même temps de parler là parce que là on fait rien dans le jeu. On va aller à Green Day à pied pour ceux qui ont accès. Mais du coup, oui, je vais faire une vidéo bonus qui comptera pas comme vidéo du samedi ou quoi. Je la sortirai certainement bah, demain, je pense, mardi, vu que je vais la faire ce soir. Mais oui, je dois faire une vidéo où je vous montre des tenues un peu avec tout ce que j'ai acheté. Ça, c'est prévu, vous inquiétez pas. C'est prévu depuis longtemps, mais j'ai la flemme de faire cette vidéo parce que ça implique plein de choses en fait. Que tout le monde va me demander où est-ce que t'as acheté ça, combien, nanani, nanana. Et c'est plein de choses à prévoir, plein d'informations à chercher et tout. C'est chiant. Non, c'est pas gratuit, il y a de premières pour. Mais il y a des logiciels de montage gratuits, genre pour débuter, tu peux utiliser. Bon, c'est vraiment très basique, mais Windows Live Maker par exemple, c'est gratuit. Après, je sais qu'il y a iMovie ou iMovie sur Mac, sinon, si vous êtes sur Mac. Il me semble bien que c'est gratuit. C'est trop marrant de voir les gens qui te suivent comme ça en groupe. De quoi, mais c'est une blague, les jumelles des faisceaux. Oui, le live sera en rediffusion. Merci, Charlotte. Ah non, je fais jamais de vidéos spéciales pour des caps d'abonnés parce que bah, je sais pas quoi faire en fait de si spécial que ça. Je fais mes vidéos comme d'habitude et je glisse un petit merci en début ou en fin de vidéo par rapport à mon cap d'abonnés. Je sais pas trop comment appeler ça. Mais voilà, non, je fais jamais de vidéos spéciales. Où allez-vous? Ah bah oui, non, mais de toute façon, en fait, il faut faire le tour. Parce que je voyais des gens aller vers les paddocks et tout, mais c'est pas par là, Greendale. Ah, il y a Spirit qui squatte. Merci beaucoup, Olivia. Décidément, tu me couvres de compliments. Oh, il y a l'œuf ici. Je sais pas pour vous, mais moi, il est ici, donc je vais le prendre. Je vais pas m'en priver. Hop là. Oh, cette fois-ci, j'ai eu deux petits œufs de Pâques. Ah non, d'accord. Ça affiche que j'en ai eu deux, mais j'en ai eu qu'un. C'est juste parce que du coup, vu que... Ah, on peut pas les empiler. Oh, ça prend la place pour rien. Les non-stars n'ont pas le droit d'aller dans le van, mais le van se paye en shilling. Bah, c'est encore une fois un privilège seulement pour les gens qui mettent de l'argent sur le jeu. Je trouve ça tout à fait normal et légitime de la part de Sartible.
Bah, les jumelles Stowe, repose ta question au lieu de me dire de te demander de. Au lieu de me demander de te répondre, puisque bah. Je vais pas m'amuser à remonter le chat, quoi. Vaut mieux que tu reposes ta question, t'auras plus de chances que je te réponde. Je comprends pas ta question, Nono. Non, il n'y a pas de trophée pour les 10 000 abonnés. C'est à partir des 100 000 qu'on a un trophée. Je l'aurai jamais, bien sûr. Mais ça me dérange absolument pas. Je m'en sors très bien. Je suis très satisfaite d'avoir déjà 10 000 abonnés. C'est très grand pour moi déjà. Mais c'est mignon de demander ça. C'est si innocent de ta part. Parce que j'imagine pas YouTube la galère que ce serait pour eux d'envoyer un trophée à toutes les personnes qui ont minimum 10 000 abonnés, parce qu'il y en a tellement des gens qui ont 10 000 abonnés minimum. Ça ferait beaucoup beaucoup de trophées à envoyer. Oui, j'ai cours les mercredis. Après-midi d'ailleurs. Et pas le matin. Alors, les vidéos théories, ça arrive en fait en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Donc, dès qu'il y a des dialogues qui sont intéressants et que je peux faire des théories dessus, bah oui, dans ce cas, je fais des théories. Mais ouais, ça dépend pas de moi là pour le coup. Ça dépend vraiment du jeu et des mises à jour. Voilà. Bah, j'ai déjà dit, les gens pour mon club, j'y choisis pas. C'est juste des amis proches à moi que j'apprécie. Et du coup, bah, je les invite dans le club s'ils veulent venir. Et puis voilà. Il n'y a pas de sélection particulière. C'est juste des gens avec qui je m'entends très bien. Il y a des gens qui débarquent du ciel. Je ferai certainement jamais de live sur les autres serveurs parce que je vois pas l'intérêt, sachant que vous pouvez tous bouger de serveur si vous êtes de base sur les serveurs français. Donc je vois pas pourquoi je me déplacerais alors que j'ai toujours été serveur 1. Déjà que c'est galère pour certains de comprendre que le live se passe serveur 1, donc j'imagine pas si je changeais mes habitudes et que j'allais sur un autre serveur. Ça causerait la pagaille dans la tête de certains, je pense. Parce qu'il y en a qui ont déjà du mal à comprendre que là on est serveur 1 alors que c'est affiché partout. Donc bon, j'imagine pas si j'allais sur d'autres serveurs. Mais oui, du coup, oui. Tant que en vrai le serveur n'est pas plein, je vois pas pourquoi je m'amuserais à aller faire un live sur d'autres serveurs. Tant que vous pouvez le rejoindre, y a pas de souci. Y a pas de souci à ce niveau. Vous êtes combien dans ton club? Bah, je sais pas, je compte pas mes membres. Je suis pas en mode oui, il faut absolument que j'ai le plus de membres possible. Il faut que mon club soit connu. Il faut que j'ai la plus belle tenue de club possible. Qu'on choisisse le meilleur cheval. Qu'ils soient tous Star Rider. Enfin, des conneries comme ça. C'est pas du tout l'esprit de mon club. C'est juste histoire de avoir un club en fait et avoir un petit nom en dessous de son pseudo assez sympa. Et c'est tout. C'est le seul principe de mon club, hein. Honnêtement, il y a. C'est pas un club comme vous avez l'habitude de voir sur les réseaux, c'est juste histoire de. Aussi, ça permet aux gens du club de ne plus recevoir de demandes de club, du coup, vu qu'ils en ont un, qui d'ailleurs ne leur oblige pas à avoir tel cheval, à avoir telle tenue. Enfin, il n'y a aucune obligation dans ce club, du coup, bah forcément, les membres sont tranquilles, ils font leur vie, quoi. Voilà, c'est un club, mais sans en être un. C'est un club pour être tranquille, en fait. Enfin, tranquille est un bien grand mot, vu que, justement, les gens de ce club. Vu que le club est assimilé à moi directement, bah les gens de ce club se font embêter par certains de mes abonnés pour savoir où je suis. Et du coup, bah en vrai, c'est pas si tranquille que ça d'être dans ce club. Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est ça, Anna. Mais au final, au lieu de recevoir des demandes de club, ce que vous recevez, c'est des demandes dans le dire en mode « Oh, est-ce que Mélissa, elle est co? » Donc c'est pas mieux au final. Oui, attends, j'ai envoyé un message, Tiffany. Bisous à toi, Eva. Merci d'être passée. J'ai une amie, elle s'appelle Mélissa. Bah c'est peut-être moi. Non, je rigole. Je te connais pas, donc je dis ça, mais pour rigoler. Bah quitte le live, écoute Lise, je suis désolée de pas avoir vu tes messages, mais je peux pas répondre à tout le monde malheureusement. J'aimerais bien que parfois vous vous mettiez à ma place et que vous essayiez de vous-même lire les messages et de jouer en même temps, c'est vraiment très difficile. Donc moi en plus de les lire, je dois y répondre, donc laissez tomber quoi.
Oui, c'est les Sweet Roses, mon club Lilou. Est-ce que je fais du sport? Alors, pas du tout, je suis vraiment pas une sportive dans l'âme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est pas très bon en soi parce que vraiment, c'est pas une très bonne hygiène de vie de vraiment pas faire de sport du tout. Genre, même la marche, j'en fais très peu. Donc, je me déplace en bus et tout, donc forcément, je marche pas beaucoup. Et c'est vraiment très mauvais, je le sais. J'en ai conscience, mais j'ai trop la flemme en fait. Non, c'est pas gratuit à deux premières pro. Ah, mais c'est pas possible ça! Je fais mes vidéos à quelle heure? Bah, j'ai pas d'heure, je me connecte en fonction de mes envies, on va dire, parce que ouais, j'ai pas tout le temps envie de tourner. C'est bizarre comme question. Oui, j'ai déjà eu des animaux, j'ai déjà eu des chiens, j'ai déjà eu un boxer en fait pendant longtemps. Des bulldogs français aussi. Et bon, c'était pas vraiment mes animaux, mais mon père a eu pendant longtemps des furets. C'est très mignon comme animal. Puis quand j'étais toute petite, mes parents ils avaient des chats. Voilà. Ah, Spirit, le diable en personne! J'ai hâte qu'il s'en aille de Jorvik. Non, je fais pas d'équitation. C'est incroyable comment cette question elle revient tout le temps. Je pense que je vais la mettre en description aussi. Allez, on part à l'île du paddock. Ah bon, Diana. Bon bah, c'est cool que t'aies une bonne image de moi, même si bah tu m'as certainement jamais vue du coup. Mais de rien, Marie. Ouais, les boxers, ce sont vraiment de très jolis chiens, je trouve aussi. En fait, c'est les chiens à gueule écrasée, de manière générale, j'aime bien. Donc, tout ce qui est boxer, bulldog français, comme j'ai dit avant. Ou même, j'essaie de trouver bah, Cane Corso. C'est très joli aussi. Non, j'ai pas Spirit. Vu que là, je le croise, ça veut dire que je l'ai pas. Que penses-tu des RP Instagram avec les edits et tout le tralala? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne initiative de donner un peu vie au jeu en faisant des histoires. Après, je t'avoue que je suis des comptes RP parce que j'aime bien leurs edits, justement. Genre, je suis Suzanne Moonbell et d'ailleurs, je suis ses vidéos aussi, même si elle en fait plus trop. Et je suis aussi Dylan Purple Moon parce que c'est une amie avant tout. Et puis, ouais, elle fait aussi du RP, mais bon, je fais pas trop gaffe aux histoires qui sont écrites sous leur post. Généralement, moi, je suis là pour les edits et pour le visuel, je lis jamais les RP. Mais je trouve que c'est bien qu'ils créent des histoires autour du jeu. Ça fait vivre le jeu en quelque sorte. En fait, comme moi, je fais des vidéos, c'est une manière de faire vivre le jeu. Bah eux ils font pareil mais sous forme de roleplay et je trouve ça très bien. Je trouve ça déjà mieux les roleplays sur Instagram que les roleplays qu'il y a sur le jeu directement parce que c'est tellement censuré que bah tu peux pas vraiment raconter ton histoire quoi. Du coup c'est beaucoup mieux je pense sur Instagram où t'es complètement libre de ce que t'écris en fait. T'as vraiment aucune censure et du coup ouais t'es tranquille et tu fais ta petite histoire. Je trouve ça chouette et puis ouais ça apporte un contenu supplémentaire au jeu, c'est cool. J'ai un carlin. Ah oui, les carlins aussi, c'est chouette. Bah, je vis avec ma maman. Donc oui, je vis avec mes parents. On n'est que toutes les deux, du coup, on est tranquillou. Alors, je suis désolée si vous entendez une moto passer. Là, elle s'amuse à passer, puis ma fenêtre est entrouverte. Du coup, bah, je suis désolée si vous l'entendez. Ma course préférée, je pense, c'est celle de Steve, parce qu'elle est à côté de mon écurie, logique, parce que je suis à Steve. Et parce qu'elle rapporte 250 d'XP, du coup, c'est cool. Hey, je fais aussi du RP sur Instagram. Ah bah y'a quelqu'un qui fait sa pub. Non, je peux pas te donner ton avis déjà parce que je vais pas y repenser après le live. En plus ton message c'est pas du tout affiché, il s'est fait censurer. Mais ouais bah je sais pas s'il va s'afficher ton message, ça dépendra des modérateurs. Ouais c'est bon, il a été affiché. Bah voilà, si vous voulez aller voir un du RP et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son Insta. Mais commencez pas à faire votre pub par contre, parce que ça va finir en sanction. Eh oh! Je vais rater. Non! Non, non, allez, on recommence. Coucou, pourquoi tu ne fais pas d'équitation? Bah, parce que j'ai plus le temps, j'ai pas la motive, y a plein de raisons. Aussi parce que, en vrai, je trouve que le club, enfin l'équitation en club, parce que j'ai toujours fait à l'époque où j'en faisais.
Bah, je trouve ça un peu triste, Toon, pour les chevaux, parce que les chevaux sont enfermés H24 au box. Ils ne sortent que pour des cours où ils sont enfermés également dans une petite, dans un petit manège, une petite carrière, et c'est pas ouf pour eux, je trouve. C'est pas. Enfin, en gros, supporter les clubs d'équitation, c'est aussi supporter le mode de vie que subissent les chevaux, entre autres. Du coup, c'est pas ouf niveau éthique, je trouve. Donc, en vrai, c'est mieux que j'en fasse plus un club. C'est un peu la merde, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais au perso, ouais, je kiffe pas trop. Parce qu'on a beau dire, oui, les animaux en cage, aux zoos, c'est un peu triste et tout. Bah, les chevaux, c'est pareil, hein, sauf qu'ils sont dans un box et qu'en plus, on les monte. Alors qu'ils ont rien demandé. Ouais, donc. C'est un peu une forme de maltraitance, quoi. Après, ouais, il y a des clubs qui mettent les chevaux tout le temps auprès, c'est très respectable de leur part. Mais malheureusement, bah, trois quarts des clubs qui sont en ville, par exemple, qui sont pas loin de la ville, bah, ils ont pas énormément d'hectares et de prés disponibles pour leurs chevaux. Et la plupart des chevaux, ils sont en boxe toute l'année, en fait, quasiment. À part pour les vacances d'été, je pense. Du coup, là, on va faire les courses à Écurie Jorvik ainsi que les courses d'event. Mon premier cheval de SSO, c'était un pur sang anglais ancien modèle noir. Pas compris ce que tu racontes, Maëlle. Non, je vais pas m'arrêter dans les courses parce que bah, ça ralentirait tout le monde en fait. Et on est sur une bonne élancée. Du coup, bah, si t'as envie de nous rejoindre, je t'invite à rejoindre au même moment où on fait les courses, quoi. Dans la foulée, quoi. T'essayes de nous rattraper. Oui, c'est Darkrai, le premier cheval tira. Merci beaucoup, Lilou. Salut, Yann. Hein? Pourquoi ta vidéo et logement? Je ne comprends pas cette question. Ça n'a aucun sens. Allez hop, un petit ban là, la personne qui fait sa pub. Hop là. Pourquoi elle a été acceptée le message, c'est une blague? Mais ne faites pas. N'acceptez pas les gens qui font leur pub en fait, les modérateurs là-haut. Ça pas du tout. Ce n'est pas autorisé. Ça, c'est un coup d'Anna, ça. Alors on a déjà fait. Bah, je te montre ma carte, au pire tu regardes les points qui ont été déjà faits. De toute façon, l'intérêt de monter dans un centre-ville, bof, vu que moi c'est la rando qui me botte. En ville, ça m'intéresse pas. Je suis complètement d'accord avec toi, Akoris, parce que pareil, les seules fois où vraiment j'ai pris vraiment plaisir à monter à cheval, c'est quand je faisais des randonnées assez longues. Et c'était vraiment plaisant parce que bah, c'est une balade sur vraiment bah, plusieurs jours généralement. J'en avais fait une sur plusieurs jours et c'était vraiment vraiment super bien dans en pleine nature comme ça. C'était les meilleures expériences que j'ai eues à cheval perso. Parce que vraiment je montais que pour le loisir, du coup faire du saut d'obstacle, du dressage et tout, c'était pas mon kiff. Je préférais vraiment les balades en mode tranquille pour le cheval et pour soi. Tu prenais plein air et puis il était pas enfermé tout le temps quoi. Est-ce que je pourrais venir dans ton club pour dresser saut? Alors non, comme je dis à chaque fois, c'est des amis à moi qui viennent de mon club. Et y a pas de, je veux dire, y a pas de recrutement. C'est vraiment seulement sur l'affinité que j'ai avec certaines personnes que ça se fait. Du coup, on va faire les quêtes d'event d'abord, enfin les courses pardon d'event. Oh, je me souviens que j'aime pas cette course. Quand je l'avais faite pour la mise à jour, j'avais vraiment pas aimé. J'avais pas passé un bon moment. Et du coup, je l'ai jamais refaite. Du coup, ça va être chiant là. Oh, il y a une fille avec un. Je crois que c'est une PNJ, hein. Avec un quai des ailes. Je crois qu'elle était pas là la semaine dernière. Je suis pas sûre. Ouais, il y a aussi la beauté des paysages qui est chouette quand on fait des randonnées. Ou des balades, tout bêtement. C'est vrai, bah tu profites de la nature, hein. Mais c'est vrai que ouais, mon plus beau souvenir de quand je montais, c'était une randonnée qui avait duré, je crois, 3 jours. C'était vraiment super. Et c'était avec des chevaux. C'était pas des chevaux de club, c'était des chevaux de propriétaire.
Coucou à Aude. Mon clé d'Esdal. J'ai pas de clé d'Esdal là, c'est un lusitanien et je l'ai acheté ici. Mais mon clé d'Esdal, si tu parles de celui qu'il y a dans mon écurie, je l'ai acheté. Je sais même plus c'est où, tiens. Oh bah, on l'achète tout le. Bah, si vous pouvez répondre à cette personne, où est-ce qu'on achète le clé d'Esdal gris? J'ai complètement zappé. Je suis en train de réfléchir. C'est peut-être à Fort Pinta? Non, je sais plus. Ah non, Fort Pinta, c'est le tacheté. Ah bah, je sais plus du tout pour le coup. Je suis désolée. Oh, elle rapporte 200 XP cette course, trop bien. Non, j'ai pas de chevaux moi. Non, je possède pas de chevaux. Mais non, c'est pas Dundle. Attends. Tu dis de bêtises. Dundle? Ah ouais, je me souviens pas y avoir été, hein. Ça date vraiment le clé des ailes parce que la dernière fois que j'étais acheté un cheval là-bas, je me souviens même pas, vous voyez. Bah merci. J'étais vraiment pas sûre jusqu'à ce que je vois tout le monde dire Miss Fall Dundle, Miss Fall Dundle. Bah voilà. Bah merci pour votre réactivité, du coup. Oui, faut avoir fait les quêtes. En effet, à Coris. D'ailleurs, fais les quêtes parce qu'elle rapporte un peu d'XP, c'est cool. Ah non, 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 elle on m'a jamais reconnue dans la rue, bien sûr que non. Bien sûr que non, on m'a jamais reconnue. Enfin, ça me paraît assez logique vu que je monte jamais ma tête en vidéo. C'est normal qu'on me reconnaisse pas. Puis même, je suis pas suffisamment connue. Je suis pas genre au niveau des gens qui ont des 100 000 abonnés ou même des 50 000 abonnés. Je pense pas qu'on puisse me reconnaître. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça me rendrait un peu gênée de croiser des gens qui me connaissent à travers mes vidéos. Je sais pas, je saurais pas comment réagir, vu que ça m'est jamais arrivé. J'ai un club, oui, j'ai un club, oui. Ça fait un petit temps maintenant que j'ai un club. Oula, j'ai raté. Oh, faut vite que je me dépêche là. Ça va se reset, non, c'est bon. Je répondrai pas aux questions qui ont déjà leur réponse en description, donc vérifiez la description. Au lieu de me poser 30 000 fois la question, s'il vous plaît, la même question. Voilà, faites un petit effort de lecture. C'est des chiens, ça, les American Staff. Moi, je trouve ça super joli. Encore une fois, c'est des chiens un peu à la gueule écrasée, du coup, j'aime beaucoup. Attendez, je me trompe peut-être, hein. Mais il me semble que si. Oh non, je dois recommencer. Oh, bah c'est pas grave, on va faire rien. Bon, la prochaine fois, je vous parlerai pas au moment de la fin parce que je me suis complètement foirée. Je quitte, salut. Bah, salut à toi, François. Oh, mais c'est pas vrai, ça. À chaque fois que je regarde le chat, ça y est. Je me foire. Super. Faut que je me concentre, hein, pour qu'on arrête de recommencer exactement les mêmes courses 30 fois, hein. Ah, il y a un œuf ici, bah faudrait que j'aille le chercher juste après. Salut, bah tu m'as. Ah non, c'était une autre fille qui avait un pseudo similaire. Salut, Schleicha. Oui, je suis déjà passée à Mourland. Je vous montrerai après la carte si vous voulez pour que vous voyez les rubans qui ont déjà été faits ou pas. Le Connemara blanc est à Miss Fall, en effet. C'est même gris truité qu'il est, le Connemara. Oula, s'il vous plaît, évitez de faire des messages avec plein de smileys, c'est vraiment pas grave, ça me donne pas envie d'y répondre ni de les lire. Ok, bah bon courage à toi, Akoris. Parce que vraiment, elles sont agaçantes les quêtes, hein. On te demande d'aller à droite, à gauche. Au moment où tu fais balader les filles, là, il y en a une qui est à la traîne, à chaque fois tu dois l'attendre, c'est chiant. C'est Blueberry ton cinéma t'a préféré? Oula, cette question n'est pas française. Je pense que c'était ton Connemara préféré que la personne voulait dire. Et oui, pour le coup, en vrai, je sais pas parce que mes deux Connemara, qui sont donc gris pommelé et gris tuité, je les aime bien tous les deux, je pense, au même niveau. J'aime bien les deux parce que j'adore les chevaux gris de manière générale. Encore plus les gris pommelé, je pense. Donc, limite, Ashkid, donc mon Connemara gris pommelé, c'est mon préféré des deux. Ah non, j'ai pas mon permis, non. Oh non, non.
Non, mais c'est juste les smileys à répétition, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre une tonne de smileys en espérant que je vois leur message. Alors oui, je le vois, mais ça me pète les yeux et j'ai pas envie de le lire le message. Et en plus, c'était un message qui était même pas approuvé, c'était un message bloqué par le bot, donc tant mieux. Oh non, je ferai jamais de rencontre en vrai. Y a pas... Bah déjà, y a pas d'intérêt parce que j'habite pas dans une grande ville style Paris. Et puis même, ça me botte vraiment pas de rencontrer des gens en vrai qui me suivent sur YouTube. Vraiment pas. C'est pas mon délire. Mon fruit préféré, je suis pas très fruit de base, donc je réfléchis. Je sais pas du tout mon fruit préféré. Je dirais peut-être la pomme. Bon, c'est un classique, hein. C'est bon, les pommes. Je mange tellement peu de fruits et je sais que c'est pas bien, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en acheter à la maison des fruits. Pourquoi il y a quelqu'un qui a dit Lydia MDR? Qu'est-ce qu'elle a dit Lydia? Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce qu'elle a dit? Parce que j'ai pas vu son message, ça avait l'air drôle. En plus, cette Lydia, je crois que je l'ai bloquée sur SSO parce qu'elle me spammait de lettres ou un délire comme ça. Si c'est Lydia Steelback, bah elle est dans ma liste bloquée, voilà. C'est ce qui arrive quand on me spamme de lettres inutiles, parce que ça m'agace au plus haut point. Parce que à côté de ça, en fait, si des gens s'amusent à me spam de lettres inutiles, style coucou ça va, ou on peut être amis, ou je peux être dans ton club, bah ça laisse moins de chance aux personnes qui veulent vraiment m'écrire une lettre digne de ce nom, avec vraiment un message normal et pas qui me demande en ami, alors que tout le monde sait que je n'accepte personne en ami à partir du moment où je connais pas la personne. Du coup, oui, ça laisse moins de chance aux personnes qui veulent m'envoyer une véritable lettre d'en envoyer si on me spamme de lettres inutiles, type coucou, ça va, on peut être amis, je peux être dans ton club. Trucs comme ça, c'est un peu inutile. Je réponds jamais d'ailleurs à ce genre de lettres, ou presque jamais. Du coup, voilà. Non, j'ai pas de sœur. J'ai pas de frère d'ailleurs non plus. Comment on fait des lives? Bah. Tu vas dans ton créateur studio, diffusion en direct, et tu copie-colle la clé de live dans ton logiciel de stream, et puis tu live. Voilà. Après, t'as des tutos sur YouTube, hein. Je vais pas t'en faire en live là. Du coup, attendez, j'ai envie de savoir ce qu'elle a dit, Lydia là. Waouh, je vais te raconter une connerie. Une fois, j'ai pris la CB de ma mère, j'ai acheté pour Miro de soir, quoi. Ouais, super. Sûrement un mensonge. D'ailleurs, je déteste les gens qui s'amusent à se vanter de leur nombre de StarCoins dans les commentaires ou dans le chat. Ça m'énerve. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sous ma dernière vidéo qui disait Mais moi j'ai 19 990 StarCoins. Likez si vous avez pas autant de StarCoins. Quel intérêt de faire ça, sérieusement? C'est complètement immature. Tout le monde, tout le monde s'en fout en fait de votre nombre de StarCoins, ça sert à rien de vous en vanter. Et encore moins de rabaisser les autres par rapport à ça. Du coup voilà, ça m'a mis hors de moi ce commentaire. Quelle est la nourriture que je déteste? Je réfléchis. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je déteste? Bah en fait, c'est pas que je déteste, mais la viande, généralement, j'ai un peu de mal. Les autres viandes que le porc, le poulet, enfin la volaille de manière générale, ou le bœuf, les autres viandes que ces trois viandes-là, je ne les mange pas en fait. À chaque fois, par exemple, qu'il y a des repas de famille ou au menu c'est de l'agneau, par exemple, bah moi je vais pas manger de viande. Je suis limitée au bœuf et encore du steak haché parce que le bœuf en lui-même j'aime pas, c'est chiant à couper, c'est trop filandreux, j'aime pas. Donc des steaks hachés. Et faut pas que ce soit des steaks hachés surgelés, faut que ce soit des steaks hachés du boucher, sinon je déteste ça, il y a des morceaux bizarres dedans, de cartilage et tout, et je déteste ça. Donc faut que ce soit absolument des steaks hachés du boucher. Et sinon bah ouais, toutes sortes de volailles ne me dérangent pas, et puis du porc, même si j'en mange très rarement, à part en guise de charcuterie. Bon, charcuterie, j'en mange très peu aussi également. J'en mange souvent bah, quand je fais des raclettes. Bon, maintenant, c'est plus trop la saison. On commence à sortir de la saison des raclettes, malheureusement. Mais c'est pas grave, j'irai quand même dans des restos type pataterie où on mange des raclettes toute l'année. C'est trop bon. Attendez, je vais aller chercher mon petit œuf. Puis après, on ira faire la dernière course de cet obstacle à l'arène de Jorvik. Iouh, je me prends tous les arbres. Bah, j'ai déjà dit que j'aimais bien les chiens là.
Passy Game. Je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Tu fais des études de quoi? De psychologie. On va au village du Croissant de Lune. Après, bah pas maintenant. On va déjà finir les courses qu'on a ici. On a encore celle de Jarlaheim à faire, il me semble. Ah bah non, on l'a déjà fait. Du coup, oui, on ira au village du Croissant de Lune après. En effet. Y a pas de mal Passy Game. Penses-tu que les SSO va ajouter un second joueur? Alors non. Et même ils en reparlent très souvent quand les joueurs leur demandent. Ils disent même. Alors, j'ai lu récemment sur leur Twitter. Donc c'est en anglais. Mais je vous le traduis directement. De toute façon, j'ai un accent nul en anglais. En gros, il y a quelqu'un qui demandait s'ils avaient pour projet d'implanter un jour des personnages masculins dans Star Sable. Et ils ont tout bêtement répondu que non. Puisque en fait le personnage principal de Star Stable était une fille. Ça parlait de l'histoire d'une fille qui a des pouvoirs magiques, qui devient Soul Rider, etc. Et également, il y a toute la trame derrière des dialogues qui devraient être changés et mis au masculin, en fait, si jamais un jour ils intégraient des personnages masculins. Du coup, ça demanderait énormément de travail, beaucoup plus que vous ne le pensez. Aussi, ça demanderait à accorder les tenues, à mettre des tenues plus masculines, des tenues qui aillent aux garçons. Et également, ça demanderait beaucoup plus de noms au moment de la création du personnage, je pense. Également, ils ont dit qu'ils étaient très fiers de proposer un jeu avec un personnage principal exclusivement féminin, en disant que comparé à d'autres jeux, bah, bien souvent c'est un personnage masculin qu'on a en guise de personnage qu'on peut jouer, quoi. Parce que c'est vrai, et ils ont complètement raison là-dessus, que les trois quarts des jeux, bon, bien sûr pas les jeux type SSO pour les gens mineurs, je dirais. Et je pense notamment à des jeux d'action ou d'aventure type Assassin's Creed. À part dans trois Assassin's Creed, on n'a que la possibilité d'avoir un homme, de jouer un homme. Et c'est souvent ça dans les jeux vidéo de manière générale, on a seulement la possibilité d'incarner un homme. Donc la diversité au niveau du genre, elle n'est pas trop présente, hein. C'est souvent un homme qui est mis en avant. Du coup, ouais, ils étaient très contents de dire que bah oui, ils avaient une femme en guise de personnage principal, et ils en étaient très fiers, voilà. Du coup, non, je viens de répondre, Maëlle, et non, ça n'arrivera jamais. On ne pourra jamais devenir un garçon dans les CSO. Ah bah, je me suis fait censurer alors que je voulais écrire coucou. Ah mais oui, c'est parce que je suis en QWERTY. Mais arrêtez de me demander pain au chocolat ou chocolatine, je vais pas lancer un débat inutile comme ça. Y a aucun intérêt à part faire gueuler les gens qui disent chocolatine ou les gens qui disent pain au chocolat, enfin on s'en fiche. Faut arrêter de ramener ce débat sur la table à chaque fois. Alors attendez, je veux juste check si j'ai des Star Coins. Oh, des Star Coins, bien sûr que j'en ai. Mais des shillings, je voulais dire, mais non, j'en ai pas assez. Parce que je voulais m'acheter les bandes, mais tant pis, je le ferai. Je le ferai hors live, je voulais m'acheter ces bandes-là en shilling. Tant pis, je le ferai une fois qu'on aura fini les courses. Une fois que j'aurai assez de shilling. Quoique, attendez. Attendez, si je me fais les quêtes là. Les quêtes d'écurie là. Est-ce que j'aurai pas assez par hasard? 90. Non, j'aurai pas assez, mais je les fais quand même. Allez. Je vous invite à faire les quêtes d'écurie avec moi si vous en avez la motivation. Comme ça, en même temps, je pourrais assez facilement. Oui, je dis croissant au chocolat en plus, Maëlle. C'est n'importe quoi, mais je le dis quand même. Mais du coup, oui, n'hésitez pas à faire les quêtes avec moi si vous avez envie de récolter un peu de shilling. Et pour ce qui est du scénario, oui, ça colle sur un jeu solo, mais sur un jeu multi, je connais pas un qui force à prendre un genre ou l'autre uniquement à paraître soi. Ah bon? C'est vrai que je me suis pas posé la question, mais ouais, pour les jeux multi. Bah si, attends. Ah non, j'allais dire Red Dead Redemption 2, on peut avoir qu'un mec, mais non, on peut choisir entre un mec et une fille, je crois, en mode online. Même pour GTA et tout, tous les trucs là, online, c'est vrai qu'on peut choisir entre un mec et une fille. C'est vrai, t'as raison. Après, il y a quand même cette dimension de jeu solo, vu que bah, tu fais tes quêtes tout seul, en fait. Donc, après, la dimension multijoueur, elle est pas très développée, je trouve, sur SSO, à part le fait que oui, tu peux jouer avec tes potes, faire tes courses avec tes potes dans un groupe et leur parler. Encore que c'est difficile de communiquer sur le jeu. Je trouve que c'est pas suffisamment développé le côté multijoueur. Il y a plein de trucs qu'on peut pas vraiment faire ensemble, genre, je sais pas. Il y a pas par exemple des quêtes en coopération, ce serait marrant d'intégrer ça au jeu, je trouve. Des quêtes qu'on pourrait faire à deux. Il est où mon cheval? Allô, Westeros, où es-tu? Je ne te trouve pas.
Aidez-moi à retrouver mon cheval. Ah, il est là. Je lui fonce dedans, là, actuellement. C'est un peu un mouvement féministe. Bon, ouais, d'un certain côté, oui, je pense. Puis même, ça les embêterait de retravailler toutes les lignes de dialogue juste pour masculiniser bah, les dialogues, en fait. Je pense que ce serait chiant à faire. Ah! Puis au-delà de ça, oui, il y aurait plein de choses à changer, quoi. Bisous à toi, Lison, merci de regarder le live. Et bon rétablissement. Oh mince, je suis à vraiment pas beaucoup de shilling pour m'acheter les bandes. Attendez, j'ai envie de m'acheter les bandes. Ça donne combien ça? 15 shillings. C'est pas beaucoup, je vais pas aller loin. Ah non, passer la nuit à Jorvik, non pas du tout. Y a quoi qui file des shillings là? Retour de la photographe. Bon attendez, je veux les bandes. Attendez, là ça va m'en faire 30. Oui, ça sera bon. Je veux les bandes, donc je vais faire les quêtes rapidement. Je suis désolée, je freine tout le monde avec mon histoire de bandes. Est-ce que tu trouves que Nécesso porte bien son nom? Bah oui, parce que oui. C'est. Bah après, le star, je sais pas ce qu'il vient foutre là, mais stable en anglais, je crois que c'est. Bah c'est écurie, il me semble. Ou genre étable, je sais pas. Mais oui, ça porte bien son nom. Après, le star, c'est vrai que bah, ça n'a aucun sens, mais de base, en fait, le jeu, avant d'être en ligne, il s'appelait déjà Star Stable. Donc les jeux qu'ils ont fait sur PC avant de proposer un jeu en ligne, ils s'appelaient déjà comme ça. Donc ils ont, en fait, ils ont jamais changé. Ils sont pas embêtés, ils ont juste rajouté online à la fin, quoi. Merci beaucoup, Sam Rosen. Coucou. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement, du coup, Slowly. T'as des idées de noms de chevaux? Bah là sur le moment non, mais je te conseille d'aller voir ma vidéo où je donne des idées pour vos noms de chevaux justement. Ça pourra grandement t'aider, je pense. Salut Mélissa, quelles allures préfères-tu sur le Lusitanien? Bah j'aime beaucoup son pas, je le trouve assez beau, il est un peu allongé. Et je le trouve très réussi. Après le piaffé, c'est sympa d'avoir toujours une petite animation supplémentaire et propre au cheval. Puis voilà. J'aime pas trop le grand galop. En fait, mon grand galop favori de tous les chevaux, c'est celui de Trakner. Je trouve que c'est le plus réussi. En fait, je préfère les allures où il va doucement, le Lusitanien. Attendez, il me manque pas un cheval, là? Ah non, il est déjà bien avancé. Allez, les petits loups, on avance. Bah on va... Bah justement, bah oui, on va à Epona. Enfin on va à Epona, oui on va à Epona. Voilà. Après on ira à Sudovan, oui. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Si je gagnais au loto beaucoup d'argent, je ferais quoi? Bah... je pense que j'investirais dans des biens immobiliers. C'est la chose à faire en fait, si vous voulez... quelque chose qui vous rapportera de l'argent sur le long terme, c'est vraiment investir dans des biens immobiliers, puis les louer. Au final, ça vous rapporte un salaire, entre guillemets, toute votre vie, quoi. Et que vous pourrez léguer à vos enfants si vous voulez des enfants. Donc c'est toujours quelque chose d'assez chouette, je trouve, à faire, si vous gagnez une grosse somme. En fait, c'est... c'est gagner beaucoup d'argent et s'enrichir par la suite en investissant et puis en gagnant de l'argent. En louant ton appartement, enfin tes appartements. Voilà, c'est ça en fait, c'est gagner beaucoup d'argent et ensuite s'enrichir. Faut pas tout dépenser bêtement, je pense. Est-ce que je fais attention à la planète? Bah, j'essaie de réfléchir aux actions que je fais un peu au quotidien pour justement faire attention à la planète. Par exemple, j'évite de laisser couler l'eau trop longtemps. Y a quoi d'autre que je fais qui... Bah c'est en fait, genre, des fois je fais des actions pour la planète sans forcément m'en rendre compte. Du coup là, attendez, on va à Epona, hein. Je parle en même temps, mais je vais aussi bouger. Y a quoi d'autre que je fais? Bah je trie, on fait le tri. Beaucoup plus. Avant on le faisait pas, mais cette année on a... Bah non, on le fait quand même depuis 2 ans, je crois. On fait beaucoup plus de tri qu'avant. C'est quand même important, je trouve.
J'utilise plus de paille là, c'est officiel depuis quelques temps j'utilise des pailles en inox. Parce que ça pollue énormément les pailles, ça se recycle absolument pas. Bah désolé à toi virus, hein, mais vraiment j'essaie de faire un maximum pour tous vous lire. N'hésite pas à reposer ta question. Mais oui, j'essaie de faire un petit peu attention, forcément. Je jette jamais de déchets par terre, ça c'est une certitude, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Des fois il m'arrive même de ramasser les déchets des autres. Voilà. J'essaie de faire mon maximum, même si bon, rien que le fait d'être sur l'ordinateur actuellement et de vous retransmettre une vidéo, bah ça pollue la planète dans une certaine mesure. Voilà. Oui, il va être diffusé le live. Oui, la liste en deux, c'est chouette, mais bon, c'est pas un de mes choux préférés, quoi. Ok, bah viens, je t'en prie, la fan de Dadou. Je voulais juste savoir quel était ton cheval préféré. Est-ce que tu aimes plus chez lui? Bah, je l'ai dit en description, encore une fois, voilà, c'est une question assez récurrente et j'ai déjà répondu en description. C'est lusitanien, parce que bah. Je trouve que c'est le modèle le mieux réussi jusqu'à maintenant sur le jeu, quoi. Le mieux travaillé, le plus abouti, le mieux animé, parce que ses crins sont beaucoup animés. Voilà, tout bêtement. Il y a quoi, Epona? Bah, il y a la course qu'on va aller faire de suite. Le star dans Star Stable correspond aux anciens jeux? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai déjà dit, Nymeria, justement. Je l'ai dit, ils sont pas embêtés à changer le nom, ils ont gardé les mêmes que ceux qu'ils avaient sur PC avant. Avant que le jeu soit en ligne. Il y a déjà masse de pollution qui serait évitée juste avec la bonne éducation. Rien que les mégots de cigarettes jetés par la fenêtre des voitures, ça me rend dingue. Alors oui, c'est vrai que ça, je suis pas du tout concernée parce que je ne fume absolument pas, je fume rien du tout. Mais oui, ça c'est un truc qui m'exaspère le plus, c'est de voir des mégots par terre. Ça me gave. Et plus globalement, ça me gave d'avoir des gens à côté de moi qui fument. J'ai pas envie d'attraper un cancer à cause de vous, donc barrez-vous le plus loin possible de moi. Je déteste les gens qui fument. Enfin, je déteste pas les gens en soi qui fument, je déteste la fumée en fait. Par exemple, il y a un exemple que je reprends assez souvent, c'est les gens quand t'attends l'arrêt de bus. Quand t'attends l'arrêt de bus. Quand t'attends le bus à un arrêt de bus, et que tu, par exemple, tu veux t'abriter de la pluie. Bah tu vas sous l'arrêt de bus, de manière assez logique. Et bien en fait, il y a des fumeurs qui ont la fâcheuse tendance à venir s'abriter sous le bus. Alors certes, il pleut et tout. Mais moi j'estime qu'à partir du moment où tu fumes, les gens n'ont pas besoin de recevoir ta fumée et d'attraper les merdes que ça renvoie. Et du coup, bah, par respect pour les autres, en fait, vu que t'es dans une place publique, t'es dans la rue, bah tu devrais t'écarter volontairement de l'abribus et ne pas polluer l'air des autres qui sont à côté. Sauf que bah, les fumeurs s'en battent les couilles et squattent l'arrêt de bus tout le temps même sans qu'il y ait de la pluie. Et ça me saoule parce que moi je m'écarte à chaque fois à 2-3 mètres. Alors que bah c'est pas moi qui est censé faire ça en fait, c'est la personne qui fume qui devrait s'écarter pour ne pas déranger les autres. Mais non, c'est moi qui suis obligé de le faire parce que les gens s'en foutent en fait, ils respectent rien. Moi ça m'énerve. Oui, pas tous, mais la plupart, hein, franchement, moi ça me gave. Hein. Bah, je sais qu'à la fac, par exemple, à chaque fois que j'attends mon bus, bah, t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui fume sous l'abribus. Hein. Vraiment, ça c'est une certitude, il y en a à chaque fois. Hein. Et ça m'exaspère vraiment. Oui, allez, voilà, encore une histoire de bonne éducation. Je ne sais pas du tout, Schlicher. Je crois que je l'avais débloqué vers. Pourquoi je sais pas en fait. Hein. L'onglet communauté, je sais pas quand est-ce qu'on le. Vous perdez votre temps, les gens qui font leur pub là. Hein. Vraiment, je vous bloque instantanément. Et vous ne pourrez plus jamais parler et faire votre pub sur ce live du coup. C'est bête, hein. Coucou Mélissa, je suis de nouvel abo, bah bienvenue à toi, Katirana. Mais de rien, Chicha. Pour toi, quel est le cheval le plus mignon sur le jeu? Alors le plus mignon, bah je dirais que c'est tout bêtement le petit poney genre quoi, il est vachement mignon. Ouais, c'est la définition même de quelque chose de mignon. Voilà. J'irai certainement à la fin du live, à la fin des courses à Mourland. Ma région préférée, la plus belle selon moi, du jeu, ce serait.
En vrai, je sais pas trop parce que. Ouais, si, en fait, si, Miss Fall, parce que. J'allais dire, j'hésiterais entre Miss Fall et puis Silverglade qui a été refait récemment, mais bon, il y a des bâtiments, par exemple, à Steve. Steve n'a vraiment pas été refait, du coup, ça fait un peu tâche. Parce qu'à côté, il y a tout qui a été refait, mais Steve n'a pas été refait, par exemple. C'est un peu triste. Ah non, Sudovan, j'aime bien aussi. Sudovan et Miss Fall, en fait. Les deux là, j'aime bien. Quel est le cheval le plus laid du jeu pour moi? Bah, en fait, ce serait méchant de dire ça, mais c'est assez logique. Les anciens modèles, de manière générale, je les trouve pas jolis, quoi. Mais c'est normal. Après, le jeu, c'est. Et c'est ça, c'est vachement amélioré au fil des années. Du coup, tu peux pas dire, ouais, qu'ils sont laids. Parce que maintenant, ce qu'ils proposent, c'est clairement au-dessus. Donc, ouais. Mais oui, logiquement, je dirais oui, des anciens modèles, forcément. Pour moi, c'est les moins réussis, mais c'est logique parce que ça date. Maintenant, ils sont largement améliorés, on peut rien dire. Oui, c'est serveur 1. Miss Paul, tu trouves ça sombre? C'est vrai que bah, les teintes, enfin les teintes, les tons de couleurs sont vachement sombres. Notamment l'herbe, elle est vachement, bah, vachement sombre, elle fait un peu vert forêt. Moi, je trouve ça sympa. Il y a un petit peu aussi d'éclairage avec les puits de lumière, je le dis tout le temps, mais j'adore ça, Miss Fall, je trouve ça très très joli. Ah bah c'est chouette pour toi, je suis contente pour toi, Nono. Bah si je l'ai pas lu, c'est que je l'ai pas vu certainement, ta blague, Lise. Où est-ce que j'aimerais voyager? Bah en fait... Je suis une personne très casanière, donc c'est-à-dire qui reste énormément chez elle et qui aime pas trop sortir. Donc même voyager, ça m'attire pas tant que ça pour le moment. Il n'y a pas spécialement quelque part où je rêve d'aller. Donc je saurais pas trop quoi répondre. En fait, si vous voulez, j'aime pas trop le principe de voyager parce qu'à chaque fois, les voyages que j'ai fait, se sont résumés à squatter un hôtel au bord de la plage et... C'est clairement pas le type de voyage que j'aime faire parce que bah certes ça faisait vraiment de vraies vacances à ma mère parce qu'à chaque fois j'y allais avec ma mère à ces voyages mais pour moi il y avait vraiment aucun intérêt parce que tu découvrais même pas les environs, on faisait pas vraiment de sortie ou quoi, on restait dans l'hôtel avec bah tout inclus avec la bouffe à volonté et ça c'est cool ok mais il y avait pas grand intérêt autant aller dans un hôtel en France dans ce cas et pas forcément aller à l'étranger et payer une blinde, vous voyez. Du coup, ouais, j'ai pas trop le goût du voyage, vu que j'ai jamais vraiment voyagé à proprement parler, en regardant, en allant visiter des choses et tout. Ça a jamais été ça, mes voyages. Donc, ouais, j'ai pas trop le goût de voyager, vu que j'ai jamais réellement voyagé, à part les voyages scolaires, où là, bien évidemment, on allait visiter à fond, des musées, des trucs, des villes, des conneries comme ça. Et j'ai fait l'Irlande en voyage scolaire, que j'ai beaucoup aimé, il y avait de très très beaux paysages. Et j'ai fait Barcelone aussi. C'était un peu plus nul parce que bah c'est très rural et j'aime pas trop. L'argent que j'ai utilisé pour ma vidéo chat, il vient d'où? Bah, il vient de mon compte bancaire. L'argent que je gagne, ça vient en partie de YouTube, mais je gagne pas énormément. Faut pas croire que je gagne 1000 balles par mois, hein, c'est clairement pas le cas. Et puis oui, j'ai une bourse tous les mois aussi avec mes études. Je ne sais pas s'il y a un code, si on a eu un là entre-temps pendant mon live, je ne suis pas au courant. Mais il me semble pas. Ah d'accord, Akoris, bah tu fais bien de me le dire, je savais pas. Après, il y a aussi le coût du billet d'avion et tout, donc je sais pas. Après, généralement, quand on partait à l'étranger, c'était par rapport au climat qui était plus favorable et plus ensoleillé dans les pays étrangers qu'en France. Hein. C'était surtout pour ça qu'on partait à chaque fois à l'étranger avec ma mère. Mais oui, moi, ça me dit trop rien parce que de base, en fait, j'aime pas le soleil et la mer et la plage et la piscine. C'est pas mon délire. Donc vraiment, le principe d'aller en vacances pour squatter un hôtel, aller à la plage et à la piscine tous les jours, c'est vraiment, vraiment pas mon délire. Ce que j'aimais en fait dans ces voyages, surtout, c'était la nourriture à volonté tout au long de la journée. Mais c'était surtout ça. Et sinon, le fait de bronzer et tout, c'est vraiment pas mon délire. Alors que pour le coup, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à ma mère, se poser, rien faire, squatter un hôtel toute une semaine où elle se fait complètement servir, elle a rien à faire. Pour elle, c'était vraiment des vraies vacances, mais pour moi.
Je vois pas ça comme un véritable voyage, quoi. Oui, c'était juste des vacances en fait. C'était pas un voyage en soi. Que ben, on allait rien visiter, quoi. Oui, bah justement, on avait été en Grèce. C'est le dernier voyage qu'on a fait ensemble. Enfin, c'était pas la Grèce même, c'était une île à côté. C'était Rhodes. Il y a un message qui a été bloqué, mais j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Tu referas des lives comme celui-ci? Bah en fait, généralement, oh non, je vais rater, putain, c'est pas vrai. Faut vraiment que je me concentre sur la course. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas voulu de, enfin c'est pas moi qui ai organisé le voyage, si tu veux, d'accord, c'est ma mère, donc oui, on n'a rien visité et c'est vraiment dommage. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai jamais trop pris goût au voyage, vu que mes voyages, ça a toujours été, en tout cas ce que je faisais avec ma mère, ça a toujours été on squatte dans un hôtel pendant une semaine et on fout rien, donc c'est pas très intéressant en soi. Mais du coup, oui, il y avait un message que j'avais reçu. Tu feras un live comme celui-ci? Ça m'arrive. Ah, ça m'énerve. Ah, c'est bon, je recommence. Hein. Ça m'arrive de faire des lives en fait à chaque fois que j'achète un. Ouh là, les bugs là, les bugs d'affichage. En fait, à chaque fois que j'achète un nouveau cheval, généralement je fais tout le temps des lives courses, au moins un. Voilà. Donc, oui, j'en fais assez fréquemment de ce genre de live. Oui. Oui, je déteste cette course en effet. Bah. Encore, dans ma vidéo justement, je dis les courses que j'aime pas. J'avais inclus Miss Fall à l'époque, enfin les courses de Miss Fall, mais maintenant ils ont changé en fait, et c'est soit ils ont changé les temps entre chaque drapeau, et maintenant il est beaucoup plus facile de terminer les courses de Miss Fall, alors que ça a jamais été changé, et c'est une galère sans nom. Je pense que j'ai encore me fail, non, ça va. Il faut vraiment se concentrer si tu veux la réussir, parce que vraiment le temps entre chaque checkpoint, bah il est vraiment très faible. Ça va super vite, hein. Tu te fais une fois et c'est terminé, tu dois tout recommencer, hein. C'est bien chiant. Donc là, je vais me concentrer. Je suis désolée, je vais pas vous le dire. Je vais vraiment me concentrer parce que je n'ai pas envie de recommencer. Déjà qu'il y a plein, il y a plein de gens aussi qui se faillent comme moi, là. Je le vois. Qui ont dû certainement recommencer. Oui, j'ai fait les courses de la casse déjà. En vrai, je sais pas quel métier je veux faire. À la base, je voulais faire psychologue en faisant des études de psychologie, mais je sais pas si j'irai jusque-là. Je verrai bien, je suis un peu. Ouais, je suis un peu en mode je tâtonne, quoi. Merci, Totoche. Ouais, bah voilà, il n'y a pas de code, vous avez votre réponse pour tous ceux qui demandaient. La coupe du Lusitanien courte, bah ça dépend sur quel Lusitanien. Je crois que sur celui-là, j'aimais bien. En vrai, j'ai pas trop regardé. Mais j'avais vu sur d'autres personnes avec ce Lusitanien la coupe courte, et c'est vrai que c'est déjà si joli. Après, je trouve ça dommage de changer la coupe du Lusitanien vu que ses crins ils bougent beaucoup et c'est un peu ce qui fait son charme, je trouve. Alors là, je me concentre parce que là, je me foire, mais tout le temps. Ah, voilà, je me suis foirée. Encore. Allez, on avance, on avance, on avance, on va y arriver. Voilà. Ah mais j'ai pas mis mes petites bandes que je viens d'acheter là, je voulais les mettre avec cette tenue justement. Vu qu'il y avait un petit détail de doré, j'aimais bien. Je trouvais que ça allait bien avec cette tenue. Voilà. Les petites bandes, elles sont mises. Oh non. Je veux pas rater là. Je suis trop près du but. Ah bah c'est chouette l'Irlande, c'est des super beaux paysages. Après Epona, on ira à Sudovan, c'est juste à côté. Et après Sudhoven, bah on fera une reconduite et puis on ira vers Valledale et tout. J'ai d'autres passions à part les chevaux. Bah j'adore les jeux vidéo. Voilà mes passions, youpi. Allons-y, go Sudhoven. Ouais, j'ai pas un grand nombre de passions. Hein. Ouais, je suis pas une personne très passionnée, vous voyez. Charlie, merci beaucoup. Je vais boire un coup parce que j'en peux plus de parler, vraiment. Ça épuise ma voix et puis ma salive, je n'en ai plus. Alors, je vais faire ça. Maintenant, je vais laisser
La carte ouverte pour celles et ceux qui me demandaient où on en était pour les courses, vous avez juste à regarder où est-ce qu'il reste des petits rubans pour savoir lesquels on n'a pas faites. J'adore voyager, surtout en Afrique, c'est magnifique, mais contrairement à ce que je pensais, il fait froid la nuit. Bah c'est tant mieux qu'il fasse froid la nuit, parce que la journée est tombée, le climat il doit être très chaud, très aride. Aussi, ça doit dépendre de quel coin en Afrique tu vas, parce que si tu vas en Afrique du Nord, ben en vrai je sais pas. J'ai déjà été une fois en Tunisie, mais ça remonte à trop longtemps. Mais je pense que les climats doivent être différents selon si tu vas en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, plutôt à l'Ouest, plutôt à l'Est. Ça doit varier, je pense, comme en France en fait. Sauf que la France c'est 10 fois plus petit que l'Afrique, ok, mais ça doit quand même varier, je pense. En Afrique du Sud, tu as été? D'accord. Non, il n'y a pas de code, les enfants. Il n'y a pas de code. Je l'aurais dit, de toute façon. Et dans le chat, ça aurait spammé. Hey, Mélissa, il y a un code. C'est nananinana. Il rapporte tant. Mais il n'y a pas de code. Ça sert à rien de demander. Ah, moi, je suis allée en Tunisie. Bah, moi, c'était. Je crois que je devais avoir 11 ans à l'époque où j'y étais. Donc, franchement, je m'en souviens plus. Mais c'était sûrement un bon voyage. C'était à l'époque où j'étais encore un peu soleil et j'aimais bien aller dans la plage et tout. Aller dans la plage. Aller à la plage et aller dans la mer. Mais maintenant je n'aime plus du tout ça. En fait je trouve ça écœurant déjà la mer ou la piscine de manière générale. En fait l'eau dans laquelle les gens vont. Je trouve ça écœurant. Et le soleil, je déteste ça parce que j'ai une peau très très blanche qui prend facilement des coups de soleil, même si je me mets de la crème. Et du coup, je déteste le soleil parce que bah forcément, si je m'expose, même avec de la crème, au fur et à mesure de la journée, je risque de prendre des coups de soleil. Et c'est très désagréable. Du coup, je déteste le soleil. Mais du coup, y a aucun pays en soi qui me fait de l'œil. Personnellement, il n'y a pas un pays qui me fait envie. Donc je saurais pas quoi répondre à la question quel pays tu souhaiterais visiter. Désolé, je suis pas quelqu'un ouais, qui voyage beaucoup. Comment aller dans un serveur français? Alors si de base t'es pas sur un serveur français, malheureusement, tu peux envoyer un mail à SSO via leur site web en leur demandant gentiment de te transférer vers un serveur français et normalement ils le feront. N'hésite pas aussi à expliquer pourquoi tu as envie d'aller sur un serveur français. Là, en l'occurrence, je pense que c'est pour retrouver le plus de personnes qui parlent français possible. Parce que bah, c'est clair que là, il n'y a que des personnes qui parlent français. C'est pas comme si tu étais genre sur un serveur. Enfin, que tu habitais genre au Québec et que tu pouvais qu'aller sur MapleStar. Là, c'est un peu limité, c'est vrai. Parce que c'est le cas de pas mal de gens. Mon pays préféré, bah je ne sais pas. Vu que j'ai très peu voyagé dans le sens où j'ai très peu visité lors de mes voyages, bah je saurais pas te dire quel pays est à mes yeux le plus beau. Vraiment, je peux pas dire quoi. En tout cas, au niveau des mentalités, il me semble que les pays scandinaves, c'est les plus en avance sur tout le monde. Donc ça doit être des pays dans lesquels c'est chouette de vivre, je pense. Mais qui sont vachement avancés. Pas de problème, Anna. Du coup, là, je vous invite à faire une reconduite à Steve ou alors à vous rendre à Steve par van ou à pied. Puis on va aller ensuite au Bois Écru et à Valledale, pour ceux qui sont sur le jeu. Je commence à fatiguer, là, ça y est. J'ai le coup de barre. C'est le coup de barre de quelle heure? 17h. Bah, c'est le coup de barre de 17h. Là, je viens de le dire, on va aller à Valledale. J'ai fait ma photo de profil avec Live Portrait Maker, c'est une application sur téléphone. Je vais l'écrire dans le chat si vous voulez. Bah, je suis pas en vacances en soi vu que c'est un lundi de Pâques, mais avant j'étais en vacances là. Mais je viens de repasser en période de cours entre guillemets. Je reprends mercredi. Est-ce que je me suis déjà teint les cheveux?
Les cheveux, pardon. Non, mais je me suis déjà fait des mèches, donc des décolorations pour avoir du blond. Bah là, je fais plus rien à mes cheveux depuis quelques années maintenant. À part les couper. Salut, May! Allez, venez tous au bois et creux. Le lusitanien que j'aime le moins, c'est celui peau de daim. Je trouve que c'est le moins réussi. Ouais, j'ai eu le bac avec mention, j'ai eu mention assez bien. Comment tu fais pour avoir une aussi belle qualité? Désolée, c'était moi qui avais mis trop d'emojis. Ah. Qualité, si tu parles dans le jeu ou de ma voix, comment dire, de mon micro. Précise parce que je peux pas. Enfin, je peux pas vraiment te répondre du coup. Stop le blond, le brun c'est la vie. Bah moi mes cheveux sont châtain clair, donc ça se rapproche un peu du blond. C'est pas vraiment du brun. Merci. Ouais, je mange un pain au chocolat. Mais bon, c'est pas le débat, s'il vous plaît, c'est écrit pain au chocolat sur le paquet. Attendez, j'ai pas raté une course là? Non, c'est bon. J'adore ton lusitanien, mais j'ai pas assez de circuits. Bah, vraiment désolé pour toi parce que du coup il part mercredi là, donc tu vas pas pouvoir l'avoir, ma pauvre. Chut, on va pas chocopin. Voilà, on dit chocopin comme ça tout le monde est fixé. Chocopin. Va pas débattre, hein. La team des modos là, ça. Je dis aux viewers de pas débattre et c'est vous qui lancez le débat. Non, mais c'est pas possible. Bon, après Anna, il a proposé une solution, chocopin. Je suis pour qu'on dise chocopin. Au moins, ça met d'accord tout le monde. Ah non, mais j'ai lancé le tuto, je voulais pas. Oui, chocopin. Oh, chocopin, c'est cute. Oui, c'est cute. Ah, j'en arrive pas à cliquer. La technique, c'est de cliquer au niveau des jambes, mais ça marche pas toujours. Oh, je déteste cette course, elle est chiante. Oh. Bah, bisous à toi, Odette, merci d'être passée. Spirit part le 29 mai ainsi que sa boutique. Donc si vous voulez les items de Spirit, n'hésitez pas à y aller parce que vraiment ils vont jamais revenir dans le jeu. Donc n'hésitez surtout pas. Ma qualité de jeu, eh ben, j'ai un ordi assez performant qui me permet de stream dans une bonne qualité, tout bêtement. C'est selon ma configuration d'ordinateur, quoi. Puis sinon j'ai mis les paramètres au max. Ah mais j'ai même pas activé les ombres alors que je peux clairement me le permettre. Je vais le faire de suite. Vu que normalement je suis sur mon petit PC et que je fais mes vidéos sur mon autre PC, bah j'active jamais les ombres parce qu'il est moins performant mon autre PC, mon PC portable. Là je suis sur mon PC fixe et il est très très performant. C'est un ordi, bah il a pas de réelle référence vu que je l'ai composé moi-même sur Top Achat si vous voulez savoir. En fait, tu choisis tes composants et voilà. J'ai pris le mieux possible et dans un budget assez raisonnable. C'est quand même un assez gros budget, mais voilà. En gros, j'ai, enfin, les deux choses les plus intéressantes, le processeur. Ah, 1, 2, 3. Pour les deux choses les plus intéressantes qui composent mon PC, le processeur et la carte graphique, j'ai une carte graphique de chez AMD, une Ryzen 7 2700X. Et j'ai une carte graphique de chez Nvidia, j'ai la RTX 2070. Voilà. C'est les deux choses intéressantes. Et j'ai 16 Go de RAM. Donc c'est deux barrettes de 8. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. C'est le plus intéressant. Le reste, on s'en fiche un peu. Non, c'est pas gratuit ce avec quoi je fais mes montages. Non, j'ai pas le lusigris pommelé. Mais il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Honnêtement, il me fait de l'œil. Mais je l'ai sur un autre compte, donc je sais pas si je me le prendrai un jour. Parce que je l'ai déjà sur un autre compte, donc c'est un peu bête de cumuler. Et ne commencez pas à me demander c'est quoi le nom de l'autre compte, je vous le dirai pas. Flash info, après un petit dixième de la France qui se bat pour faire reconnaître le mot chocolatine, déclarant de guerre, on apprend que 11 000 personnes déclarent dire chocopin. Ce serait bien, ce serait bien qu'on apparaisse dans les news grâce à l'intervention d'Anna. Ce serait drôle. Je préfère quelle course? Celle de Steve, je l'ai déjà dit, parce qu'elle est à côté de mon écurie, vu que bah, c'est Steve mon écurie.
Et parce qu'elle rapporte un peu d'XP. Enfin, beaucoup d'XP. 250, quoi. Du coup, c'est chouette. Attends, mais regardez-moi cette Agathe là qui trace. D'autant plus qu'elle fait ses courses, mais je crois que son cheval est déjà niveau 15, du coup ça n'a aucun intérêt pour elle. À part nous tracer et nous mettre à l'amende. Ça suffit, May, hein. Tu vas pas commencer. Mais c'est insupportable les deux là. Réunis, c'est la pagaille. Tu es vachement plus grande que moi. Ah, d'accord. Je pense que tu veux dire que je suis vachement plus grande que toi en âge. À l'aide, j'ai raté la flèche. Ah, mais non, mais je regarde le chat, du coup je ne regarde absolument pas ce que je fais, je me rate, la la la. Quoi? Non, je pense pas qu'il sera disponible l'année prochaine, le Lusitanien avec l'écran blanc là. D'ailleurs, il est archi moche, je sais pas ce que vous lui trouvez. Le Lusitanien qui se balade aux portes ouvertes et qui court de partout là, il est trop moche. Bleh. Bleh, bleh, bleh. Ah, il y a aussi le Lusitanien que Maeve veut absolument qui est tout noir là, celui de Luciana, mais pareil, pareil celui-là il sera jamais dispo, c'est un cheval de PNJ. Bah, je suis pareil hein, pour les courses. Hein. Je me prends tout ce qui est possible de se prendre. Mon prochain cheval sur la wishlist. Ah, j'arrive plus à parler. Mon prochain cheval sur ma wishlist, je le dis pas parce que ça vous laisse la surprise comme ça. Un lusi noir au crin blanc, mais c'est moche! À la limite, si le cheval de Idriss, j'aime bien, mais un lusi noir au crin blanc, vraiment, bah, je vois pas vos délires, là, je comprends pas. C'est comme le Connemara au crin blanc, j'aime pas trop. Bon, on attend les derniers, puis on ira au lac de Valledale. Bon, je vais un peu baisser le sommet puisqu'on est beaucoup moins nombreux. Quoi? J'allais dire on est beaucoup moins nombreux, mais on est 260 quand même. Hein. Mais je vais vous baisser un peu le sommet dans le chat, je vais vous mettre que 20 secondes. Là, il était à 30 secondes parce que j'ai vu qu'on était 300 au tout début. Hein. Ça fait un peu beaucoup, du coup, bah, j'ai préféré mettre 30 secondes. Oui, je suis à 11 000 abonnés, merci encore une fois. On les a atteints au tout début de. Du live d'ailleurs, ça a été assez rapide. Merci beaucoup. Let's go au lac de Valledale, les gens sur SSO. N'hésitez pas à tracer sans m'attendre. Quand je m'arrête comme ça vous fera du chemin en main. Ta robe préférée, perso le palomino. Bah moi c'est le gris pommelé. C'est quoi le cheval que tu n'aimes pas sur SSO? Arrêtez de me poser les mêmes questions, par pitié. Y a pas un cheval que j'aime moins que les autres, juste les anciens modèles je les trouve pas jolis, mais c'est simple de dire ça, genre ouais bah j'aime pas les anciens modèles parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont pas réussis, parce que forcément maintenant les chevaux qu'ils font maintenant bah ils sont 10 fois plus réalistes, des fois 10 fois mieux, du coup c'est un peu simple de dire ça, y a pas de cheval que j'aime moins que les autres en fait dans les nouveaux. Voilà. La vallée du dino je la zappe tout le temps et puis j'ai un cheval pas adopté au froid donc y a aucun intérêt que j'aille me faire m'embêter à aller faire cette course, j'ai pas la foi. Vous pouvez aller vous embêter à la faire vous tout seul si vous voulez, mais moi j'irai pas à la vallée du dino. J'ai fait l'effort en plus de faire la course de l'observatoire, je n'ai pas l'habitude de le faire généralement, mais j'ai fait l'effort. Du coup bah voilà. J'ai fait l'effort pour ça, je ne le ferai pas pour la vallée du dino, désolé. C'est quoi ce cheval? C'est un islandais ou c'est un pur sang anglais? J'arrive pas à savoir. C'est un pur sang anglais. Parce qu'en fait j'avais l'impression de voir l'islandais gris, mais il bougeait comme un pur sang anglais, du coup je comprenais pas. Parce qu'on dirait un peu l'islandais gris, c'est trop bizarre au niveau de la texture. J'ai tellement pas l'habitude de voir le pur sang anglais gris que là j'ai l'impression de voir l'islandais gris. C'est bien fait pour toi, Anna. C'est encore long, bah là il nous reste côté Valledale, Firgrove et puis Mistfall et après on aura terminé. Hein. On a été assez rapide je trouve, on a été efficace. C'est bien, mais c'est bien.
Les chevaux type portugais ou espagnol, j'aime beaucoup. C'est mes chevaux préférés, c'est ma race de chevaux préférée. Ah. Je me prends tout. J'avais 13 ans quand j'ai commencé les CSO. Mais j'ai pas joué longtemps. Je suis revenue quand j'avais bah. J'avais 16 ans. Quand je... Ah non, j'avais 17 ans quand je suis revenue du coup. C'était en 2017. Ouais, non, j'avais déjà 18 ans. 17 ans, voilà. Comme quoi, il n'y a pas d'âge hein, pour jouer à SSO, il y a de tous les âges. Il y a même des gens qui ont la trentaine, la vingtaine, même des fois la cinquantaine. Donc il n'y a vraiment pas d'âge pour jouer à ce genre de jeu. D'ailleurs, je trouve ça ridicule les gens qui disent oui, mais à ton âge de jouer à ce jeu, ça se fait pas. Enfin, jouez à ce que vous voulez en fait, n'écoutez pas les autres. Hein. Attends, j'ai mal à la tête là d'un coup. C'est long de trouver les 100 araignées où ça passe vite. Je peux te dire que cumulé, ça m'a pris environ 5 heures à trouver toutes les araignées. Donc oui, c'est très très long. Donc ouais, bonne chance. Hein. Si tu te lances... Bah la preuve, j'ai 90 ans. N'importe quoi, celui-là. Ah, j'ai raté. Voilà. Quand Anna dit des conneries, je rate tout. Super. Allez, c'est pas grave, on reprend. J'ai rencontré une fille qui avait 24 ans. Et encore, ça c'est pas très vieux. Hein. Il y en a des. Enfin, c'est pas vieux. Oui, c'est loin des vieux. Il y a des gens encore plus âgés que ça. Sur le jeu. T'en crois plus que tu ne le crois. C'est juste qu'ils disent pas forcément leur âge, quoi. Toujours de ma faute ici. Bah oui, là c'est ta faute. Je suis désolée, j'ai lu ta connerie. Du coup, voilà, ce que je me suis pris, je me suis pris une barrière. Moi, dans la vraie vie, j'ai 10 ans. Bah oui, il y a vraiment de tous les âges. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun âge pour jouer à ce genre de jeu. Tant que voilà. Je sais pas, tant que tout le monde s'entend à merveille, je vois pas le problème quoi. Anna égale perturbateur, tu m'étonnes, Agathe. Mais non, mais Agathe, c'est quoi ce nom si folle? N'importe quoi! La traduction française, elle est vraiment nulle de ton nom SSO. Hein. Si folle. Ah, c'est si nul! Mais non, ça fait pas peur à Icecrown, quelqu'un de 34 ans, il y a aucun mal. En fait, tant que la personne se comporte bien avec les autres. Oh non, oh non! Oh non, mais je suis tombée, comment j'ai fait? Mais non. Je suis vraiment tombée bas en plus. Quoi? On me laisse pas retomber plus bas pour Mais non. Oui, donc je disais, je termine ma phrase parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Oh non, mais c'est pas vrai! Je veux remonter! Oh! Très joli saut de ma part. C'est bon, on a réussi. T'es trop nulle, t'es méchante, mais... Oui, donc je disais, tant que la personne n'a pas une attitude bizarre, en mode... elle demande des infos perso aux jeunes du jeu, bah, y a pas de souci. Est-ce que la personne est 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Genre, y a aucun souci tant qu'elle a pas une attitude bizarre et déplacée envers les autres joueurs, tu vois. Tant que tout le monde se respecte, moi je vois aucun souci à ce qu'il y ait différents âges sur un même jeu, hein. Vous verrez bien mon prochain achat, je ne dévoile rien. Miss Chipotte n'a pas 20 ans, c'est qui Miss Chipotte? J'ai pas suivi là. Go Fortnite, ça va pas la tête. Je déteste ce jeu. Oui, voilà, oui. Bien vu, Akoris. Exactement. Faut éviter au maximum d'en dévoiler trop à des inconnus, hein, ça c'est sûr et certain. Surtout quand on est jeune, hein. Parce que t'es plus facilement atteignable, je pense, et plus sensible. Par contre, c'est perturbant, là, y a pas de bruit de nature, il y a juste un bruit bizarre qui fait un peu flipper pendant cette course. Arrête, Anna! Ils vont finir par te croire. Ah, bah, je connais absolument pas la youtubeuse Miss Chipotte. Donc c'est quelqu'un qui a 20 ans et qui les fait pas, c'est ça?
Ah, mais on se prend tout avec Capucine Lion Street. On s'est tout pris. Bon, moi, il y a quelqu'un qui me soutient dans mes fails. Hop là, on passe par le raccourci. Ciao les nuls! Non, je rigole. Mais ça m'a fait rire de voir les gens prendre le chemin alors qu'il y a un raccourci. Tu me motives pour mes courses, merci. Bah, c'est un peu le but de ces lives. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, si j'y pense, j'irai voir les vidéos de Miss Chipote. Mais je pense pas que j'y penserai honnêtement. Mel qui déteint sur moi, c'est clair. Non mais. Oh putain, le jour où on va faire une vidéo, ça va être l'apocalypse. Hein. Je te le dis. Ça va être la guerre dans les commentaires. Go team fail. Oui, ça c'est ma team à moi. Si j'avais pu nommer mon club le club des fails, je l'aurais nommé comme ça. J'aurais invité que des gens un peu nuls au championnat ou aux courses. C'est assez paradoxal d'ailleurs ça, parce que je suis très nulle au championnat et aux courses. Mais à côté de ça, je prône les équipements avec le maximum de stats. Je ne porte que ça, je n'achète que ça. S'il y a des mauvais stats, je jette, je ne porte pas, je mets de côté. Mais à côté de ça, je suis archi nul en championnat. Je gagne jamais aucun championnat et je me faille tout le temps pendant mes courses. Je fais jamais les meilleurs scores, donc ouais, c'est un peu paradoxal, c'est rigolo. Ouais, bah fais ta chaîne, Anna. Hein. J'allais t'appeler complètement par ton nom, mais je préfère dire Anna, c'est plus court. N'hésite pas à faire ta chaîne, hein. Ce serait bien drôle. En plus, il n'y a pas beaucoup de garçons qui font des vidéos sur SSO, en tout cas le YouTube français. Du coup, tu représenterais un peu la jante masculine sur le jeu. Ah bah de rien, Escape Pony. C'est un plaisir. Oh, regardez-moi ce magnifique galop là de Strackner. J'adore le galop de Strackner, ce cheval est sublime au galop. J'ai gagné le championnat des poneys, je suis arrivée première, bien joué. Moi aussi une fois je suis arrivée première au championnat des poneys. Je crois que c'est même le seul championnat que j'ai réussi à arriver première une fois. Le seul. Oui, les lapins à Coris, j'y arrive. Bah, c'est parce qu'il y a des raccourcis spécifiques et que peu de gens les connaissent, c'est tout. Hein. Sinon, je serais dans la même galère que pour les autres courses, clairement. Ah, j'en peux plus là. J'ai hâte que les courses se terminent, j'en ai marre. Je vais manger un petit pot de mon pain chocolat parce que j'ai croqué deux bouchées. Bah, aucune en particulier, Mégane, là. Pourquoi? Comment ça, c'est pas interdit de jouer à Fortnite? Non, c'est juste que j'aime pas, moi. Pas compris, là, ce qu'on m'a dit. Ah bon, Alex? Sérieux? Ou tu déconnes? Ça y est, là, je vais initier tous les gens de mon Discord qui sont actifs à faire des vidéos. Ça va être la révolution. Une nouvelle génération de youtubeurs SSO vont arriver bientôt sur vos écrans. Le jeu copain, pardon, 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 excusez-moi, merci de me le rappeler. Bah, vraiment, là, j'ai commis un blasphème en disant pain au chocolat. Le jeu copain. L'entendre manger, quel plaisir. Le pire, c'est mes bonbons. Quand je mange des bonbons, c'est. Oh, c'est horrible. J'ai dit quelque chose de méchant, de mauvais. C'est vrai qu'en live, je me censure beaucoup moins qu'en vidéo. Ça m'arrive de dire des gros mots. Bah, prenez pas exemple sur moi, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand je suis virulente. Bouchez-vous les oreilles quand je dis des grossièretés. Même les plus grands, hein. Bouchez-vous les oreilles, c'est pas bien. Les vidéos SSO ASMR, ouais, mais pour raconter quoi aussi? Enfin, je veux dire, y a pas, enfin, c'est pas qu'il y a pas d'intérêt. Ok, ça pourrait plaire à des gens, mais je raconte quoi dans la vidéo ASMR? Enfin, je sais pas, faut bien que j'anime, faut bien que je dise quelque chose, faut bien que je meuble.
coup, je sais pas. Avec toi, la vidéo ASMR, mais t'es malade, toi, hein. Bon, l'autre, il va gueuler dans son micro, et il va parler, il va faire un rap god d'Eminem, là. L'ASMR, il va pas du tout être opposant, hein. Quand il parle, Anna, c'est trop drôle. À chaque fois, on dirait qu'il est pressé, qu'il a un bus à prendre, et que c'est la dernière conversation que t'auras avec lui. Il arrive pas à se calmer quand il te parle, il est obligé de... de speeder, c'est trop rigolo. Bah oui, mais bon, les sons du jeu, tout le monde peut les écouter, donc je sais pas trop. Hein. C'est pas très intéressant de juste faire une vidéo ASMR. Dans ce cas, SSO, ils en ont déjà fait une hein, de vidéo ASMR où on entend que leur son de jeu. Bah oui, mais pour raconter quoi, mais encore une fois, je sais pas moi. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir Céline. C'est incroyable ça parce que vraiment les gens font une fixette sur ma voix généralement. C'est un des commentaires que j'ai le plus reçu de toute ma chaîne. C'est j'adore ta voix, c'est apaisant, c'est agréable, ça fait vraiment plaisir. Ça fait très très plaisir. Parce que c'est vraiment un commentaire assez récurrent, du coup bah, j'estime que c'est sûrement vrai du coup ça me fait très très plaisir. Après moi aussi genre c'est un plaisir de monter mes vidéos et de m'entendre. La fille un peu égocentrique. Je rigole évidemment. Honnêtement je vous dis la vidéo là, la dernière que j'ai sortie sur mon achat avec mes 20 000 Star Coins. C'était un peu une horreur de monter cette vidéo parce que déjà elle était très longue. Et vu que justement je suis très calme dans ma voix et que... et que j'avais aucune surprise à aller voir ce que j'allais acheter, vu que je savais déjà d'avance ce que j'allais acheter pour la plupart des trucs, bah j'ai limite failli m'endormir devant mon montage tellement bah ma voix était calme, posée. Tout le long de la vidéo, il n'y avait pas trop d'excitation dans ma voix, vu que bah forcément je découvrais rien, je savais déjà de base ce que j'allais acheter durant la vidéo, du coup bah, il n'y avait aucune découverte. C'est pas comme mes vidéos mises à jour où j'ai un peu plus de comment dire... d'excitation dans ma voix par moment ou quoi. Là c'était un peu plus monotone et du coup c'était vachement calme et moi j'en pouvais plus de monter ma vidéo, j'en avais marre de m'entendre. 40 minutes, je vous jure c'est hardcore. Bah de base j'avais genre même pas 40 minutes, j'avais 2h30 de rush. Et j'ai du coup bah, condensé tout ça en 40 minutes et c'est si long parce que... Au-delà du fait de couper la vidéo, je devais revisionner la vidéo pour voir s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas des moments de blanc ou des moments où j'avais oublié de couper. Du coup, ouais, revisionner 40 minutes de vidéo plusieurs fois, je vous dis, ça prend un certain temps. Bah logique, ça prend 40 minutes fois je ne sais pas combien. Et du coup, oui, ça m'a pris un certain temps cette vidéo. C'est sûrement l'une des plus longues... non. Cette vidéo, c'est sûrement celle qui m'a pris le plus de temps à être créée, tournée, montée. Créer et tourner c'est la même chose. Et monter aussi du coup. Ouais non mais toi tu m'as plus déconcentré qu'autre chose Anna, donc arrête un petit peu. Je dis pas la région où je vis. As-tu commis une erreur une fois sur le jeu que tu regrettes? Bah non, jamais. Jamais jamais, je réfléchis mais non. Allons-y à Miss Fall. C'est la dernière destination pour les courses, après on sera tranquille. Alors, je réfléchis, hein, une erreur que j'ai pu faire sur le jeu. C'est peut-être avoir dépensé mes Star Coins inutilement à l'époque où je jouais pas beaucoup au jeu pour des chevaux bah, que j'aime pas aujourd'hui. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'erreur que j'ai fait en mode j'ai jamais agressé quelqu'un ou regretté une parole que j'ai dite. Non, ça m'est jamais arrivé. Je donnerai pas d'informations au jeu, ça sert à rien. Oui, je connais Devovo. Qui ne connaît pas Devovo? J'allais dire tout le monde la connaît, mais qui ne la connaît pas en fait? Ah bah S-Round, je suis désolée, surtout s'il y a Agathe qui vient faire les courses de Dundle, il y a moyen qu'elle te pique la première place en plus. La vilaine. Devovo, c'est une youtubeuse multigaming, kids friendly, un peu comme moi du coup, qui dit jamais de gros mots dans ses... dans ses vidéos et même dans ses lives elle se censure et les grossièretés elle dit chacha miaou je crois, il me semble que c'est ça qu'elle dit. C'est assez rigolo.
Je joue à quel jeu vidéo? Bah en ce moment je joue pas trop parce que bah... Je sais pas si c'est par manque de temps parce qu'en vrai j'ai le temps. C'est plus par manque de motif de décale sur mon gros PC là sur lequel je suis actuellement. Mais par un moment là je jouais beaucoup à League of Legends. Là en ce moment j'ai fait une petite pause là. J'ai mes périodes aussi où je fais beaucoup d'un seul jeu. Par un moment j'ai joué bah, à Assassin's Creed Origins le dernier. Odyssey pardon le dernier. Et j'ai aussi fait Origins par un temps. J'ai aussi récemment joué à The Witcher 3 avec les extensions, mais j'avais pas fini Blood and Wine. Désolé pour mon accent anglais, vraiment c'est naze. Mais voilà un peu le type de jeu auquel je joue. J'ai beaucoup joué, enfin j'ai beaucoup joué. J'ai déjà joué aussi à Siberia, les trois jeux. Life is Strange aussi, donc le 1, Before the Storm. Et le 2, bah, j'ai toujours pas fait l'épisode 2. Il faudrait que je le fasse en live aussi sur Twitch, je pense. Je ferai ça sûrement pendant les grandes vacances. D'accord, Lise, merci de l'info du coup. Attendez, moi je vais remanger un petit peu de chocopin. Doom, c'est pas un rappeur. Je sais que mon copain il écoute, mais. Enfin, je crois qu'il écoute. Mais non, moi je le connais pas, sinon j'ai jamais écouté. J'ai arrêté de jouer à SSO par un moment parce que ça me branchait plus et il n'y avait pas trop de missions à l'époque. Le jeu n'était pas autant évolué que maintenant. Ah mince, c'est une youtubeuse, j'ai cru que c'était un rappeur, Dooms. Parce qu'il me semble qu'il y a un rappeur qui s'appelle comme ça. Dooms. Mais attendez, je vais vérifier parce que ça me stresse là, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Vous me mettez le doute. Mais je suis sûr que c'est un rappeur, Dooms. Ah, oh, mais j'ai le clavier en QWERTY, bien sûr. Mais ça s'écrit D-O-U-M-S. Oui, c'est ça. Je suis pas folle. Donc Dooms, c'est bien un rappeur, mais ça s'écrit D-O-U-M-S. J'ai pas dit de bêtises. Mais oui, sinon il y a une youtubeuse, mais je la connaissais pas. Attendez, hein, 2 secondes, je veux juste. Hop. Tout, j'arrive, hein. Excusez-moi. Hop, je remets mon clavier en QWERTY, c'est parti, on va finir les courses. Oui, non, mais j'ai compris, mais moi je parlais, moi j'ai cru Doom, c'est le rappeur, mais en fait vous me parlez d'une youtubeuse. Bah, à l'époque, si, ça fait longtemps, hein, 2013. Si, si, hein, ça fait super longtemps. Un poney genrevicois préféré? Pouah, en vrai, je sais pas. Hein. J'attends qu'il fasse d'autres robes, moi, avant de me prononcer. J'aimerais bien qu'il fasse d'autres robes de poney genrevicois. Ce serait chouette. Ah, j'ai le hockey. J'ai déjà dit, je joue à Assassin's Creed, j'ai joué à quasi tous les opus d'Assassin's Creed. À The Witcher 3, Life is Strange, Siberia. Par un moment, pardon, j'étais beaucoup sur Overwatch, Heroes of the Storm, League of Legends. Il y a quoi d'autre? Je réfléchis. Ouais, bah c'est tout, hein, c'est à peu près tout. Bisous à toi, Tira, merci d'être passé. Ah non, c'est pas à la fin de la journée, c'est le lendemain qu'on reçoit les récompenses pour les courses Ice Crown. Acceptes-tu qu'on fasse des fanarts de ton personnage? J'insiste, mais qui ne tente rien n'a rien. Excuse-moi, j'ai galéré à lire ton commentaire. Mais n'hésite surtout pas à faire des fanarts, hein. Moi ça. C'est génial pour moi, parce que oui. Généralement, tu sais, quand les youtubeurs demandent à des gens de faire des photos de profil ou quoi pour eux, bah ça moyenne de l'argent. Mais si t'as envie de vraiment faire un fanart comme ça gratuitement de ton plein gré et pendant ton temps libre, y a aucun souci, hein, fais-toi plaisir. Hein. N'hésite surtout pas à me l'envoyer aussi sur Discord pour être sûr que je le vois ou sur Instagram en privé.
Ce sera avec grand plaisir, n'hésite surtout pas. Je crois qu'on en avait fait un, mais c'était un fanart de mon cheval et pas de mon personnage. J'en ai jamais eu des fanarts de mon personnage. D'ailleurs, si tu te lances dans un fanart de mon personnage, représente plutôt ma coupe que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir avec celle qu'on m'a connue, celle longue, un peu ondulée comme ça, blanche, et pas les coupes que je mets maintenant parce que vraiment, hein, c'est temporaire quoi. Je vais beaucoup bouger de coupe maintenant, je pense. Mais de temps en temps, je reviendrai à ma coupe originelle quoi. Oh, mais c'est pas vrai, c'est bug où je rentre dans le sol, c'est incroyable. Le beurre doux ou salé? Alors je préfère le beurre doux en beurre normal. Mais il y a un truc que je kiffe, c'est le caramel beurre salé. Voilà. C'est un de mes trucs préférés, genre en saveur. J'aime beaucoup ça pour les glaces, en coulis, sur des crêpes ou des glaces. Enfin, c'est trop trop bon le caramel beurre salé. Ah non, moi je suis à la fin des vacances, je reprends mercredi là. J'ai dit beurre doux, arrête de spam ton message. Ah. Sur ce live, on dit chocopin. On dit ni chocolatine ni pain au chocolat, on dit chocopin. C'est un mix. Oh mon dieu, Anabusa. Elle l'appelle pas un mon dieu, il va prendre la grosse tête. Ah, Agathe, comment elle me trace, regardez là, avec son cheval là, au niveau 15. La vilaine. Il a dit une connerie, c'est ça? Ah oh, mon dieu. Il est incroyable. Il ne s'arrête jamais. Gloire au chocopin. S'il faut se souvenir d'un truc pendant ce live, c'est du chocopin. D'ailleurs, j'ai même pas terminé mon chocopin, justement. J'en suis vraiment même pas à la moitié là, mais j'ai faim. J'ai pas de salive, il faut que je bois plus que ça quand je fais des lives, hein. Ça va vraiment pas. Faut que je m'hydrate un peu plus là. Après, je m'étonne d'avoir la peau sèche. Ah! Mon cheval fait des allers-retours dans le sable. Dans le sable, dans le sol. Y a pas de sable à Miss Fall, Mélissa, y a pas de sable. Voyez, maintenant c'est un bonheur de faire les courses à Miss Fall, puisque, comme je vous l'ai dit plus tôt, ils ont augmenté les temps entre chaque checkpoint, donc entre chaque passage dans les drapeaux là. Et c'est un bonheur, c'est genre 15 secondes, non, c'est 17 secondes maintenant. Donc c'est vraiment plus simple. Avant c'était la galère avec les 6 secondes, je crois. Vraiment, c'était impossible quoi. À chaque fois que je faisais les courses à Miss Fall, je me foirais et je devais tout recommencer à chaque fois. Ça m'énervait de les faire. Oula, mon cheval s'arrête tout seul. Bravo, Céline. Salut à toi, lol. Oui, il y a ça en plus sur Twitch, l'Odyssée d'Ulysse. Il y a un bot qui te rappelle de boire toutes les 30 minutes, je dirais. Ou toutes les heures, je me souviens plus. Mais normalement, je le fais, mais c'est juste que là, j'ai pas l'habitude. Vu qu'en fait, je suis tout le temps à bouger sur SSO. Là, quand je fais les courses, bah, j'ai pas le temps de prendre ma bouteille et de boire un coup, quoi. Je prends pas le temps, en fait. Oui, à Coris, ça fait un petit temps. T'as cru que tu t'étais amélioré? Bah non. Oui, ça fait un petit temps qu'ils ont modifié ça à Miss Fall. Sûrement à cause des plaintes nombreuses des joueurs qui n'y arrivaient vraiment pas. Parce que c'est vrai que c'est assez hardcore, les anciens timings. Bah, reposez vos questions à ceux que j'ai pas répondu. Là, on va aller se poser à un endroit non Star Rider. Vous préférez Fort Pinta ou Moorland? Dites-moi. N'hésitez pas à me dire. Je verrai selon dans le chat ce que ça demande le plus. Ah, c'est plus du Moorland là pour l'instant. Ah, Fort Pinta aussi.
Goépona pour l'élite, non mais ça va. Espèce d'égoïste, va. Après, il y a beaucoup de gens qui disent fort aussi. Hein. Y a pas mal de gens qui... Ah non, c'est du spam sur le jeu. C'est une même personne qui dit Mourland. Après, je sais pas. Il y a plus de choses à Fort Pinta dans le sens où il y a des chevaux à vendre. Il y a des boutiques. Donc, je sais pas, c'est peut-être plus chouette. Y a beaucoup de gens qui disent Mourland aussi. Hein. Au pire, on fait une petite balade entre Mourland et Fort Pinta. On fait ça. Allez, go Mourland, on fait une petite balade. Je tranche fort. T'es qui pour trancher d'abord? Non, il n'y a pas de chevaux à vendre, May, avant, à Mourland. On avait tout fini les courses, hein, à part la veille du dino, mais c'est bon. Mourpinta. Bah en fait c'est ce qu'on va faire, on va se balader entre les deux. Et j'irai doucement comme ça je pourrai répondre à vos messages dans le chat. Bah y a rien à faire à Mourland. J'ai une idée. On va faire les quêtes d'écurie à Mourland là, les tâches. Ça on va récolter un peu de shilling. Mais allez-y, connectez-vous. De toute façon, on va pas aller bien loin. Hein. On reste dans la zone de Denosa. Et pas besoin de vous attendre, vraiment, on sera pas loin. Mais on va se balader un petit peu, voilà, on va bouger un petit peu. Déjà, je fais ça. Pour un petit peu de shilling. Du coup, mon cheval, bah, c'est affiché là. Il est niveau 8. On parle pas avec du chocopin plein la bouche. Oups. C'est vrai que je parle tout le temps la bouche ouverte. Hein. Au grand désespoir de ma mère. Parce qu'elle aime pas du tout les bruits de bouche. Mais en fait, je suis trop pressée de parler bien souvent. Et du coup, bah, je suis obligée de parler en même temps de manger. Petit répond, mais repose ta question et me demander de te répondre. Je vais pas m'amuser à regarder au-dessus du chat si tu m'as envoyé un message avant. Repose ta question, t'auras plus de chances que je te réponde. Ça sert à rien de me supplier pour que je te réponde. D'ailleurs, vérifie avant de me reposer ta question si j'ai pas déjà répondu dans le dans la description d'ailleurs. Ah oui, non. J'ai dû dire une connerie, mais c'est la fatigue à Coris. Je voulais dire, je parle tout le temps en mangeant. Voilà. Et je mange aussi souvent la bouche ouverte. C'est pour ça, en fait, je me suis embrouillée toute seule. Mais il m'arrive souvent de manger la bouche ouverte. Et ça fait des bruits de bouche insupportables. Bon, allez, on y va au pas. On y va tranquille. On se dirige en direction de Fort Pinta. N'hésitez pas à prendre le wagon là. Enfin le wagon, le petit train. Oh mais ferme-la, Anna. Ah bon, y'a qui te parle Anna Goldkeep là du coup? Parce que Anna et Anna ça se dit exactement de la même façon à l'oral, c'est pas pratique. Je regarde un petit peu le monde qu'il y a. On est un petit comité quand même. Après, je vois pas tout le monde à mon avis, donc. McDo, Burger King, je sais pas. En vrai, les deux se valent. Hein. Moi, je préfère le steak and shake en termes de fast-food. Ah oui, d'accord, Anna. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée. En vrai, je me parle. En vrai, je m'appelle Mélissa. Feras-tu un live achat? Non, c'est vraiment pas prévu.
Si je dois faire des achats, je le ferai soit hors vidéo, soit en vidéo. Mais jamais en live, non. Non, j'ai pas envie de faire de championnat, désolé. On a déjà fait assez de courses, mais on a fait toutes les courses du jeu, même celle de l'observatoire. Donc c'est déjà pas mal. Bah bisous à toi, Mia, profite bien. Oui, il fait beau en ce moment. Ouais, c'est clair à Coruscant. Surtout que c'est écrit dans la description sur les règles à respecter. Bah, je suis désolée si vous me voyez pas. Encore une fois, je l'ai déjà écrit dans la description. C'est SSO qui vous protège des lags entre guillemets en faisant en sorte que vous ne voyez pas tout le monde. Parce que si votre ordinateur devait charger tout le monde, franchement, ce serait injouable pour tout le monde, le jeu. Donc, c'est un mal pour un bien que vous ne me voyez pas, malheureusement. C'est stylé, hein, ce petit monde-là qui marche tranquillement. J'aime bien. Je fais jamais ce genre de choses. Généralement, on reste tous entassés à un endroit et on ne bouge pas. Par simplicité pour moi. Non, je connais pas Nessendil. Avant le live, mon cheval était à quel niveau? Bah, je crois qu'il était niveau 3. J'avais genre fait quelques courses. Oui, mais la course de poney, je peux pas la faire avec ce cheval, donc c'est normal que je l'ai pas intégré comment dire, dans le parcours. Bisous à toi, Lise. Ton pote, il me hante, Mel. C'est toi là, qui prends sa photo. Ah oui, un championnat, c'est vrai, je devais faire une vidéo championnat, bah faut que j'y pense. C'est vrai que je l'avais dit, et en vrai c'est assez simple comme vidéo à tourner, ça demanderait pas énormément de travail. Juste au feeling quoi. Et c'est vrai que je devrais tourner ça, merci de me le rappeler. J'y penserai. C'est pas grave, Akuris, moi j'ai l'habitude à chaque fois que je débarque sur... Sur le live de Laura alias Unicornis, à chaque fois les gens se focalisent sur moi et ça m'énerve aussi parce que c'est pas mon live, tu vois. Moi j'aimerais juste en fait pouvoir. Je l'avais déjà dit sur mon serveur, ça, mon serveur Discord, que j'aimerais juste pouvoir arriver sur un live SSO et ne pas me faire acclamer en mode Oh my god, Nelissa, t'es là, j'adore tes vidéos, alors que c'est pas mon live, que ça me saoule un peu d'être le centre de l'attraction, alors que c'est pas mon live, vous voyez. Et ça me gêne beaucoup. Et du coup, le dernier live de Laura, j'ai dû carrément changer de compte pour avoir un peu de tranquillité dans son chat, tu vois, pour être assimilé à un viewer lambda et pour pas qu'on me fasse chier, quoi. Parce que ça me met vraiment mal à l'aise pour elle et ça me met mal à l'aise moi-même, en fait, que les gens me spamment en mode c'est mon live alors que pas du tout. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est irrespectueux envers tout le monde, en fait. Non, sérieux, il y a des gens qui sont abonnés à Anna. Allez tous vous abonner à Anna, s'il vous plaît. Pour le motiver à lancer sa chaîne YouTube, là. Anna Bouza dans le chat. C'est un très cher ami, donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. C'est quelqu'un de très sympa. Il fera certainement des vidéos de qualité. Moi aussi, je vais aller m'abonner. Après le live. Attendez, non. Je m'arrête 2 secondes, je vais m'abonner maintenant. C'est quoi, je m'abonne maintenant, là. Maintenant, sans hésitation. On s'en fiche que tu commences ta vidéo par salut les kikous, tu fais comme tu veux, mais tu fais des vidéos. 42 abonnés, allez. 45, ça monte, n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous file le lien dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, je suis sûr que c'est possible d'atteindre 100 abonnés, là. Allez, allez, n'hésitez surtout pas à le motiver. Go, 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 go! Let's go, let's go! 50 abonnés, on y est bientôt là! Les 100, on est proche! Je vais même faire la pub sur mon Discord. Attendez. J'ai envoyé ça. Je vais dire abonnez-vous en masse pour le motiver à sortir une vidéo. N'hésitez pas, je le remets. Attendez, je le remets. Allez, go, go, go! C'est un marathon. Bientôt 90. Bientôt 100. Oh, on arrive à 100. Mais non.
Vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Bah, n'hésitez pas à exploser le compteur hein, maintenant qu'on est déjà à 100. Bon, bah, let's go, Anna. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, la vidéo, hein. La vidéo présentation, tu présentes ton compte, sinon tu fais ça une petite présentation de compte. Le serveur Discord, il est en description. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Mais non, supprime pas ton compte, arrête! T'abuses là! Respecte un peu, les gens sont abonnés à toi, ils attendent des vidéos de qualité! Franchement! Ah, mais moi c'était la galère justement à Coris pour les 100. C'était vraiment un palier difficile à atteindre, hein, je me souviens. Parce que quand tu pars vraiment de rien et que t'as zéro visibilité de base parce que tu faisais rien à la base, ou que tu fais pas de vidéos en collab avec des gens, tu dois monter par tes propres moyens, quoi. Donc moi c'était la galère au début, je me souviens, surtout que je faisais pas de vidéos commentées, ça intéresse moins les gens. Mais vous inquiétez pas, Anna Bouza là, il a un très bon micro, il a de la tchatch, il ferait vraiment des très bonnes vidéos, je vous assure, vous regretterez pas votre abonnement. N'oubliez pas la cloche. Anna Bouza, elle a percé sans rien faire. Oui. Par contre, Anna, ça s'écrit comme ça. Je vous l'écris. Ah merde. Attendez, j'ai le QWERTY du coup. Hop. Je vous l'écris sur SSO. Parce que confonde pas avec d'autres Anna. Bah là, je marche et je regarde le chat du coup. Je marche en direction de Forpinta, comme tu peux le voir. Comment ça, j'ai rien fait, je suis en train de pleurer là. Espèce de menteur. J'ai enlevé mon QWERTY parce que là c'est plus possible. Vive les chocopins, ouais, bien évidemment. Bien sûr, Anna, s'il te plaît, n'oublie pas de me remercier pour ta première vidéo. Parce que sans abonnés, quand même, c'est un cap. Oh, j'ai une idée pour ta première vidéo. Tu fais genre vidéo spéciale sans abonnés. En mode le mec il débarque avec sa première vidéo, vidéo spéciale sans abonnés. Allez, vas-y, s'il te plaît, fais ça. Fais ça ce soir là. Fais un effort là, fais-moi plaisir là. J'aurais pas de dire là, ça m'énerve. Anna, il fera des vidéos sur SSO. Allez, une vidéo sans abonnés là pour tes sans abonnés, fais-leur plaisir. Ce soir, ok. Voilà, ça y est, il l'a dit, vous avez vu, screenez là. Les gens dans le chat qui savent faire des screens, screenez et mettez sur Discord, s'il vous plaît. Mettez-le sur Discord. Parce que je sens qu'il va pas tenir sa parole là. Il faut le forcer. Il faut lui cliquer dessus pour aller sur sa chaîne, tout bêtement. Je vous remets sa chaîne YouTube, si vous voulez. Voilà. Il faut le pousser, parce que sinon il va jamais commencer. Un peu de représentation masculine sur ce jeu là. On peut faire un feat si tu veux. Flo qui s'y met. Astraio, c'est mon copain dans le chat, il a déjà fait une vidéo avec moi. Et il propose de faire un feat avec Anna. Non mais alors là, ce serait vraiment l'apothéose quoi. Ce serait vraiment drôle. Surtout que Flo il connaît rien au jeu, donc ce serait vraiment vraiment marrant. Puis il a un compte à lui. Go, on fait ma vidéo sans abo sur Overwatch. Mais non! Sur SSO! Vas-y, n'hésite pas, Anna. Anna Goldkeep, à la screen. Bon, bah, on va s'arrêter là. On a bien assez marché. T'as plus le choix, Anna. Merci, Mikumi. Ma chaîne Twitch, je vous la donnerai sur Discord si vous la voulez. Sucre ou sel? Sel, moi, je suis plus salée. Anna! 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 Je regarde, j'actualise le nombre d'abonnés. 137! Est-ce qu'on peut atteindre les 150? Je ne sais pas. Chance, avec les gens du Discord, on atteindra les 150. Bah oui, Eva! Il va bien me le devoir en faisant sa première vidéo ce soir. Hein. Moi, je vais le pousser à le faire. Faudrait même que je m'incruste. Comme ça, il pourra mettre dans le titre Fit Melissa Westfall dans son titre. En tout cas, merci à vous. Vous jouez le jeu, c'est génial.
Parce que vraiment, je le pousse à faire des vidéos depuis un petit temps là, parce qu'il a vraiment du potentiel, il est super rigolo. Mais vous verrez, il est assez spécial, hein, parce qu'il a des projets de vidéos un peu plus hors du commun que les miens, quoi. Mais si tu veux, j'achète un cheval pour mes 100 abos. Oh, tu sais qu'il y a le marché en plus d'ouvert? Tu peux t'acheter le Morgan? Oh mon dieu! Oh mon dieu, tu peux t'acheter le Morgan? C'est le Morgan que tu rêves d'acheter depuis un certain temps. Tu peux te l'acheter là, le marché il est ouvert. Et il est à Fort Pinta le marché cette semaine. N'hésite pas, hein. C'est lâché débile. Alors, parfait, une vidéo achat pour. Ce sera la mascotte de ta chaîne. Une vidéo achat sans abonnés, hop. Je suis sûre qu'il va l'appeler comme ça là. Mais oui, je te tente, bah t'as intérêt à le faire. Moi je te dis, bah tu sais quoi, après le live on va tourner ta vidéo. J'en ai rien à faire. Non, peut-être un peu après parce que là il y aura encore du monde. Plus tard dans la soirée on ira tourner ta vidéo. Oui, il y aura une rediffusion, Anna. Anna, je suis obsédée par son nom, ça y est. Manon, il y aura une rediffusion. En fait, je vois son nom écrit partout, du coup, bah, je le dis tout le temps. Écoutez, on va faire promettre à Anna. Là, il a combien d'abonnés? Il a 138. S'il atteint les 150, là maintenant, s'il atteint les 150, je vous jure que je fais tout pour qu'il sorte sa première vidéo, vous ne serez pas déçus. Donc n'hésitez pas. Non mais honnêtement, c'est un cas. Allez vous abonner. Il y a moyen qu'il fasse des vidéos si je le pousse un peu. C'est quelqu'un d'assez léger qui se prend pas au sérieux, vous allez rigoler. Après le live, je vais m'abonner à sa chaîne. Ah bah c'est parfait ça. Merci beaucoup. Vas-y. Oh, idéal OBS pour pouvoir faire les vidéos. Non mais, il est vraiment vraiment déter là. Je l'ai mis dans la description. Dans la description, pas du tout. Je le mets sur le chat, je vais le remettre. Et sinon, il parle dans le chat, donc vous pouvez directement cliquer sur lui. 150 les gars, oui! Vous êtes géniaux. Ah oui aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, si c'est pas fait. Parce que là, je fais de la pub pour quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui oublient de s'abonner à ma chaîne quand ils regardent mes lives. Du coup, bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup hein, pour les 11 000. Ça fait plaisir. Vous êtes trop chou. Bon, parlons d'un autre sujet maintenant qu'il a ses 150. C'est bon, vous aurez votre vidéo ce soir ou demain. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses à demander. Ce soir, il va pleurer en vidéo. Il va dire pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Oh mon dieu. Je redis aux gens du Discord d'aller s'abonner, hop. J'avoue, peut-être les 200 en vrai, c'est possible si les gens du Discord ils vont s'abonner, il y a moyen. Bah moi j'ai commencé avec Vegas Pro, je me souviens. C'était simple. Sony Vegas pour le logiciel de montage, Alex. Ça rend vite petit temps. Y a tout le monde qui est déter. Oui, on me voit pas, c'est vrai qu'on me voit pas du tout, c'est incroyable ça. Ah mince, j'ai le chat ouvert du coup. Hop. Je me suis sortie d'Ita pour qu'on puisse me voir. Bon, du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Non, c'est pas gratuit, Alex. Parce que là, je me suis posée, donc poser les questions sur le chat de YouTube, hein, c'est mieux. Je regarde jamais le chat de Soder, je vais le fermer. Tout là. Tout là, je sais pas pourquoi je dis ça. Attendez, non, on n'est pas à 200 pour Anna quand même. Non, arrêtez. Ah, ben voilà, j'en doutais. 160. Non, il est à 160, ça va. 40 personnes, c'est pas rien quand même. Ça s'acquiert pas comme ça. Hein. J'installe OBS pour vous, l'élite.
Oh mon dieu, j'adore. Tu veux que je mette le lien? Attends. OBS, c'est le logiciel que j'utilise pour filmer. Donc là, il est vraiment déter, hein. S'il l'installe, c'est terminé. Il va vraiment faire sa vidéo. J'ai commencé ma chaîne quand, moi? J'ai commencé en 2017, je dirais en... J'ai vraiment commencé en septembre 2017, par là. À plus, Eva. Merci d'être passée. Je dis pas le cheval que je vais acheter parce que c'est une petite surprise comme ça. Mais de rien, Léa. Contente pour toi. Je peux continuer pendant un œuf? Comment ça? Le nom de ton logiciel pour filmer, je vais l'écrire dans la... Bah, en fait, il est écrit dans la description, mais bon, je vais écrire dans le chat. Hop, voilà. Ah, mais j'ai plus mon... J'ai plus de chocopin. J'ai cru qu'il m'en restait un bout. Une fille qui s'appelle Elvira qui dit que je suis une de ses amies. Elle s'appelle comment la fille? Tout cas, j'ai pas d'Elvira dans ma liste d'amis. Hein. Oui, je vous montre ma liste d'amis. Moi, je l'assume complètement. Voilà, si vous voulez savoir qui j'ai en ami. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens. Alors, ça, ils ont une fâcheuse tendance, les gens, à se vanter d'être mon ami alors que bah, ils ne le sont pas. C'est un peu bête, du coup. J'ai 25 chevaux là avec mon petit Westeros. Ouais, mais Elvira comment kicker? Faut me préciser. Mais de toute façon, j'ai pas d'Elvira dans ma liste d'amis. non, c'est pas prévu. Et bah, je fais toujours mes lives sur ce serveur-là parce que c'est plus simple pour moi. Parce que de base, tout le monde sait que je squatte tout le temps le serveur 1. Du coup, les gens n'ont même pas besoin de se poser la question sur quel serveur je live. C'est plus simple en fait. Oh, mais tu peux, Jinju, même si c'est pas sûr que tu me vois en fait, vu le monde, en effet. Oui, Eva, faut que je me méfie. Voilà, si vous voulez voir les gens que j'ai dans ma liste d'amis, pour pas qu'il y en ait derrière qui disent « Oui, je suis amie avec Mélissa !» Voilà, vous avez la liste exhaustive pour le coup, je vous ai montré. Des gens qui sont dans ma liste d'amis. C'est méchant, Mei. Ouais, non, mais je la connais pas, Kike, c'est ça, rien. Oh, mais de toute façon, enfin, en fait, j'ai envie de vous dire un truc. De toute façon, les personnes qui se vantent d'être mon ami, c'est bien souvent qu'ils ne le sont pas en fait. Parce que les gens qui m'ont vraiment dans leur liste d'amis ne s'en vantent pas en fait. Ils le disent pas, ils s'en fichent. Enfin, ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent de moi ou quoi, mais c'est juste qu'ils sont pas là à dire ouais, regardez, j'ai mis ça aussi dans ma liste d'amis parce qu'ils sont respectueux et ils me considèrent pas comme un objet de collection, vous voyez. Voilà. Je vais m'asseoir, tiens. Hop. N'hésitez pas à vous asseoir sur mes genoux. Je peux accueillir jusqu'à 200 personnes à peu près. Mon personnage est assez résistant. non, ça me dit rien, ça. J'étais pas bloqué à Nikit. Oui, je t'aiderai, Anna. T'es horrible par contre de vouloir filmer la nuit. Franchement, ça c'est méchant de ta part. Non, je fais pas des lives tous les jours, j'en fais de temps en temps, c'est tout. N'hésitez pas à vous asseoir sur moi, hein, sur mes genoux. Comme je vous ai dit, à peu près 200 personnes au max. Après, sinon, ouais, ça devient un peu lourd. Bah, je sais pas comment tu t'appelles sur le jeu Cavalière pour toujours, de toute façon. Ah oui, j'ai des gens dans ma liste débloquée. Bon, je vais pas les afficher parce que voilà. Mais oui, il y a des gens dans ma liste débloquée, ça c'est sûr. Et ils y resteront à vie parce que. Soit c'est des gens qui m'ont insulté par lettre, soit c'est des gens qui m'ont spam, soit c'est des gens qui m'ont saoulé dans le jeu en me disant OMG Mélissa, je t'adore, ou je peux t'ajouter surtout. En fait, surtout ce que j'ai tendance à bloquer, c'est les gens qui me spam de. Est-ce qu'on peut être amis, mais vraiment qui me spam. Il y a tout le monde qui a hypé pour Anna, c'est rigolo. Si vous voulez suivre son avancée en direct, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. Parce que c'est là, à mon avis, qui nous retransmettra un peu l'avancée de ses vidéos. Tout cas, de sa première vidéo. Ce sera vraiment drôle, je pense.
Ah, mais en fait, là, c'était assez exceptionnel le délire de faire de la pub à Anas parce que c'est un ami et c'est parce que ça fait quelques jours que je l'embête et que je lui dis oui, vas-y, sors ta vidéo, sors ta chaîne YouTube. Ça fait quelques jours déjà que je l'embête. Discord, c'est un peu comme Skype, mais avec des serveurs communautaires où t'as. Ouais, où tu peux être avec des gens en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme Skype, mais en 10 fois mieux quoi. Oh, il y a une araignée sur la table! Trop chou! Trop bien. Coucou. Oh. Trop mignon. Non, mais si vous m'avez envoyé une lettre sans abuser, vraiment, je vous bloquerai pas. Il n'y a pas de raison. Non, non. En fait, le problème avec les lettres, comme je l'ai dit plus tôt, bah, c'était vraiment au tout début du live, donc je comprends que certains ne l'aient pas entendu. Mais le problème avec les lettres, c'est parfois, je reçois des tas de lettres qui contiennent en fait le même message. Soit c'est des gens qui me spamment pour être mon ami, soit c'est des gens qui me spamment pour être dans mon club, soit c'est des gens qui me spamment de coucou ça va. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas très utile quoi. Mais non, t'as pris. Sérieux, t'as acheté des Starcoins là maintenant? Fais un screen, j'y crois pas. Envoie-moi un screen sur Discord. Oh mais non, mais il est sérieux en plus, il va vraiment aller s'acheter un cheval. J'en ai marre. Bah, comment je fais pour être tout le temps sur le serveur 1? C'est juste, je bouge pas de serveur, je ne vais pas sur d'autres serveurs, tout bêtement. Non, je vais pas afficher les gens que j'ai bloqués, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Et oui, en effet, merci à Corée, ce Discord est dans la description. N'hésitez pas à poser des questions, là c'est le moment pour ceux qui se plaignaient tout au long du live que je répondais pas. Là, c'est le moment si vous avez des choses à me demander. Merci beaucoup, Licorne DCCO, c'est très mignon. Il est en description, le serveur Discord. Preuve du no fake sur Discord, je vais voir ça. C'est no fake! Il a vraiment acheté! Ah oui, il a profité des Starcoins en double. Attends, je vais actualiser sa chaîne. 168 abonnés. Pas mal, pas mal pour un début. Pas mal. J'essaie de vous lire, voir si j'ai pas raté des trucs. N'empêche, je commence à fatiguer, hein, parce que moi, lever à 6h, c'est pas facile, hein. Ouais, les Starcoins ont doublé. Bah oui, Mei, t'avais qu'à m'écouter, c'est tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que Mei, elle s'appelle Nora Archgate, là, sur le chat, elle a fait une bourde, donc une erreur. Elle était pressée d'avoir un Lusitanien, enfin, les deux Lusitaniens exclusifs, là, de l'event. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des Starcoins. Une semaine avant les Starcoins doublés, alors que je lui avais dit d'attendre les Starcoins doublés. Du coup, bah, elle a perdu son argent, clairement. Voilà, parce qu'elle était trop pressée. Coucou François. Ça, me demander maintenant, c'est pour quand le prochain live, puisque on est déjà en live. Donc profitez du temps que vous avez là encore avec moi en live, plutôt que déjà de me demander quand est-ce que sera le prochain, puisque je n'en ai aucune idée de toute façon. Je prévois pas 10 ans à l'avance mes lives, du coup ouais, c'est un peu au feeling quoi que je fais des lives. D'accord, Cavalière pour toujours. Oui, j'ai Pandoria. Non, il n'y avait pas de en principe, mais je te l'avais dit que c'était logique que les Starcoins doublés allaient arriver puisque c'est juste une question de logique marketing. C'était obligé qu'il allait y avoir les Starcoins doublés avant la fin de l'event pour que les gens puissent justement acheter des Starcoins doublés pour les chevaux exclusifs. Ça pousse les gens à acheter les trucs exclusifs, du coup c'était sûr qu'ils allaient mettre l'offre des Starcoins doublés. Et dis donc, il y a pas mal de gens avec le pantalon sur lequel j'ai craqué dans mon dernière vidéo. Je sais pas si c'est moi qui ai donné l'idée, mais vous avez de bon goût les filles qui ont ce petit pantalon à carreaux noirs.
Attendez, je vais dire un petit mot sur SO parce qu'on me le demande. Ouais, bah, pigeon, it's me. Non, il fera une vidéo, il fera une vidéo, Chloé. D'accord, Flavie, ok. Bah là c'est... Enfin je le ferai à la fin du live, Equite Lady, pour les rôles Discord, et sinon bah, s'il y a des modos de dispo, bah vous pouvez bien, enfin s'il vous plaît, faire les demandes de rôles en cours là, sur Discord s'il vous plaît. Parce que c'est... Il n'y a pas que moi qui peux faire ça, il y a aussi les modérateurs. Coucou Amy and Rhapsody, excuse-moi je suis vraiment très nulle en prononciation. Mais non, bientôt les 200, mais... En fait, il voulait faire une vidéo sans abo et au final. au final, il va atteindre les 200, tu sais. Ah non, mais là, c'est clair qu'il l'a fait, hein, Kike. Il a acheté les Starcoins, il nous a montré, parce qu'il va faire une vidéo achat pour sa première vidéo. Tu. Bah non, mais spoil pas dans les. Spoil pas dans le live, Anna, ce que tu vas faire. Deux? Tu vas en acheter deux? Ah non, mais un whistle. Ça, c'est une belle référence à moi, mais achète-en un beau de cheval. Non, achète-en un beau. Arrête! Achète un poney que t'appelles Whistle, genre, c'est stylé. Un petit poney tout mignon, parce que voilà, je suis mignonne, il faut bien me représenter. Tu vas pas prendre le vieux Morgan. Voici ma question. Dans ta vidéo, tu as acheté un tapis rouge juste en sortant des galeries juristiques. Quand tu parlais de coiffure passée blanche à ton goût, pourrais tu me dire où? Un tapis rouge? Bah, je l'ai acheté dans les galeries juristiques, je pense. Non, arrête, Anna! Je te déteste. Frison plutôt, Ariane. Bisous, Alexia, merci d'être passée. Bah en fait, tu dois attendre que ta demande de rôle soit traitée pour avoir accès aux autres salons de Discord à Maya. Est-ce que je vais me lever de ma chaise? Bah là non, vu que j'ai pas grand-chose à faire, à aller faire, autre part que là sur ma chaise. Quand j'arrêterai le live, oui, je me lèverai de ma chaise. D'accord, y a pas de souci, Lola. Bah je vois pas de quel tapis tu parles, Bueno, il faudra que j'aille revoir ma vidéo pour te dire. Attendez, je vais me lever de la chaise pour que ceux qui me voient pas peut-être puissent me voir. Je vais mettre là, hop. Oh ma pauvre Agathe! Oh non, regardez-la! Oh non, elle est toute seule! Avec sa pauvre tête de lapin là! Oh la pauvre! Y a personne qui est venu vers elle, elle était toute seule dans son coin! Salut Antera. Non Anna, c'était juste exceptionnel là, c'était juste pour la blague. Le live, bah, va se terminer dans pas trop longtemps, je pense. Non mais oui, elle était toute seule, la pauvre. Il faut la, faut, voilà, faut la soutenir, il faut l'entourer. Elle aime être entourée de plein de monde. Anna, il va faire une vidéo pour les 100 abos et quelques minutes plus tard, et il fera une vidéo pour les 200, tu m'étonnes. Je suis sur le serveur belge et j'aimerais beaucoup venir sur un serveur français. J'envoie un mail et ce soit en français. Vont-ils le comprendre? Bien sûr. Bien sûr. Ma soeur, elle fait des vidéos, elle a pas beaucoup d'abos. Son affiche est grande. Non. Bah, je sais même pas c'est quoi son compte, donc je peux pas aller voir s'il me donne pas le nom, mais. Je vais pas trop voir généralement les chaînes YouTube qu'on propose de voir. J'essaie de, voilà, de découvrir par moi-même. Si l'écran se frise, c'est normal, je sais que j'ai fait un retour Windows.
Comment tu fais pour mettre le nombre d'abonnés en haut du chat de live et l'intro au début? Alors ça, c'est... J'ai galéré à le faire, mais en gros, c'est... Tu vas sur un compteur en live d'abonnés de ta chaîne YouTube et tu l'intègres à ton live, en fait, via OBS. Regarde des tutos, il y en a sur YouTube, je pense. Pourquoi il y a des gens qui demandent à être modo alors que je ne les connais même pas? C'est quoi ce délire? Oui, je peux parler, Nono. Hop là, je m'écarte un peu. Ah oui, mais non, mais je vais pas durer trop longtemps là, parce que déjà, je pense que les gens commencent à se lasser. Parce que de toute façon, on fait plus d'activités sur le jeu, et puis vous avez plus trop de questions, donc je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps. Mel, tu peux m'aider? J'hésite entre le track noir, blanc, le track noir et blanc, et le gris pommelé. Bah, en vrai, moi je te conseillerais plutôt le gris pommelé parce que c'est quand même celui que moi j'ai choisi, donc c'est celui que je préfère. Après, je sais pas, parce que les deux on les voit beaucoup trop. Je te conseillerais plutôt un des derniers qui est sorti, à part celui à Alzon à Balzane. Moi je te conseillerais soit celui de l'application, soit le noir, soit le bai. Parce que beaucoup moins de gens les ont, ils sont moins populaires et ils sont tout aussi mignons, je trouve. Après, tu fais comme tu veux vraiment. Bah fais pas attention aux personnes qui t'insultent juste pour t'insulter, Martine. Non, là j'ai pas envie de mettre la cam, Chevalov. Ah bah n'hésitez pas, ouais, pour les photos, n'hésitez surtout pas sur le jeu, hein, ça me dérange absolument pas. J'ai perdu mon cheval près de la boum de Fort Pinta, il y a trop de chevaux, il s'appelle Daydream, un Pintavian, il est sûrement étouffé dans le troupeau, help! Tu m'étonnes que tu l'as perdu, le mien aussi, je pense qu'on le voit plus là. Oh, ah oui, il y a une foule de chevaux devant. Et pourquoi Anna? Pourquoi il te lâche? Comment fait-on pour parler dans ton serveur Discord? Bah tu vas dans la demande de rôle, tu fais ta demande de rôle et après on t'assignera un rôle justement par rapport à ton serveur. Et puis après tu auras accès à tout le Discord. Voilà. C'est gentil, Sabine. Mon pantalon, c'est tout en description, donc je vais pas m'amuser à le redire. Regardez la description, j'ai fait un détail complet de ma tenue là que je porte. D'ailleurs, on me voit même pas, donc ceux qui se demandent quel pantalon je porte, c'est pas évident. Je vais me mettre derrière là, je vais faire le DJ. Ah non, on peut pas passer, mince. Bah tant pis. Merci en tout cas à ceux qui arrêtent pas de répéter ce que j'ai dit dans la description d'ailleurs. Comme quoi, ça fait disparaître certains joueurs pour éviter les lags. Merci beaucoup. Merci Brielle, du coup. En plus, il a plus de compte, Anna, donc c'est triste, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Diana? Bah oui, mais des fois ça fonctionne pas forcément la technique de débloquer et bloquer, Anna. Just Anna. Suis désolée pour toi, Anna écrite. Bisous. Mais Chloé, redis-moi ta question au lieu de me dire réponds-moi s'il te plaît 10 000 fois. Il est dans la description, serveur Discord. Les meilleurs gants du jeu, il n'y en a pas un meilleur que les autres. En vrai, le seul item qui est vraiment le meilleur dans sa catégorie, c'est les bottes qui sont vendues au shop de Spirit, à la boutique de Spirit. Là, c'est les bottes d'Abigail qui sont les meilleures du jeu en termes de statistiques. Mais sinon, le reste des autres vêtements, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Mais en termes des statistiques pour les bottes, les meilleures, c'est celles d'Abigail dans la boutique de Spirit. Voilà. Sinon, le reste... Y a pas de meilleur. Pour les gants, par exemple, c'est. Bah attendez, je vous dis tout de suite parce que j'ai un exemple sur moi. Pour les gants, ce qu'il vous faut, c'est du plus 4 équitation, plus 4 maîtrise et c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Voilà. Oui, deux secondes, je parle dans le jeu si vous voulez. Voilà, je veux dire coucou. Hop. Voilà.
D'accord, Céline. Oui, c'est vrai, Lucie. C'est prévu depuis longtemps par SSO, ils nous en avaient déjà parlé comme quoi c'était le 24 avril les prochaines robes des Shinkoti. J'hésite à prendre Spirit, j'avoue, vu qu'il va partir. Mais pas pouvoir mettre de matos dessus, ça m'ennuie. Bah pareil pour moi, Coris. Vraiment, je trouve aucun intérêt à ce cheval déjà parce que tu t'as pas le plaisir entre guillemets de l'entraîner puisque pour certains c'est une corvée. Et en plus, le cheval, tu peux même pas le personnaliser en lui mettant des équipements et tout, donc il y a vraiment aucun intérêt à mes yeux de l'acheter. Du coup, moi perso, je l'achèterais pas, c'est une perte de star, quoi. Oui, je vois ça. Il y a tout le monde qui dit coucou. C'est rigolo. Ta voix m'apaise car je suis stressée. Bah, détends-toi. Repose-toi. Prends-toi un petit thé. Par contre, il faut me faire parler parce que je vais pas parler pour rien dire. Donc, il faut me poser des questions. Ah mais il est déjà niveau 15 en plus. Ok bah voilà c'est réglé, je le prends pas. Ah oui non mais oui il est déjà niveau 15 le machin, donc y a aucun intérêt à le prendre clairement. Je ne te vois pas. Ah bah ça arrive, je suis désolée Legend. Mélissa et ses mères, ouais. Oui, j'ai préféré parce que c'est un film qui a bercé mon enfance, ça me tenait à cœur de l'avoir, même si il pourrait au fond de mon écurie. Mais en fait, le problème, justement, avec ce Spirit-là, c'est que c'est même pas celui du film Spirit, mais c'est celui de la série sur Netflix, Spirit, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Mais en fait, la différence entre le vrai Spirit, donc qu'on connaît tous de notre enfance, du film, c'est qu'il a pas de liste blanche en plein milieu de sa tête, là. Il a rien, en fait. Alors que celui de Netflix, bah, il a une liste blanche et c'est donc pas le véritable Spirit. Donc c'est un fake. Ah bah oui, c'est le cas pour beaucoup de gens, je pense, Gonel. On voit très peu de Spirit dans le jeu. Hein. J'ai jamais trop regardé à Coris perso. En fait, je l'ai déjà fait pour un autre cheval, Lola. C'est pour ça que je peux pas le refaire. Anna, t'abuses. Aimerais-tu qu'il refasse les Andalous? Oui, bah oui, c'est un des chevaux que dont j'attends le plus la refonte. Y a pas un sport que j'adore à part l'équitation, même si j'en fais plus, Céline. Bisous Flavie, merci d'être passée. T'as vu, je me souviens de ton nom. J'ai une bonne mémoire. Des séries Netflix à conseiller? Oui. Alors, en série pas trop connue, moi je vais les écrire, ça sera plus simple. En série pas. Pardon, en série pas trop connue, je vous en conseille certaines. Voilà. Voilà. Hop. Parce que sinon, après, bien sûr, il y a les classiques La Casa de Papel, Stranger Things, des trucs comme ça, hyper connus. Donc, je vais pas vous les conseiller, même s'ils sont très bien. Mais voilà, j'en conseille certains que moi j'ai regardé qui sont pas énormément connus, on n'en entend pas trop parler. Bon, sauf Zewa, vu que bah, il y a la deuxième saison qui est sortie récemment. Mais sinon, on n'en entend pas trop parler. Mais voilà, je vous conseille ça comme série. Non mais Luna, je sais qu'on peut pas avoir plus de 10 000 shillings vu qu'en faisant ma vidéo achat dernièrement, j'ai failli dépasser la limite en prenant mes récompenses de course en shillings là dans ma boîte aux lettres et ça m'a mis un message d'erreur en mode bah ça va dépasser la limite quoi. Du coup je sais qu'il y a encore la limite. Mais en fait c'est qui Ness? Je sais même pas qui c'est quelqu'un qui fait des vidéos? N'hésitez pas à en stand-ban en fait, les gens qui font explicitement leur pub, ça me dérange absolument pas, hein, les modos. C'est trop bizarre les bruits qu'ils font les personnages dans les SSO quand on fait le truc genre parler. C'est n'importe quoi. Non, non, j'ai pas envie de bouger là, honnêtement. Et puis on va bientôt arrêter le live parce que honnêtement, là, y a pas.
plus grand chose à faire. On a fini toutes les courses du jeu. On a fait quelques tâches d'écurie en plus de ça. Ah bah on peut faire les quêtes de... Les tâches d'écurie de Fort Pintas, tiens, si vous voulez, si vous êtes motivé, je vous invite à venir. On va les faire pour clôturer ce live. Sur une petite note de shilling en plus, hein, 90 shillings, c'est pas négligeable. Il est où mon cheval? Ah, il est là. Je le reconnais avec son équipement. Ok, Akorizbe, je connaissais pas du tout. Mais n'importe quoi. On peut faire dresseur avec tout. Quoi, dresseur? Qu'est-ce que tu racontes? Genre une vraie vie ou un dealer comme ça? Non. C'est pas trop pratique avec le monde qu'il y a, clairement. Allez, on motive tout le monde à faire ses petites tâches d'écurie. En vrai, il n'y a pas tant de gens qui les font. Les gens me suivent à cheval, mais en vrai, il n'y a que Amy Goldir, Pamela Glade Evan. Alors, Lisa Northway, Brielle Dragonpie. Ouais, c'est bon, là, ils commencent à descendre et à faire les quêtes. Ça va, vous êtes motivés, les filles. Allez-y, allez-y. Parce que les gens qui nous suivent à cheval, là, je pense pas qu'ils fassent des quêtes, hein, parce qu'il faut descendre. Ah, je risquais mon cheval, le petit Connemara gris truité. Je crois que c'était Blueberry. Recoucou Eva. En fait, la vallée du Dino, c'est une des seules régions qu'on débloque automatiquement à partir d'un certain niveau et on la débloque niveau 15. Voilà, t'as ta réponse. Voilà. Ah d'accord, à Corus. Ok. Je savais pas du tout, tu vois. Je sais pas du tout, tu peux aussi demander l'avis du chat, Bueno. Hein. Aelia, j'ai pas trop d'inspi pour ce genre de choses, court-métrage, série ou mini-film ou quoi, non. Donc je pense pas qu'un jour je ferai ça. Non. Pas trop la motive aussi, j'ai expliqué tout à l'heure comme quoi ce serait vachement difficile à faire, à mettre en place. Déjà que de base, tourner une vidéo juste en parler comme ça, ou juste te poser dans un endroit pour être calme et tourner, bah des fois c'est compliqué de tourner. Donc j'imagine même pas des séries où, avec des scènes où tu dois les faire dans des endroits précis, où tu dois bien être... synchro avec les gens que tu présentes dans ta série en tant qu'acteur, ça doit être assez compliqué à mettre en place, je pense. Ça demande beaucoup trop d'organisation. Pas du tout, Eva, je pense que tu peux avoir autant de chevaux que tu le souhaites. Il n'y a pas de limite. À quel niveau on débloque Nouvelle Crest? Alors, il n'y a pas vraiment de niveau à partir duquel on débloque Nouvelle Crest. Il faut que tu fasses. Tout simplement tes quêtes jaunes en priorité et voilà, tu finiras par les avoir. Non, Eva, c'est impossible à faire une photo parce que personne ne va respecter le fait de se mettre en ligne. Il y aura toujours des gens pour s'entasser. Du coup, non, je fais jamais de photos dans les lives où vraiment il y a beaucoup de gens. Parce que la dernière fois avec les araignées, on était vraiment très peu à la fin. Du coup, je me suis permise de prendre une photo, mais là, c'est pas possible, on est beaucoup trop. Personne, se mettra en ligne. Oui, je pense, Aventure Schleich, que les Lusitaniens et même les Libisons limités vont revenir l'année prochaine. C'est quasi sûr, même. Je sais pas, Loli, je suis pas dans la tête de Star Stable, c'est pas moi qui programme les codes qu'ils donnent. Oui, c'est la fin, là, on va bientôt arrêter parce que bon, il n'y a plus grand chose à raconter. Je suis un peu fatiguée, c'est assez fatigant de parler pendant plusieurs heures d'affilée, tout en sachant que je me suis levée à 6 h ce matin. Du coup, je suis un peu fatiguée, voilà. Ouais. Une race dont la refonte m'a dessus? Bah non, pour l'instant non. Peut-être un peu les Chingotiques, parce que dans un sens, ils sont pas foulés, puisqu'ils ont beaucoup repris
des choses existantes, donc c'est-à-dire pour à mes yeux, hein, ils ont un peu repris le modèle des Connemara au niveau de l'esthétique du Shin Kotig, et au niveau des allures, je trouve qu'ils ont repris les allures du Jorvik, du Poney Jorvik, quoi, pardon. Du coup, malheureusement, je suis pas trop satisfaite de, je suis pas entièrement satisfaite de la refonte du Shin Kotig, malheureusement. Même s'il y a de très belles robes, ça je dis pas le contraire, mais ouais, il y a un petit souci au niveau du modèle qui ressemble beaucoup au Connemara. Et encore, si ce n'avait été que ça, ça m'aurait pas dérangé. Vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est les allures calquées sur le Poney Jorvik, je dirais. Oui, il y aura une rediffusion. Mais je vous en prie, c'est moi. Merci à vous d'avoir participé à ce live. Vous étiez beaucoup. Vous étiez nombreux. Vous étiez beaucoup aussi à faire les courses avec moi. Ça fait plaisir, ça motive tout le monde. Et c'est toujours sympa de passer un peu de temps avec vous. En direct, comme ça, de pouvoir répondre à vos questions, pouvoir passer du temps avec vous, vous faire plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi également. Ouais, bah moi, tu vois, il me convainc pas tant que ça, Coris, tu vois. Ouais, mais je viendrai avec toi, non, m'oublie pas. Hein. Et oui, du coup, faut que je coupe mon live, parce que moi aussi, j'ai un truc à tourner, mais. Enfin, j'ai pas une vidéo à tourner, juste ma voix à tourner, à poser sur une vidéo que je dois faire. Enfin, bon, voilà. N'hésitez surtout pas à liker le live si c'est pas encore fait. C'est toujours sympa. Et puis voilà. Si vous avez pas vu la vidéo du samedi, aussi je vous la conseille. C'est une vidéo achat. Généralement ça plaît aux gens les vidéos achat où on nous voit dépenser notre argent. Du coup voilà, si ça vous dit, c'est dans mes dernières vidéos. Merci beaucoup, Lucie. N'hésitez aussi pas à. Ouh là, ma phrase n'était pas très française. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord en description. C'est marrant, tout le monde tourne autour de la fontaine avec moi. Ça n'a aucun sens, mais tout le monde le fait. Allons-y, tournons. Il y a même des gens à pied. Bah en fait, c'est juste en description. T'as juste à cliquer sur un lien pour accéder au serveur Discord. Ou alors là, tu me demandes peut-être le serveur sur lequel je suis, bah c'est serveur Humbleberry Mountain, mais de toute façon on va partir, donc ça sert à rien de venir, c'est un peu tard. Merci beaucoup Céline, c'est super gentil de ta part. Oui, merci Noué la frette, merci beaucoup, c'est vrai qu'on les a atteints pendant ce live au tout début. Ouais, depuis 15h je suis en live, ça fait un petit temps là déjà. Il est 18h30, mais non, c'est pas ça? Ah, il va bientôt être 19h, donc oui, il va falloir que j'arrête à un moment donné. En tout cas, vraiment merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses, d'avoir participé aux courses avec moi. Ça fait toujours plaisir de, voilà, de faire des activités en votre compagnie pendant mes lives et de vous voir sur le jeu. Voilà, ça me fait plaisir à moi et ça vous fait plaisir à vous, donc c'est donnant-donnant et c'est parfait pour moi. Encore une fois, merci beaucoup pour tout votre soutien et vos 11 000 abonnements. C'est vraiment assez fou en fait pour moi, vraiment. Ça monte tellement vite ces derniers temps. Donc vraiment, merci, merci infiniment. Et puis, je vais vous laisser parce que vraiment, là, le live a duré un petit temps déjà. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord si vous voulez, voilà, discuter hors live, etc. Passer du temps avec la communauté, ils sont super gentils, très à l'écoute et vachement, comment dire, comment dire, ils s'entraident beaucoup, voilà. Désolée, j'ai plus mes mots, je perds mes mots parce que je suis vraiment fatiguée là, j'en peux plus. Mais du coup, oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je voulais dire autre chose, mais j'ai complètement oublié. Tant pis, hein. Pire si j'ai oublié. Mais oui, merci beaucoup d'avoir été présent. Et au pire des cas, si vous êtes arrivé trop tard, il y aura la rediffusion si ça vous intéresse de regarder. De toute façon, j'arrive plus ou moins à combler mes lives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de moments de blanc à part vraiment quand je suis concentré sur une course. Du coup, bah voilà, il y a toujours des choses à écouter si vous aimez bien écouter parler pendant des heures. Enfin bref, je vais vraiment vous laisser parce que là je commence à être fatiguée. Puis voilà. Un prochain live du coup. Je vous fais plein de bisous, encore une fois, merci énormément. Et alors oui, voilà, je me souviens, je voulais répondre à une personne. Pour ma tenue entière, là, j'ai mis en description tout ce que j'ai en fait sur moi.
Du coup, n'hésitez pas à check la description. Vraiment, il y a toutes les infos pour ma tenue là. Voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ça. Et il y a d'autres informations en plus en description si vous voulez vous amuser à la lire. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.